Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31 e podcast de Merouguezou, euh, le podcast du printemps, le podcast où. Toujours le point météo au début, c'est important, vous avez l'habitude maintenant. Le podcast d'avril, du coup, euh, où le, le soleil est arrivé, les feuilles sont vertes et où tout le yes. monde est heureux. Donc, comme d'habitude, je, euh, je suis entouré de mes trois comparses de la merguez. Euh, on va commencer par Parvez, parce que Parvez est retombé dans la dimension euh, parallèle apparemment dans laquelle il était tombé. Bonjour Parvez, comment vas-tu bah écoute, euh, ça va. Hein. Bonjour, bonjour, Théo, bonjour Guillaume, bonjour Ken. Bonjour, bonjour. à, ça à tous. Hein. Euh, bah écoute, ça va bien. Hein. Comme tu as dit, hein, c'est le, le printemps. Euh... On prend des couleurs, le soleil revient. <laughs> bon, des fois il pleut. C'est un peu, un peu relou. Des fois on sort la, on sort vrai. la doudoune. Allez. Des fois on sort la petite jaquette. Et bon, bah, Les giboulées de mars, et tout ça, tout ça. On connaît tout <laughs> est ça. Euh, Est-ce est qu bon, est qu'il y a du bizarre. soleil dans la dimension parallèle Parce que ça a l'air d'être assez sombre quand même dans ce que je vois là. C'est assez sombre, mais mais ça va. On s'y fait en fait au bout d'un <laughs> moment. Des fois il y a le petit éclairci et tout ça. <laughs> ok, très bien, Énorme. parfait. Et ça va, c'est cool. Euh, mmh. En direct de la Lettonie, on a Théo, Théo ah. le fou. Comment vas-tu, Théo le fou Écoute, ouais, bah comme je disais tout à l'heure, vous me cueillez un bonjour, là je suis plutôt de bonne humeur. Je... <laughs> C'est une bonne chose. Yes. Et, enf et enfin, euh, pour finir, last but not least, n'est-ce pas euh, Guillaume Bonjour Guillaume, comment vas-tu Bonjour mais je suis super content. Ouais, bah toujours, <laughs> toujours les podcasts, on est content Mais est heureux, ouais, ça fait ouais. trop plaisir de vous voir. J'ai l'impression de ne pas vous avoir vu depuis 15 ans. Bah en fait, on ne s'est pas vu depuis 3 mois, parce que c'était le dernier ouais. podcast de... C'était début janvier ou fin décembre, je ne sais même plus. Je ne sais plus trop. Bon, hein. C'était il y a beaucoup trop longtemps. Bon, J'ai vu coup, ce euh... petit point vite fait, euh, petit point Mirogezu avant de commencer. Bon déjà, la première chose la plus importante, euh, pour ceux qui euh, par hasard nous écoutaient sur SoundCloud, en fait, le, le compte SoundCloud de Mirogezu n'est plus. La raison est purement budgétaire. Hein. C'est qu'en fait, un compte SoundCloud pour héberger de l'audio, c'est 100 euros par an. Et euh, mmh. bon, vous l'avez vu, on fait, <laughs> on fait moins de podcasts. Et en fait, du coup, euh, payer 100 euros par an pour faire euh, 4 à 5 podcasts dans l'année, c'est pas très intéressant. Donc, du coup, on a cherché une alternative euh, gratuite. Et on est tombé sur Encore, euh, donc du coup, qui est. Prêt, euh, euh, distribué par Spotify. Donc c'est le premier mm. podcast qu'on va uploader sur Encore. Pour les gens qui nous écoutaient via les flux RSS, Podcast Addict et compagnie, ça a rien changé parce qu'on a fait tout le bidouillage euh, redirection de flux et tout. Donc du coup normalement euh, vous devriez même pas sentir euh, la, différence. la différence. Mais voilà, si vous nous écoutiez que sur SoundCloud, bah il n'y a plus les podcasts sur SoundCloud. Et C'est euh, pour ça. Au niveau de la vidéo, pour ceux qui nous regardent en vidéo, d'ailleurs je vous fais coucou. Euh, la vidéo ça change pas. Du coup c'est toujours sur YouTube, il euh, n'y a pas de souci. Donc bon, on va commencer du coup par un petit tour de table euh, et on va commencer par euh, Pazou euh, qui va nous parler euh, de Monster Hunter Rise du coup. Alors Pazou, qu'est-ce que tu penses de ce Monster Hunter Alors je sais ce que tu penses de ce Monster Hunter. <laughs> parce que... <rire> <rire> Ce qu'il faut savoir ouais. un truc, c'est que je joue avec Pazou, mais que j'ai vu, vu la montée en puissance du truc, c'est qu'au début il avait un ah, intérêt bon. euh, moyen autour du jeu, et puis petit à petit c'est monté, et là on est arrivé à l'intérêt obsessionnel autour de ah, ouais, ouais. Hunter. Donc ouais. bah, je te <laughs> la, laisse en parler Pazou et du coup je te seconde pour parler un petit peu du jeu. Bah en vrai, tu as bien résumé le truc, c'était qu'au départ, Bon bah, Monster Hunter, je pense que bah on connaît, hein, c'est développé et édité par, par Capcom, hein, ça fait de, depuis des années que ça existe, je crois, depuis 2004, 2004 sur PS2. Ou puis après... quoi, un truc comme ça, ouais. ouais. 2004 sur PS2, et ensuite ça, ça a connu en fait, euh, euh, bah on, ça a gagné en fait en popularité sur PSP puis après 3DS et ensuite bah, Monster Hunter World où là ça a complètement explosé ouais. je crois que c'est le, le jeu euh, de Capcom le plus vendu hein, il, il me semble, semble en Lord. effet ouais c'est ça ouais avec l'extension Iceborne en plus ouais c'est le jeu euh, qui s'est le plus vendu ouais. qui a dépassé Resident Evil qui était pourtant euh, euh, un, qui tenait un le record 5. assez haut euh, ouais, ouais le 5 ou le 4 le 5 ou ouais. 6 le 6 je crois que le, le plus 5. vendu c'est le 6 hein. Ah oui le 6, ah bon où okay. oui, il se fait il se refait dépasser ensuite par le 5, mais ouais c'est le l'un ou l'autre ouais t'as ouais. peut-être raison d'accord ouais. okay. en effet mais mais du coup Monster Hunter Rise qu'est-ce que c'est bah, en fait c'est la terrasse enfin c'est l'épisode Switch et PC euh, deux ans plus tard qui est plutôt axé bah, du coup sur l'univers de Kamura un univers un peu plus euh, japonisant donc euh, tout ce qu'on aime hein, chez Merugézu <laughs> et euh... <laughs> un bon qui coup... que nous sommes ah bah ouais là, là clairement euh, on est servi hein, franchement et euh, bah, qu'est-ce que c'est bah enfin c'est Monster Hunter avec des monstres en, en plus avec des quality of life donc des facilités euh, bah, pour cueillir pour farmer en fait euh, qui, qui qui sont qui sont juste top en fait hein, oui. parce qu'on on, on gagne en fait beaucoup plus de plus plus de qualité de vie comme ils disent un hein, QL, oui. quality of life euh, les youtubers spécialisés comme Monster Hunter euh, plus qu'en fait que dans World oui. qui était déjà très 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 bien avancé Comment après, que, que tu as, com dire as de commencé ce jeu, quand en fait, euh, la série Monster mmh. Hunter Pas tu as commencé avec World Non, non, j'avais commencé avec euh, le 4. Enfin, j'avais joué un peu sur PSP. Ouais. Monster Hunter 2. Ouais. Monster Hunter euh, Freedom Unite. Un ouais. tout petit peu, hein, parce que du coup, j'ai des potes qui jouent à Monster Hunter. Euh, mais après, j'ai acheté la 3DS avec euh, Monster Hunter 4 euh, Ultimate. J'ai plutôt bien joué pas énormément que comme Monster Hunter Rise. Ouais. Puis après j'ai continué sur World euh, où j'ai beaucoup joué avec euh, bah, avec toi, avec les Ouais, on de en avait parlé à l'époque, ouais parce que bah d'ailleurs le Discord public de Mirogezu avait ouvert à la base grâce à Monster Hunter World Exactement, parce que c'était ouais. c'était l'occasion de jouer du coup tous ensemble. Donc on avait ouvert le Discord public pour ça. Donc c'était il y a combien d'années maintenant C'était il y a 4 ans je crois, non Monster 3, Hunter 3 World. 3 ans 4 ans Ouais, Pro, 4 ans. C'était 2017-2018 donc ouais, le, le Discord ouais. de Mirogezu existe depuis tout ce temps maintenant et euh, du coup ouais bon toi t'as as senti du coup l'évolution vraiment de qualité de vie en passant d'un Monster Hunter à l'autre ouais parce ouais, que ouais, clairement parce ouais. que enfin on va le dire Monster Hunter c'est une formule qui est quand même vachement rodée maintenant enfin euh... Euh, J'en parlerai peut-être un petit peu après, mais voilà, c'est un jeu où euh, bah, dès que tu commences à jouer, tu sais directement dans quoi tu te lances. Tu vas chasser des monstres, hein, ni plus ni moins. Mmh. Le but, c'est d'aller faire son stuff d'armure, d'armes, etc., etc. Mais en fait, ouais, je pense que le, le, chaque itération de la série tire son épingle du jeu en proposant un jeu qui est un petit peu plus accessible à chaque fois. Et euh, bon, aujourd'hui, c'est quand même encore un petit peu rude. Il hein. y a encore beaucoup de menus. Euh, je, je vois euh, pas mal de gens vrai. qui évoquent ce problème parce que c'est vrai que c'est un jeu qui t'assomme de, 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 de tutoriels dès le début. T'as euh, ouais. mmh. beaucoup de trucs à assimiler, euh, t'as une bonne quinzaine d'armes si je dis pas de bêtises, aux alentours de 15, 14, 16, je sais mmh. plus. Et, euh, donc, ouais, t'as as énormément de choses à apprendre et c'est vrai que c'est un jeu qui fait très peur en fait à première vue, mais je pense qu'il faisait encore plus peur avant. Et que maintenant, ah oui, clairement. ouais, mmh. maintenant, enfin, en tout cas, depuis World, il y a vraiment eu une évolution majeure et que la série. Maintenant, elle est un petit peu plus accessible. Euh, Guillaume et Théo, euh, est-ce que Monster Hunter c'est un truc qui vous chauffe d'une façon ou d'une autre <laughs> Jamais joué. Et ça, jamais pas joué. Pas du tout. <laughs> <laughs> c'est bah, online. Non, mais je m'en souviens. Nazim, il y, il y jouait à l'ancienne, non Ouais, de ouf. Ouais, c'est ouais. un de ses jeux préférés. Ouais, bah. Ouais, à l'ancienne, je me souviens, il était à fond dessus, machin. Mais pour moi, ça a toujours été un jeu à euh, la Nazim, notre fameux pote en commun. Ouais. Et, et <laughs> j'ai toujours cru que c'était un, tu sais, un truc de geek, on va dire. <laughs> mais euh, c'est <laughs> online, non Non, non c'est pas, pas genre que online. Vrai, tu peux y jouer tout seul. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est quand même d'y jouer à plusieurs. Ouais. mais bon, euh... En fait, bah, euh, non, euh, pour te répondre vite non. fait, c'était un peu un truc de geek à l'époque parce que c'était assez confidentiel, entre guillemets. Ouais. Tu vois, Monster Hunter, ça ressemble à n'importe quoi. Pas, pas beaucoup de jeux, tu vois, pas vraiment de jeux qui qui ressemblent, mais là avec World et maintenant Rise, ils ont vraiment ouvert le truc. Tu vois, t'as un monde ouvert, donc c'est beaucoup plus simple. Tu as un accès en fait au menu à tes objets pendant la quête. Tu peux changer d'arme pendant la quête, etc. Alors que ah oui, alors, ouais. dans les anciens Monster Hunter, c'était pas le cas et tout ça. Enfin, c'est beaucoup plus fluide. Même si okay. comme il a dit Ken, ça t'assomme en termes de menu, Et euh, bah en fait, une fois que t'es plongé dedans, euh, il faut prendre un pas parce que comme il a dit Ken, au départ, j'étais pas très chaud en fait. Ouais. J'étais j'aimais bien le jeu tu vois donc je, je, voulais trop, je voulais jouer mais je jouais pas forcément tout seul euh, j'étais un peu rebuté quand même par le menu et tout ça mais une fois que tu prends, tu prends goût en fait à tout ça que tu comprends euh, ce que bah, le, le gameplay en fait oui. hein, tout, ce qui est, tout ce que le jeu peut peut t'offrir c'est juste un mmh. exceptionnel en termes de, okay. en termes de contenu Franchement, tu peux y passer une centaine d'heures très facile. Bah, ah. Là, je suis à 130 heures. Ça augmente tous les jours, ouais. mais de palier par palier, ah. ça prend 15 heures par jour. C'est assez impressionnant. Ah, le... C'est n'importe quoi, <laughs> Ton jeu de bah, Après, c'est ton ouais. jeu ouais. du Ramadan, en quelque sorte. Donc, du coup, Exactement, tu... j'allais le dire. Exactement, mais du coup, euh, ouais, c'est mon jeu du Ramadan, mais... On va arriver après sur la fin, qu'on va, qu va, qu va en fait parler d'autres choses, mais oui. c'est vrai que du coup, euh, j'ai peur en fait de trop le, le consommer, tu vois, il y, y a trop ah de oui. trucs, tu vois, bah et, ouais. euh, et j'ai peur en fait de le consommer au maximum et de ne plus, euh, plus y toucher dans pas trop longtemps, tu vois. En fait, c'est euh, avant d'avoir euh... l'avis sur Guillaume qui m'intéresse beaucoup, parce que Guillaume avait joué à World. Euh, ouais. En fait, la, la, la Monster Hunter, je vois vraiment ça comme un hack and slash. J'ai jamais joué à Diablo, par exemple, mais je sais que c'est à peu près la même philosophie. Moi, quand je pense, c'est à... du farming, hein. voilà, ouais. c'est ça. Quand je pense à Monster Hunter, moi, je pense surtout à à Fantasy Star Online, parce que je vois beaucoup d'affiliation entre les deux jeux. Enfin, Fantasy Star Online, c'était euh, le jeu multi online de Sega, où voilà, avec les limitations techniques de l'époque, tu pouvais jouer qu'à 4 et où tu allais justement chasser des fois des. Le premier boss de Fantasy Star Online, c'est un gigantesque dragon que tu dois toucher à certains mmh. points faibles. Donc, c'est vraiment on retrouve la, la philosophie. Monster Hunter et ensuite du coup Capcom en face a sorti son premier jeu enfin euh, une série de jeux online dont euh, Monster Hunter et tu retrouves cette dynamique où voilà quatre joueurs parce que l'imitation technique de l'époque est et c'est resté et euh, en fait dans ce genre de jeu j'ai un, un peu euh, une double appréciation dans le sens où je vois à quel point tu peux tomber dedans et à quel point c'est addictif parce que a... c'est pas ton cerveau, il dégage de l'endorphine en fait quand tu viens à avoir l'objet que tu voulais avoir et que tu arrives enfin à fermer ton armure, mm. etc. Mais en même temps, tu vois, et j'en parlais d'ailleurs avec, euh, avec Pazou hier plus ou moins, euh, mm. j'ai l'impression que déjà, moi, au bout de 75 heures de jeu, je commence doucement à sortir. De, du truc et que je prends du recul tu vois c'est euh, pour ouais. comparer ça bah, notre fameux euh, ami en commun Nazim euh, il appelait ça le point Animal Crossing c'est genre tu te butes sur un jeu à faire quelque chose de très euh, de enfin euh, c'est dans un cycle en fait tu vois c'est tous les mm -hmm. jours tu allumes le jeu et mm -hmm. en fait à un moment ça devient même un taf entre guillemets tu vois c'est que <laughs> bah tu dois aller récupérer tel truc et si tu dois buter cinq monstres pour avoir le truc tu vas aller buter tes cinq monstres euh... ça va te prendre 2 <laughs> heures et t'es pris dans un espèce de tourbillon et c'est vrai que au moment où tu commences à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, tu te dis waouh, enfin j'ai passé une éternité sur, euh, sur un jeu pour farmer une armure, enfin à quoi bon Tu vois <laughs> et donc du coup ouais, tu te détaches ça. un petit peu ouais. Mais, euh... c est, c est tu tu fais ton armure de ouf malade et tout t'en as chier pour l'avoir ouais. mais finalement t'as battu le dernier boss bon nous c'est pas, bah, pas encore le cas c'est pas encore le cas on y arrive là mais ouais. imagine tu vois enfin tu fais ton armure de ouf t'as battu tous les, tous les boss là tous les monstres oui. bah, tu fais quoi en fait y a ouais, pas de... ça. malheureusement il y a pas de il PV... y a pas de pvp c'est ça ouais c'est euh... que du pve et euh, bon ben c'est cool tu vois tu... Tu, voilà, où est la limite bah, La limite, elle est là, en vrai. C'est parce qu'en parce qu en fait, c'est que... Ah, après bah, 130 ouais. heures, c'est pas mal, déjà. quand même Les gens qui jouent à Monster Hunter, euh, fin, euh, je, je... déjà, euh, les, les vrais fans de Monster Hunter, ils jouent à tous les épisodes, alors que du coup, à chaque fois... enfin mm. Je te jure, Guillaume, tu as joué à World, euh, tu joues à, à Monster chose. Hunter Rise, tu prends tes repères en 3 secondes, parce que euh, mm. en dehors des nouveautés de gameplay qui sont... Euh, Évidentes et qui sont super pratiques. En tout cas, tu sais, le principe d'aller chasser des monstres pour faire leur armure, tout ça, toi, t'as connu, par exemple, tu vois. Et euh, les mecs qui jouent à Monster Hunter, bon, déjà, ils y jouent, ils jouent à chaque épisode, donc, entre guillemets, ils refont la même chose à chaque fois. Et en plus de ça, ils y jouent, mais genre 200, 300 heures. Et après, honnêtement, ouais. là, je, je sais pas, en fait, juste, on va le découvrir avec Pazou parce que c'est la première fois qu'on joue assez à un Monster Hunter pour voir. Euh, jusqu'où va le endgame, d'autant que, ouais. voilà, que le jeu il est pensé pour être euh, un, un jeu service, il y a Capcom Evolutive, qui a déjà annoncé ouais. des mises à jour pour nous tenir en haleine, etc. Donc en fait là à l'heure actuelle, moi personnellement, j'adore le jeu, je passe un trop bon moment dessus. Euh, il est super bien foutu euh, en plus on y joue à trois avec euh, Pazou et un autre pote et donc on communique beaucoup tout ça on s'entraide enfin c'est super cool mais c'est vrai que au moment où je vais lâcher le jeu au moment où je vais me dire ouais ça me saoule je sais très bien que je rejouerai plus jamais comme je l'avais fait avec World d'ailleurs c'est qu'à un moment j'ai eu un point de détachement qui arrivait assez tôt à l'époque il est arrivé au bout de 30 heures mmh. parce que le, le support salon moi ça me faisait faisais pas trop kiffer sur Monster Hunter. Là en portable, c'est parfait. Et du ouais, coup, franchement... ouais bah quand j'ai lâché World, je l'ai rangé en me disant bon bah j'y rejouerai et j'ai jamais rejoué quoi. Donc voilà quoi. Guillaume. Bah après, tu sais. Ah, euh, pas, vous, bah, désolé, ouais, juste pour terminer, après, l'intérêt aussi, c'est que t'as tellement d'armes, tu peux après te spécialiser sur une autre arme, et surtout, bah, t'as toujours des trucs à crafter pour tes nouvelles armes, tes nouvelles armures, pour optimiser en fait hein, tes, tes dégâts, tes DPS avec euh, ces nouvelles armes. Tu, tu, tu peux refaire en fait le mode novice, aider tes potes du coup qui commencent le jeu, vrai, etc. Ouais, tu auras vrai. toujours un intérêt en fait. Tu auras toujours un intérêt de jouer. Mais après, voilà, c'est du farming, hein, c'est vraiment un hack and slash. Tu, tu l'as comparé à Diablo. Euh... Et autre à Ken Slash, hein, du coup, euh, oui oui clairement mmh. c'est une bonne comparaison tu peux le comparer aussi un peu à Dark Souls aussi tu vois dans, le, dans la caméra etc tu vas combattre le des système d'endurance et compagnie ouais bien sûr c'est ça c'est ça enfin plus ou moins tu oui, vois oui, bien, bien sûr, sûr mais ouais. bon tu, tu vois l'idée oui. Fr mais franchement c'est un très bon jeu hein. c'est vraiment euh, une très bonne euh, très bonne surprise je pensais pas accrocher autant ouais. mais euh, Moi là c'est c'est complètement ouf franchement c'est complètement ouf <laughs> d'ailleurs dédicace à Elias on jouait beaucoup en fait avec lui à, à World et ouais. puis après finalement avant Iceborne du coup en fait on a Lâché. Là, là, je pense que avec les mises à jour qui prévoit assez, c'est assez régulé. Je crois c'est trimestriel les mises à jour. Ou ben non, je crois qu'on en, en a déjà mensuel, deux. Hein. Une en, je crois qu'on en a une en mai, une en juin. Là, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, oui, en, avril, donc... en avril, une en mai, ouais. Ben fin avril et après en mai. Donc quoi, ouais, si c'est mensuel, il y a moyen en fait qu'on revienne de temps en temps sur possible, le jeu. C'est possible. Ouais, clairement. ouais, pour faire un nouveau monstre tout ça. Mais c'est vrai que oh. le fait d'évoquer hmm. les, les armes multiples, c'est bien vu Pazou, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à être un peu euh... Euh, monomaniaque, c'est que je joue avec ouais. une seule arme quand je joue à un jeu j'arrive pas à me ouais. disperser et c'est vrai que mine de rien le fait que les gameplay des armes soient très différents ça offre, ça offre pardon, ça offre, Ça offre une certaine rejouabilité euh, malgré tout parce que ouais tu peux te plonger dans une autre arme et le temps de la manier parfaitement ça te prend encore beaucoup beaucoup d'heures quoi. Ouais, et, et, et du coup euh, je, je, vois, je vois venir euh, en fait ça fait depuis un moment que j'en parle avec Guillaume mais je sais déjà sur quel point il va il, ouais, il, il va, va nous faire... questionner. Donc, Guillaume, je t'écoute. ton ramène à Monster non, mais Hunter. Non, mais, mais je pense que moi, Monster Hunter, j'étais vacciné à, à vie avec uh, World. <laughs> hein, franchement, <laughs> c'était quand même. <laughs> oui. Bah, on, non, mais on, on, tu, sais, tu sais très bien que l'interface, voilà, elle était catastrophique. Euh, mm. On avait quand même essayé un peu de jouer et à chaque fois, c'était un bordel pas possible. Oui. Euh, je comprends pas en fait dans un jeu qui se dit multijoueur d'avoir autant de. De toute façon, je pense qu'on en a déjà parlé dans les podcasts, mais oui. d'avoir autant de trucs qui t'empêchent de jouer en multijoueur. Oui, je vois. vois. Après, est-ce que c'était l'interface en général qui te faisait chier ou c'était vraiment juste le versant multijoueur ou c'était un peu compliqué bah, C'était vraiment ce truc de. T'es un peu perdu, tu sais pas trop où tu dois aller. Et en plus, je me souviens qu'à l'époque, on jouait avec un pote à toi qui était un un personnage particulièrement détestable <laughs> ouais, ouais, et, ah ouais, et, et, <laughs> on citera pas de nom et, 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 et il je me souviens que ça m'a complètement mais genre, genre ouais, complètement dégoûté du parles. truc D'être avec un mec qui est là en train de dire « Oh, attends, t'as pris telle ta arme, mais c'est vraiment un truc de noob. » Et tu sais, au lieu de t'accompagner de de, 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 de oui. faire partager un jeu qu'il aime, mm. c'était oui. vraiment en mode genre « Mais attends, mais faut pas jouer comme ça. Non, mais attends, mais vous êtes nuls. » Je vois ce que es là, tu veux bah, ça... <laughs> Et honnêtement, je pense que ça a vachement participé à me donner un super mauvais souvenir de Monster Hunter. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est possible et, et c'est dommage, ouais et, et en, en voyant les, les trailers de l'autre je me disais ah ouais, peut-être pourquoi pas etc et en fait le temps que, 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 mon, que mon cerveau fasse la démarche dans ma tête euh, mmh. vous étiez déjà à 75 heures donc je me suis dit bon bah en fait non je vais pas y jouer avec eux parce que ça sert à bah rien après c'est pas grave hein, comme le disait <laughs> bah Pazout tu sais euh... tu peux facilement, en fait ce qui est bien c'est comme ton personnage, c'est pas lui qui prend les niveaux c'est ton armure, enfin là typiquement exact. si tu commences moi je me fous une armure de merde, une arme de merde et on est au même point toi et moi tu vois ça, exactement cool, ouais. et là après bah, on est au même point parce que comme chaque arme a un gameplay différent t'as as vraiment l'impression de jouer à un autre jeu ouais c'est en fait, mais... Alors moi je joue euh, Insecto-Glaive et je joue Marteau. C'est deux gameplays qui ont rien à voir. Tu ouais. vois Mais franchement c'est cool. C'est bien de temps en temps en fait, alterner euh, en fonction du monstre que tu, veux, que tu veux combattre. Et en vrai de vrai, si je veux jouer en fait, euh, je sais pas moi, grande épée ou longue épée. Bah, et que tu, veux, que, je veux jouer, que tu veux jouer avec moi, il n'y a aucun problème, hein, je prends cette arme là. Et, et puis c'est parti. On y va, ouais. on, y va on repartit sur un tour voilà. <laughs> pour Mais... 61. <laughs> Après, si si on a à jouer ensemble. Non, ben euh, bah, justement, Guillaume, euh, pour te répondre, le mode multi euh... de Rise, il est trop bien foutu. Il y a, ouais. On a zéro mmh. couille pour se rejoindre. Déjà, il y a un truc qui est cool, c'est que dans Monster Hunter War, t'avais des restrictions. Je sais pas si tu te rappelles, s'il y avait un pote mmh. à toi qui, était, qui avait vu une cinématique que tu n'avais pas vue. Tu pouvais plus jouer avec lui. Donc du coup, c'était vite, ouais. euh, vite horrible. Ah, mais c'était le bordel pour le bordel, juste ouais. une mission à jouer à deux. À chaque fois, étais ouais. obligé de casser les groupes, de les refaire. Exact, ouais. Et t'avais 20 minutes avant de faire un monstre, quoi. Le truc est horrible, quoi. Mais là, ça roule tout seul. Honnêtement, genre, des fois, on commence pas exactement en même temps avec Pazou. Euh, si on sait qu'il y en a un qui arrive dans 5 minutes, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lance... Une... Mmh. Celui qui est déjà là, il lance une quête. Euh, T'as juste un système de mot de passe pour éviter que d'autres gens viennent dans ta partie si tu veux jouer qu'avec tes potes Et euh, du coup Pazou me rejoint en cours de route euh, il vient m'aider à taper le monstre et à la fin la quête elle est validée mmh. pour lui aussi alors qu'il n'est pas arrivé est dès ça, le ouais. début tu vois Et ça c'est ouais. cool parce que du coup ça te Yo. permet d'être un petit peu moins rigide euh, Tu sais genre ah, si t'arrives 5 minutes après bah t'auras pas les bonus de quête là c'est pas le cas du tout mmh, Et yeah. donc du coup ouais, franchement euh, là là dessus j'ai vraiment vu une nette amélioration C'est que ouais t'es tranquille Il y a juste un petit truc que Pazou avait remarqué c'était les guildes qui a plu Je sais pas si tu te rappelles à l'époque on avait créé la guilde de Merugézu et on voyait les joueurs qui étaient dispo et on pouvait... Euh... Elle est avec eux là, il y a plus de ouais. système, mais bon, nous là, comme on joue qu'à 3 on n'a pas trop ce, ce ouais. problème. Ouais. Voilà. Bah en fait, les guildes, euh, ils sont disponibles. C'est les profils de chasseurs, donc euh, ok. C'est limité à 10, euh, 10 euh, chasseurs, du, 10 joueurs. D'accord. Je sais pas trop exactement comment ça fonctionne en fait, parce qu'apparemment, quand un se connecte, il peut envoyer une invite automatique aux autres qui sont, si jamais ils sont dans le jeu, okay. etc. Tu vois. c'est assez, euh, assez bizarre. Mais en fait, il y a un truc qui est très très bien, Guillaume, c'est que le mode. Euh, multi et le mode online euh, le mode solo pardon c'est vraiment bien distinct ouais. c'est séparé et du coup en fait tu peux très bien faire le mode solo et après le mode ulti de ton côté mmh. et, euh, et en fait le mode solo c'est le, le tuto très simple. et puis ouais, une fois que t'as fini mmh. tu peux passer en fait la, le, la suite du jeu c'est la on va dire c'est le, le, dis, le multi fait. tu vois ils te le disent dans le scénario, ils te, fais te, fais te le disent. Et que tu fais tout ouais, solo. Une fois que ouais. tu as fini les quêtes solo, ils te disent, bon, bah, maintenant, euh, ce qui te reste à faire, c'est les quêtes multi, que tu peux faire tout seul ou ouais, à plusieurs. Après, c'est toi qui vois. Mais c'est la suite ouais. du jeu. Ouais. Voilà. On a fait à peu près le tour, je crois, Pazou. Ouais, franchement, il bah, y a beaucoup de choses à dire, mais bon, pour un quoi tu joues, c'est très très bien. Hein, ouais. Franchement, bah, jouez-y. Hein, et si jamais vous voulez jouer, je vais, je vais faire un petit tour. Euh, si la dimension parallèle me permet, <laughs> euh, faire un petit tour <laughs> sur le Discord. <laughs> un petit tour sur le Discord, mais au Gesù, et jouer, clairement. Il y a un hein, salon euh, Monster Hunter sur le Discord de Morguesou, donc du coup si euh, vous cherchez des gens avec qui jouer, tout ça, ou euh, ça se partage beaucoup de petites astuces, donc du coup c'est assez cool, on découvre des choses chacun de son côté. Et du coup pour rester dans les gros mmh. monstres, tu voulais nous parler rapidement de Panzer Dragon Remake Exactement, mais ça va te servir de transition avec Théo, à qui je vais passer la main. Alors, Panzer Dragon Remake, comment expliquer Je l'ai testé sur Switch, je me suis dit, vas-y, c'est quand même Panzer Dragon, donc c'est un, euh, euh, un jeu culte, mmh. euh, de par sa direction artistique, de son gameplay, de, de, de ses concepteurs, etc. Donc, vas-y, ça, ça va être bien. Euh, surtout que je n'ai jamais fait, puisque je n'ai pas de Saturne. Et euh, bah, je sais pas le jeu. Donc je me suis dit, vas-y, il est sur. Euh... Enfin, dès qu'il était sorti, ça m'a m'intéressait. Ouais. Je ne suis pas trop renseigné dessus. Puis après, j'ai vu il y a pas très longtemps qu'il est passé en solde euh, sur Switch, dans le e-shop, genre à 6,50 euros. Ouais. Le prix d'un grec avec une boisson. <laughs> bon, <allez. rire> je me suis dit, allez, pourquoi pas ouais. On va l'acheter. Et franchement, n'y jouez pas. Hein. C'est un grand, grand scam. Je me suis fait <laughs> arnaquer. Je me suis fait arnaqué mais <laughs> incroyable en fait je vous explique ce jeu c'est le remake donc de panzer Dragoon mais c'est un remake on dirait qu'il a été fait par des amateurs sur unity il n'y mm. a pas le charme que vous pouvez voir bah du coup euh, sur euh, les vidéos youtube tu vois de euh, bah... l'original de l'original, oui. etc. Euh, la musique, ok, ben, bah, Saori Kobayashi, elle a... je crois que c'est elle ou... C est... C est... Alors, en fait, de base, o... je... c'était pas Saori Kobayashi, une... mais là, elle a fait exact. des arrangements pour euh, ce remake, quoi. Exa... Voilà, c'est bien ça. Parce qu'au départ, oui, c'était pas elle. Saori Kobayashi a commencé à travailler sur, sur saga, saga, exactement ouais. Et, euh, ben... Bah les musiques sont cool hein, franchement c'est super cool il y a des arrangements et tout franchement c'est pas mal mais j'ai envie de dire que c'est le seul point positif de ce jeu parce qu'après le reste je sais pas ce qui s'est passé en fait alors bah... peut-être que c'est le jeu qui a mal vieilli ou, euh, pas tant ou juste, que ça. Juste euh, le jeu est moche. Parce que, en fait, je, euh, je sais pas. Bah, tu, tu relèves un point intéressant, en fait, et c'est euh, ça, en fait, c'est que tu vois ces remakes euh, Unreal Engine que tu vois sur YouTube Zelda Ocarina of Time Unreal Engine <laughs> avec des ouais. euh, ouais. effets de lumière bon, et euh, ils... voilà, des ouais. reflets à fond. RTX euh... Voilà, c'est ça. Tu ouais. vois Mario 64 avec le Mario qui brille, et tout ça. C'est un peu ça ouais, pour Dragon en fait. Tu vois. Ah. Et euh, le, le, le jeu de base avait beaucoup de soucis qui ont été corrigés avec une grosse mise à jour. Donc en l'état, le jeu il était sorti dans un état encore moins agréable que ça. Ils ont rajouté des options de confort, etc. Mais c'est okay, vrai que c'est un c'est un remake qui fait un petit peu euh, qui fait un petit peu tâche. Euh, moi, Panzer dragon le 1, je l'ai pas découvert à, à sa sortie. Euh, J'y avais joué un petit peu chez mon oncle à l'époque parce qu'il avait Horta et tu pouvais ouais, jouer au 1 dedans. Et ouais. donc, du coup, j'avais. Comment t'as dit, Redi euh, Sur Panzer dragon Horta, t'avais le 1 qui était débloquable. Ah ouais Ah ouais, voilà. ok. Horta, ouais. c'était celui sur Xbox. Voilà, oui, c'est ouais. ça. Qui ouais, est d'ailleurs encore disponible sur. Là, tu peux y jouer sur One, Series X et compagnie. Donc, sur Horta, t'as le, le 3, du coup. Enfin, le 3, le 4. Et le, et le premier qui est fait comme il était à l'époque Version Saturne mmh. Et du coup bah moi j'ai rejoué Horta il n'y a pas longtemps Et j'ai du coup débloqué Panzer Dragoon euh, version Saturne Et euh, en prévision entre guillemets de, de, de ce Panzer Dragoon là Et c'est vrai qu'en fait c'est assez étrange C'est que euh, malgré Des efforts qui sont visibles Le studio ils n'ont pas réussi à, à Tu vois à, à redonner du charme au jeu En fait tu vois c'est un jeu qui a une identité visuelle Qui est quand même assez marquée euh, ils sont beaucoup inspirés du travail de Moebius, par exemple, que tu ah connais bah, bien, oui. Guillaume. Ouais. Euh... C'est celui-là qui là, avait la pochette en en qui était faite japonaise. Euh, par euh, exact, ouais, par la Moebius, pochette japonaise, ça. ouais, tout à fait. Monsieur Jean Giraud. Et, euh, et c'est ouais. vrai que là, euh, du coup, euh, bah tu joues au jeu et tu te dis, bah, je sais pas, ça a perdu tout <coughs> son charme, mais ouais, t'as l'impression de jouer à un remake euh, Unreal Engine, quoi. Et du coup, mm. euh, là, ils vont sortir un remake de House of the Dead, ça a été annoncé euh, il y a ah oui, trois jours, vu, je crois, ça sur l'indie world. C'est le même développeur voilà. ou pas C'est le même développeur, ouais, c'est le même délire. Donc en fait, ah là, ouais. ils sont en train de se spécialiser dans les remakes de, de jeux Saturn, tu vois entre guillemets. Ah et euh, j'ai en grave. fait directement, bah là, en fait, autant Panzer Dragon, quand j'avais vu l'annonce, c'était pendant un E3, c'était pendant une Nintendo Direct, je me rappelle j'avais gueulé j'étais trop content je me dis "ouah, c'est trop bien mmh. et au final euh, là House of the dead je je m'en tape en fait tu vois parce que il y, y a pas eu il y a enfin il y aura pas de problème de da il y avait pas vraiment de da dans House of the dead de si, c'était ouais, un jeu d'arcade oui oui il bon, y avait ouais, quand même ouais, une mais da tu vois il y a un petit charme en fait qui est difficile à retranscrire il ouais. bon, bon, y a un truc très très kitsch ah, que avait... je kiffe hein, sur House of the dead mais après mais... c'est quand même vrai Guillaume qu'il y a moins de da que sur Panzer oui. Euh, en arcade, parce que là j'avais joué au House of the Dead en arcade, ça prouve qu'on est vieux quand même. Hein, <laughs> déjà, à l'époque, avec les mais machines, oui, oui, oui. c'était normal presque. Mais je crois que. Et vraiment, dans euh, ça nous faisait. Il y avait un, nous... y avait un House of the Dead, était populaire. House of the Dead, il était dans. dans... Ouais, ouais, avec Time uh, Crisis, mmh, des jeux comme ça un peu. Mais House of the Dead, ouais, nous quand on était petits, ça nous faisait peur, tu sais, c'était sérieux. Là tu dis c'est kitsch, mais c'est vrai qu'à l'époque. Ça fait longtemps je que n'ai pas revu le jardin mais... sur euh, sur Wii. Il il a, ouais, il y a eu overkill sur Wii, ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, ouais. ouais. Mmh. ouais. Bah, j'ai rejoué ah, à Wolf of the Dead 2 et 3 sur Wii il y a pas longtemps et euh, bon, ouais, maintenant c'est bien kitsch, hein. mais ça reste cool, mais ouais, maintenant c'est bien kitsch euh, la façon dont les doublages sont faits et tout, c'est vraiment hilarant. Mais ouais, à voir ce que euh... ça va donner justement s'ils vont choisir de partir sur une DA un peu kitsch ou un truc plutôt sérieux, je sais pas, mais ouais, je, 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 quelques réserves à ce sujet quoi. Et non, euh, Typing cas, euh... of the Dead, c'était sur quelle console, ça Sur euh, bah, Dreamcast, et PC. Dreamcast et PC, je crois, ouais. Ouais, Dreamcast, Dreamcast, okay, et PC. Ouais. Et PC aussi, ouais, ouais. Ouais, franchement, c'est un jeu qui me, qui me donnait envie. Hein. Mais franchement, Panzer Dragoon... Euh remake en plus je joue sur switch apparemment c'est la, la, la inférieure version bah ouais c'est ouais, bah, un point logique, intéressant hein. aussi c'est que le jeu est sorti de base sur switch avant tout après il est sorti sur stadia aussi et maintenant il est sorti sur PS4 et Xbox et en fait la version mmh, switch mmh. elle est elle est pas belle elle est pas belle du tout non, le non, jeu il a une résolution bah, très faible tout ça donc ouais c'est pas et surtout le jeu est flou il est moche il, est, il y a ouais. les et tout mais ça n'a aucunement le charme du jeu original. Et là, j'ai remis, en fait, vite fait, j'ai tapé sur YouTube Panzer Dragoon, oui. Saturne. J'ai plus envie de jouer en fait à version Saturn, mais mille fois en ouais, fait. Tu bah vois. tu peux, tu peux... Oui, Transition, tout trouver. transition, tout trouver. Tu peux <laughs> l'émuler, mon cher Pazu. Ouais, putain, beaucoup de choses à dire. Euh, beaucoup de choses à dire. Du coup, j'enchaîne, là ouais, 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 bah ouais, vas-y. <laughs> alors, euh, ouais, donc, euh, ouais, bon alors, ouais, beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de me canaliser. Mais ouais, du coup, Panzer Dragon, Panzer Dragon Saga... Euh, on en parlait, tu parlais des musiques justement, euh, c'était Kobayashi, c'est vrai Saori, ouais. Saori Kobayashi, oui. Voilà, Saori Kobayashi, qui a ouais, fait bon, avait les, fait les musiques de, de Saga. Et bien sûr, ouais. Saga, c'était un jeu euh, qui était euh, compliqué à, à acquérir, parce que dans ses versions européennes notamment, il était euh, super rare. On en avait parlé dans, un, dans le trollcast Shenmue, d'ailleurs, je crois. Et euh, c'est vrai que... Euh, quand, euh, donc, ouais, quand on était ado et tout, le jeu était quand même connu. Et justement, euh, un des, une des qualités euh, les euh, dont, dont on se souvenait, c'était les musiques. Oui. J'ai vraiment du mal à parler, les gars. Je suis désolé, je plus trop l'habitude, même en français. Je euh, Let's speak in English. Non, je rigole, je rigole. Et du coup, euh, non, bah, c'est ça. Et en fait, c'est un peu un jeu culte, euh, le, le Panzer Dragon Saga, n'est-ce pas Mais qui était, en fait, euh, il n'avait pas été remaké il n'était pas sur les consoles. Euh, tu vois, il fallait avoir la, la version Saturn pour y jouer, quoi. Du coup, bah non, mais euh, moi, je me souviens, euh, quand j'étais ado, un truc que j'ai, même si j'ai jamais été un grand joueur de, de JRPG, j'écoutais beaucoup d'OST de JRPG que je trouve toujours euh, génial, quoi. Vraiment. Euh, et Panzer Dragoon, pour moi, ouais, c'était vraiment une OST que j'écoutais dans mon MP3. Euh, c'était quoi la, la marque, la créative <laughs> Tu sais, créative. <laughs> tu pouvais mettre ouais, tu genre suis... 20, non, peut-être 20, 30 chansons. Et, euh, et ouais et du coup c'était un jeu bah je pense pour pour toi Ken et tout c'est un peu pareil c'est que voilà euh, c'est un jeu qui avait un peu un statut culte exactement quoi, ouais, et tout euh, à fait. mais qui nétait pas accessible tout en fait, fait c'est ouais. que ouais d'ailleurs quand... tu t'as dit oui euh, que moi c'est comme toi hein. j'avais un oncle qui avait aussi la Saturn avec le Panzer Dragon 1 et du coup et c'est vrai que quand, quand j'étais petit je me dis putain euh, il est cool ce ouais. jeu et tout donc on, on, on arrivait à s'imaginer ce que pouvait être saga euh, sans pouvoir vraiment mettre les mains dessus. Et du coup, vers 2008, quelque chose comme ça, j'ai voulu l'émuler. Je me suis dit, ça doit être possible de l'émuler. Et en fait, euh, bah, je pense que c'était peut-être possible, mais c'était pas vraiment simple. Et ça a demandé, à mon avis, si c'était possible, déjà, est-ce que c'était possible dans des bonnes conditions Et surtout, je pense que c'était beaucoup de bidouilles et des galères. Ouais. Et je prenais l'exemple quand on en parlait, je prenais l'exemple, par exemple, si vous connaissez Rum Station, que j'utilisais un peu à une période, mm -hmm. sur ce, sur ce, ce truc, tu avais toutes les consoles, sauf la Saturn. Oui. C'était vraiment, genre, et quand ils en parlaient dans les forums, ils disaient, non, mais c'est pas stable, la Saturn, c'est pas stable et tout. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu, uh, Vassia, mon pote, euh, là, il m'a offert une Mega Drive Mini à mon à mon anniversaire et du coup j'ai joué à j'ai rejoué à Story of Thor oui. et j'ai fini et mmh. je me suis dit putain mon histoire elle est un peu comme ça mais j'y arrive j'y arrive <laughs> et du coup je me suis dit putain Story of Thor la classe et tout quand même vas-y je et là je commençais à me dire attends on est en 2020 2021 euh, oh, il non. doit y avoir un moyen d'émuler mais... À la base, je me suis dit il doit y avoir un moyen d'émuler euh, Story of Thor 2, vu que c'est euh, sur Saturne. Donc, le titre, c'est Story of Oasis. Oh, ouais, c'est une dinguerie, il un y a un titre différent ouais, par région, je m'y ouais. perds tout le temps. Voilà, c'est ça. Parce que Story of Thor 1, en, en Amérique, c'est Beyond Oasis, ouais. déjà. Je crois que c'est ça. Donc, c'est un peu un bordel. Mais bon, Story of Thor 2 qui est sur Saturne. quoi. Et, euh, et, et moi, je suis parti du, du postulat dans ma tête. Je me suis dit « Allez, c'est un jeu 2D ». Là où Panzer Dragoon est, un, est le jeu qui pousse la Saturne dans ses derniers ouais, retranchements. Ouais, ouais. Donc je me suis dit, ça doit être émulable. Et là, quelle surprise euh, ne fut pas de constater qu'en fait, euh, la Saturne, ça y est, est vraiment émulable, super bien émulable. Ouais. Attention, il y a quelques galères ici et là, je dois l'avouer, mm. notamment euh, selon le format euh, des fichiers que vous trouvez, les ISO et ouais. tout. Et en fait, et à tel point que j'ai même, par curiosité, relancé Ramstation, que j'utilisais plus trop euh, depuis un moment. Et euh, même sur Home Station, ils ont ajouté la Saturn. Ah, donc c'est officiel. Je... Ah ouais, je sais pas. Ça... Je crois que c'est genre environ en 2018-19 qu'il que, que y a vraiment eu du progrès mmh. fait dans l'émulation Saturn. Et, euh, et à tel point que là, du coup, euh, je lance euh, le Story of Thor 2. Alors, je vais pas faire la review, je vais essayer de faire court, mais bon, il est bizarre ce jeu. Hein. Honnêtement, <laughs> il est bizarre. Je vous conseille la. Je vous conseille la vidéo du Hooper. Si vous ah, connaissez oui, le bon Hooper, Hooper, il avait fait une vidéo euh, vraiment à l'ancienne, la vidéo, mais elle est encore en ligne peut-être sur Daily Mochon. <laughs> et, euh, et il résume bien, mais en gros, c'est qu'en fait, c'est un, un, un supposé être un Zelda-like, mais il y a quasiment pas de Overworld. C'est comme ça qu'on dit. C'est genre, tu as c'est quasiment t'as une toute petite zone et puis t'as des donjons des donjons des donjons mais après c'est vrai que visuellement je trouve ça assez stylé comme jeu uh, Story of Thor 2 <laughs> du coup j'y ai joué j'ai fait la moitié environ et puis j'ai arrêté parce que voilà et, et c'est là où j'en arrive à mon, à mon jeu <laughs> c'est que je me suis <laughs> dit mais attends ouais je sais c'est un peu long non, non, mais je suis t'inquiète mais... t'inquiète <laughs> je me suis dit putain mais attends et mais... quid quid et de oui. Panzer Dragoon saga est-ce oui, qu'on peut l'émuler du coup, j'en parlais avec euh, avec Ken, on en discutait et tout, et, et mmh. ouais, on était un peu euh, tu sais genre en mode putain c'est énorme si c'est émulable. Bah ouais. Et en fait ouais, ça a marché, euh, ça a marche, euh, ça a marché parfaitement quoi. Et du coup, Panzer Dragon Saga euh, et, et la Saturne sont son off alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à Ken ou à moi. Euh, on peut, on peut vous expliquer. Il y a deux trois manies pas faire, mais c'est, ouais, vraiment assez, assez intuitif. Assez quoi. Cool, ouais. Bah moi, j'ai eu des galères du coup parce que moi, c'était Burning Rangers qui m'intéressait dans un voilà. premier ouais. temps. Mmh. Parce que avant ouais. la sortie de Balan, tout ça, je voulais jouer au jeu du Ujinaka. J'en parlais beaucoup avec la ouais. chambre balade, d'ailleurs que qu'on salue. Et mmh. euh, du coup, bah en fait, l'histoire de Théo, elle est tombée à point nommé parce qu'il est venu au moment où en fait, je me disais ouais, oh, faut que je joue à Burning Rangers. Et euh, j'ai eu un peu de galère avec le premier euh, premier émulateur, c'était rose je crois. 3. Ouais, et on, a ouais il me sent, et on a ouais. trouvé un autre qui s'appelle Mednafen, qui, euh, voilà, voilà, ouais. qui est là pour du coup, il y a un truc qui émule en fait plusieurs consoles, si j'ai bien compris d'une façon assez sommaire, mais là par contre ça tourne, ouais. ça tourne nickel, donc moi j'ai pu faire Burning Rangers de mon côté, et donc ouais, Théo a fait Saga, du coup, qu'il qu me tarde de faire aussi, dès que j'aurai un peu de temps, je le ferai ouais. je pense, ouais, de cette façon-là, ouais. Mm. ouais. ouais bah, mais avant que si ça tu et commences du... Théo, j'ai ouais. regardé uh, Story of Thor, ça a l'air trop bien. Le 1 ou le 2 bah, le, les deux, les il, deux ont l'air cool. Beau, le 2, deux, le deux, il est vraiment beau. Il est bien dessiné. Les décors, ils sont bien, ils sont bien faits. Et, et c'est plaisant. Le problème, c'est que... Euh, D'ailleurs, j'étais tellement choqué. En fait, Story of Thor 2, il est sorti genre un an et quatre mois après le 1. Ah, putain genre le, le calendrier, mon calendrier était complètement euh, what the fuck. Parce qu'en fait, Story of Thor 1, il est sorti assez tard. Il est sorti, je crois, en 93. Et du coup... Euh, Bon, disons que je suis pas sûr des dates mais en gros euh, début 93 Story of Thor 1 et euh, 94 euh, milieu d'année euh, Story of Thor 2 enfin je me trompe peut-être mais c'est un truc dans ce, dans ce type là et mmh. euh, ouais non, il est bien, mais ça se voit qu'ils ont un peu rushé le développement. Et tu vois, pff, chez Sega, il y a vraiment des talents. Ça, c'est clair et net. Bah du coup, c'était. Attends, j'ai pas, pas envie C'est un Ancient hein. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est mmh. Enchant. Exact, ouais. C'est bah, les designs, ils sont faits par la, la sœur de, de Koshiro et Les musiques sont faits par Koshiro, que... et Koshiro du coup. Et Koshiro Ouais, ouais, mmh. ouais, 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 ouais. Effectivement. Et euh, ouais, ça, c'est. Oui, on pourrait parler de Story of Thor 2. C'est quand même intéressant. Mais par contre, les donjons. Il y a des zones, des donjons où j'ai vraiment halluciné. Je me suis dit, mais putain, c'est un autre level de perversité en termes de donjon. C'est vraiment le bordel. Tu vois, T'as littéralement un donjon, c'est une forêt avec différents niveaux, des trous dans lesquels il faut tomber. Et j'ai trouvé ça vraiment compliqué. Je euh, vois le donc genre ça fait longtemps que j'ai ouais. parfait. Tu vois le genre de délire. Et vu que les donjons représentent 90% du jeu, c'est vrai qu'au bout d'un moment tu as envie de rage cut parce que tu dis putain, j'ai pas envie d'enchaîner que des donjons ouais, comme normal, ça ouais. qui deviennent de plus en plus durs, mais il y a plein de qualités dans le jeu, il y a vraiment euh, disons que s'ils avaient eu plus de temps pour le développer, rajouter du contenu, ça aurait pu être vraiment vraiment un grand jeu, je pense. Il y a un potentiel, on va dire quoi. Mais c'est vrai que les donjons, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué à Link to the Past par exemple, mais je pense pas que dans ma tête, les donjons finaux de Link to the Past ils sont un peu alambiqués, mais, euh, mm. mais je pense pas que c'était à mais ce niveau-là. Là, Là c'est vraiment. ce truc, mm. dans, moi j'ai surtout vu ça dans les premiers Fantasy Star où les donjons, pareil, c'était ah oui. un ouais. enfer innommable. Et en fait, ouais, c'était une époque où ah. euh, bah, tu, tu ménageais pas trop le joueur. Et donc, c'est vrai que quand tu rejoues à ces jeux ouais. euh, 30 ça, ans vrai. après, tu te dis wa oh, putain, c'est difficile quoi. Ouais. Ouais, c'est spécial, c'est spécial. Et, et vu qu'il manque un peu le côté euh, monde ouvert à la Zelda où il y a des, des petites quêtes à droite à gauche, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Oui. Euh, mais bon du coup ouais non bon, pour revenir sur saga donc c'était un jeu qu'on avait un peu idéalisé dans nos têtes donc c'est ça en fait ce que j'ai envie de dire c'est que oh, tu sais écoutes l'OST tu fais putain c'est magnifique ouais, c'est magnifique d'ailleurs euh, qui se souvient du clip de Marseille euh, que j'avais fait avec <laughs> la musique de Border Dragon <laughs> saga dans, au le, début dans le lore Meruguezu il y a des gens qui ont spoté hein, qui ont vu mais c'est incroyable ben si, <laughs> Marseille est dans le lore Meruguezu <laughs> vous le savez bien et on pourrait l'inviter d'ailleurs hein. <laughs> il <rire> est hyper sympa à Marseille hein. hyper sympa avec Nazim oui, aussi avait des... il avait un clip si, mais ça c'est réglé, ça. Ça c'est réglé. Euh, be <laughs> be behind the curtain. Mais euh, il avait donné du thé vert à Nazim Marseille. Trop sympa le mec. Il m'avait invité bien. au quick, Il m'avait invité au quick. quick Non, c'est vrai. Tout ça. Et du coup, euh... et du coup, ouais, non, bah, Panzer Dragon Saga, bah, voilà, on l'avait tellement idéalisé que forcément, tu te dis, putain, ça se trouve, on va tomber de haut, tu vois. Mm. Et en fait, euh, donc là, je ne l'ai pas fini. Pour être bien précis, je suis à, genre à moitié du CD3. Il y a quatre CD en tout. Et en fait, le jeu, étonnamment, euh, évidemment, ce n'est pas un, un jeu euh, qui est euh, par son contenu qui est immense. J'ai regardé un peu sur, euh, par exemple, un walkthrough sur, euh, sur, Google, <laughs> sur YouTube. Le, le gars, il l'a fait en 11 heures, un truc comme ça, ou 12 heures pour le finir, vous voyez. Avec, avec quand même certaines quêtes secondaires, ou même il fait les quêtes secondaires, je crois, dans son, dans son walkthrough. Oui. Walk through, all right. Et du coup, euh, non. <laughs> Et du coup bah, par contre, donc par la, par la taille, c'est pas forcément le truc colossal, mais par contre, par l'âme, c'est vraiment genre, c'est exactement ce que j'imaginais que le jeu serait. Quoi. Ouais. Je suis vraiment content, vraiment, vraiment hyper satisfait par, par le jeu, avec, euh, sans trop spoiler, mais en gros, tu as, as des scènes, disons, d'exploration, euh, toujours évidemment... Encore une fois, les musiques, ça joue beaucoup parce que les musiques sont vraiment bien, vraiment atmosphériques. Ça participe à créer un univers. Un les univers, musiques ouais. ont une sonorité qui est très, très particulière avec, avec les percus qui sont vraiment les percus, les trucs, les, 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 les instruments qu'ils utilisent. Je ne sais pas, c'est génial. Et, voilà, et, et, et aussi, toi, toi par exemple, euh, bah, on parlait de Moebius tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est vraiment. Et toi, euh, Guillaume, ça te plairait aussi parce que, bon, alors, évidemment, vis euh, technologiquement parlant, visuellement, ouais. ça a un peu vieilli, tu vois. Mais sauf qu'il y a vraiment une intention de, de tout, que tout l'univers soit toujours un peu original, tu vois. Jamais aller pour le truc euh, basique, mais se dire, tiens, euh, vraiment créer un univers. Et c'est un truc mmh. euh, qui n'est pas. Euh, qui est, qui est relativement courant dans les jeux vidéo, mais peut-être pas à ce point où vraiment euh, chaque monstre a un design euh, spécial, chaque vaisseau a un design original. Il y a vraiment euh, un vrai travail de design là. Mm. Et euh, ouais, la structure du jeu, ben bah, voilà, exploration, euh, combat, les combats super vraiment bien pour, pour les gens qui sont pas trop fans de tour par tour. Là vraiment, c'est le, le sweet spot, tu vois. Tu peux euh, expliquer un petit peu comment avec... ça marche parce que ça m'a toujours intrigué. Ouais, en gros, euh, t'as l'ennemi qui est au milieu, disons, euh, l'ennemi il est au milieu. Et toi, tu vas te pouvoir te positionner devant, derrière, à droite, à gauche. Yes. Et en fait, c'est comme ça. Et en fait, tu crées une stratégie comme ça avec différents. À des moments, par exemple, l'ennemi va va avoir une attaque spéciale à gauche. Toi, il faut que tu te déplaces à droite et tout. Et évidemment, là, on a l'impression que c'est très basique. Sauf qu'en fait, euh, le jeu, il développe vraiment ça à fond. Quoi. Ils ont creusé le concept à fond. Ouais. Et du coup, euh, ça donne vraiment des trucs assez cool où tu as vraiment. Euh, si tu si as. Si tu as compris comment l'ennemi fonctionne, tu peux vraiment les décimer super rapidement. Et évidemment, tu as le dragon qui se bat. Oui. Le dragon, il a différents pouvoirs. Il a les lasers un peu à la zone of the Enders. Vous savez, le truc où ça fait. Mm. Trrr, oui. et ça, ça lock oui. un peu plein de gars et ça jette plein de, de lasers. Oui, oui. Et ensuite, il a les attaques spéciales. Alors là, il a plein de, le dragon, il a plein de trucs magiques que tu peux faire. Tu sais, des sorts de zone, des, des sorts de soins, des sorts d'effets de, et tout. Enfin, qui, fait des, qui font des effets, des états. Et, euh, et après, t'as aussi Tonga, donc le héros euh, Edge, oui. qui a son flingue. Et le flingue, tu peux aussi le changer, euh, mettre un sniper. Enfin, ah, c'est C'est dans l'univers. Sniper, oui. pistolet, euh, différentes armes comme ça. Et à partir de là, du coup, c'est un peu comme un RPG où t'aurais toujours, hmm. pour simplifier, où t'aurais toujours un peu genre deux persos, puisque t'as. T'as Edge et t'as le dragon, quoi. Ils ont chacun vraiment différents, euh, différentes capacités. Oui. Et des fois, le, le dragon peut être euh, mis, euh, comment dire, dans un état où il peut plus attaquer. Mais toi, tu, en tant que Edge, tu peux continuer à attaquer ou, ou vice-versa. Enfin, ce genre de choses, quoi. Oui. Donc, ça, c'est le combat. Non, c'est vraiment cool. Et ensuite, t'as aussi tout l'aspect, euh, comment dire, ben, je sais pas trop comment dire, mais RPG. Bah oui, si, ouais. euh, jeu de rôle, quoi. Ou t'as alors les, les zones. Les, les, les villes et tout ça, là. Voilà. Alors non. Alors voilà. Il y, y a pas. pas. En tout cas, j'en suis à la moitié du CD3, donc mm -hmm. plutôt loin, et j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des villes. En gros, t'as une ville qui est, qui est bien, et t'as euh, as un camp euh, un camp de sorte de, de voyageurs aussi, tu ouais. vois. Mm -hmm. Mais il compense ça par le fait que effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à avancer vite dans le jeu et que je prends quand même mon temps, c'est qu'en fait, effectivement, chaque NPC, donc un, à chaque PNJ, un peu à la moi bon, j'allais dire un peu à, la, à la, les anciens Zelda quand les quand chaque euh, PNJ avait une quête ou ce genre de truc ouais. mais bon en fait euh, je, je m'aventure dans un truc je pensais à des trucs genre euh, mercantile et tout bref mais en <laughs> gros chaque chaque PNJ il a euh, sa son histoire il a il va avoir des trucs à dire une quête et en fait de, T'as une histoire qui se développe à travers, il y a du storytelling, il y a du storytelling à travers euh, les, les habitants ouais, aussi, ouais, tu ouais. vois. Ou par exemple, tu vas voir un gosse, il joue, machin, euh, quand tu reviens plus tard, il est malade, ah mince, et alors tu, tu vas voir euh, la, euh, le gars du village, le docteur ou quoi, il dit ah ben. J'ai besoin de ça pour le sauver. Ouais. Et, machin. et du coup, tu suis un peu l'évolution de la vie de, de, ces, de ces personnages. À chaque fois, et fois que tu un événement dans le scénario, du coup, ça a des répercussions. Toutes ouais. les lignes de dialogue, ouais. elles changent et tu as des choses nouvelles à voir. Wow. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je prends hyper de temps à, à y jouer parce qu'en fait, à chaque fois que je fais la moindre. J'avance un peu dans l'histoire principale, je vais toujours checker tous, ouais. les, tous les, NP, les NPC, les, les PNJ pour voir un peu. Euh, tiens euh, est et, et souvent, ils changent. En fait, ils ont un nouveau truc. Il y a des choses qui évoluent et tout. Donc, c'est pas mal compensé. C'est pas genre, tu as une ville avec euh, 10 gars et. Et, euh, et ils disent toujours la même chose. Donc une fois que tu as checké une fois, il n'y a plus rien à faire. Là, ouais. là c'est vraiment intéressant avec différentes différentes maisons qui parfois sont ouvertes, parfois sont fermées. Il y a aussi un petit cycle jour-nuit. C'est génial ça pour de la Saturne, t'imagines Oui, oui, vraiment, C'est euh, pas hyper photoréaliste, mais tu arrives quand même à dire, ah tiens, là c'est le matin, là c'est le soir, là c'est la, nu la nuit, la nuit le jour, ça c'est bien défini. Après, c'est vrai que tu pas un il Faudrait que je re regarde, mais c'est vrai que tu as les couleurs qui deviennent un peu rosées le soir et le matin un mmh. peu, peu bleuâtre. C'est un peu un truc comme ça, donc ça c'est vraiment cool. Et euh... ouais, bah voilà, bah, pff, je pourrais en parler longtemps. J'ai euh... une petite question non, Théo, Théo que... pour, ouais. pour revenir par rapport à ce qu'on disait au début. Euh, je pense que tu as fait quand même quelques JRPG des, des années 90 de la période 32 bits et. Euh... Mmh. Est-ce que le, le jeu, tu considères qu'il est à la hauteur de sa réputation et comment tu le places par rapport à d'autres RPG qu'on a trouvés par exemple sur, sur PlayStation ou sur Saturn aussi Je pense à Grandia, je pense à FF7 ouais. qui est arrivé à peu près dans la même ouais. période, si je ne dis pas de bêtises. Comment il se place, ce Saga, au milieu euh... de tout ça bah, Plus modeste, parce qu'on est sur euh, de toute façon une console qui était euh, en termes de taille, oui. il est plus modeste. Oui. Mais par contre, euh, en termes d'âme et en termes de lore, le fait qu'il y a vraiment un univers qui est créé et tout. Moi, je t'avoue, euh, pour répondre à ta question, Grandia, on l'a fait quand on était petit avec le cousin. Ouais. Euh, donc, euh, ça m'avait vraiment touché. Mais je m'en souviens pas. Ça serait dur de le comparer vraiment. Et FF7, pour le coup, j'y ai jamais joué. Tu vois, ouais. Shame on me. Mais voilà. <laughs> donc, euh, non, moi plutôt, non plus. Ouais, moi, ouais, je moi, je... ouais, ouais non, je... <rire> <rire> mais bon. Un jour, hein, peut-être. Oui, Mais ouais, non, non, c'est plutôt, plutôt à mon avis, ça se place dans le, dans le haut du panier. Après, effectivement, je pense que si tu le rush, je vois clairement que si je l'avais rushé, euh, ça se terminait en, allez, on va dire peut-être 10 heures. Peut-être. Ouais. J'ai vraiment l'impression vrai. que si tu rush, euh, ouais, ça se, se finit super C'est vraiment très peu. Ouais, ouais voilà, c'est ça. Mais c'est bien pour nous parce que <laughs> moi j'avais envie de le faire <laughs> <Ouais>. et euh, <laughs> c'est vrai que ça m'arrange, oui, tu bien vois, sûr. parce que euh, voilà. Et euh, non, bah voilà. Donc l'information principale en réalité, c'est pas tant euh, voilà de faire une review de, du de jeu, saga, mais, mais plutôt de, 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 de saga. Voilà, c'est plutôt de dire voilà, il est émulable Donc euh, pour ceux qui sont intéressés. Euh, euh, c'est c'est voilà vous pouvez euh, bon c'est illégal bien sûr alors non seulement le bios le bios c'est illégal le bios c'est si illégal si tu partages le bios tu vas en prison voilà. si tu partages la ROM il y a pas de souci c'est le bios ah, ouais, ouais, le la voilà le bios attention c'est illégal mais euh, non mais mais euh, c'est cool que tu parles de l'émulation Saturn et de ses progrès, Théo. Parce que, bon, voilà, moi j'ai testé qu'un mmh. jeu pour le moment, et vous le savez, moi les manip sur PC ça me prend vite la tête. J'avais essayé d'émuler la PS2, je m'étais battu avec ça, m'a plus saoulé qu'autre chose pour mmh, faire mmh. des captures pour une bibliothèque. Enfin, vraiment, je m'étais battu. Et euh, ouais, enfin ouais, Sega a complètement laissé un peu ce pan de sa ludographie de côté. On a des, ouais. des réitérations de compilations Mega Drive sans arrêt, Dreamcast de temps en temps, on ouais. a eu G7 Radio, Sonic Adventure, tout ça. Mais c'est vrai que la Saturne, c'est un peu laissé. De côté, donc du coup, c'est ouais. euh, cool que ce soit un petit peu plus accessible aujourd'hui euh, pour finir. Euh, on a beaucoup parlé de Panzer Dragoon. Si c'est une série qui vous intéresse, je vous invite déjà à aller écouter la soundtrack du dimanche euh, du coup, ah de, oui. de Panzer Dragoon Saga, où du coup, bah, là, vous entendrez les musiques dont on a parlé, qui sont magistrales hein, les musiques de saga. Ouais. Euh, mmh. D'ailleurs, euh, Big Up à mon copain Guillaume qui m'avait offert le vinyle de Panzer Dragoon Saga. J'étais en train oh, de la me poser Claire. la ouais, question ouais. si c'était ça que je t'avais offert. <laughs> Et euh, dans un second temps, bah, on vous invite à aller regarder la bibliothèque de Yukio Futatsugi, qui est du coup euh, le le réalisateur sur le premier Panzer dragon et qui a suivi la, la licence pendant trois épisodes parce que ouais c'est une histoire assez intéressante c'est un personnage mm. assez intéressant et on l'a pas dit mais ouais Saga ça a été un développement enfin euh, même les trois Panzer dragons sur cette turn, ça a été un développement mm. assez dur pour euh, pour les développeurs d'autant que sur Saga il y avait eu un, un des membres du staff qui était mort je crois d'un accident de moto et ça a été très oh traumatisant là là. pour l'équipe enfin ouais c'est donc ouais c'est assez intéressant si le développement de Panzer dragon ça vous intéresse je je l'aborde légèrement dans la, la bibliothèque Yukio Futatsugi. Et quitte à faire de la promo, je vous invite aussi à lire le ludothèque numéro 10, Panzer Dragoon, écrit par Julien mmh. Goyon, chez Sœur d'édition. Là, au moins, vous avez vraiment la version. Moi, je vous ai fait une version light sur la bibliothèque de tout ça. Julien, il a fait euh, un, un livre entier sur, sur la série. Donc, je vous invite à le lire si Panzer Dragoon vous intéresse. Euh, on va passer à Théo toujours, mais enfin on va participer parce que là en fait c'est le moment du ah point oui. compagne du podcast de Miro <laughs> <laughs> Vous connaissez le point compagne, on joue avec nos compagnes et après on en parle dans des podcasts. Et le jeu yep. du point compagne c'est vraiment... Alors c'est le jeu idéal hein, pour le point compagne, vraiment je pense ouais. qu'on ne trouvera pas meilleur jeu pour le point compagne. C'est itext 2 du coup. Yep. Euh, bah, Théo c'est ton jeu, donc du coup je te laisse la parole, itext 2 ah, euh, comment tu l'as découvert, machin et tout. Et nous t'inquiète, on t'accompagne avec Guillaume parce que du coup on y a joué aussi. Euh, ouais, bah non, je ne considérais pas que c'était particulièrement mon jeu, vu qu'on y, qu y a tous ouais. joué, mais euh, ouais, bah non, bah, tu l'as déjà bien résumé, c'est que là, on peut Alors, ce qui est marrant pour le petit contexte, c'est qu'avec Alice, on s'était enchaîné des jeux de joueurs coopératifs euh, récemment en, en émulant la PS2, donc on avait fait Obscure 1. Obscure 2, petite dédicace à, à, au premier épisode de Théo le fou, hein, <laughs> où je dis je n'ai pas Exactement joué à des obscure. jeux obscurs comme <rire> Obscure, Bah <Obscure. rire> ben voilà, j'y ai joué <rire> et je <laughs> viens de repenser à ça. Et, euh, et du coup, euh, et on avait aussi joué à Astérix aux Jeux Olympiques, wow. ça paraît complètement débile, mais en fait, c'était le ouais. jeu de étrange libellule vous voyez, euh, ouais. qui avait fait Astérix XL1 et XXL2, et en fait, d'ailleurs, petit message, euh, message c'est que en Bellule. fait, Astérix XXL3, <laughs> il a été fait sur Switch. <laughs> T'as dit quoi? Non, rien. J'ai dit ma libellule. <laughs> ah oui, aller bah <laughs> en gros, euh, Asterix XXL3, il est sorti récemment sur Switch, mais en fait, c'est des ouais. conneries parce que le seul vrai Asterix XXL3, c'est Asterix Jeux Olympiques qui était vraiment fait dans la continuité. Mmh. Ouais, euh, le XXL3 avec sa vue top-down, j'ai pas joué, hein, je crois que c'est pas très bien, mais le Jeux Olympiques, c'est le vrai XXL3 en fait. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas réédité. Il faudrait le rééditer en, en enlevant les références <laughs> à Benoît Poulvord parce que tu vois, ils mettent des, il des, des extraits de films c'est ridicule. As, il est parce que le hein, film, il avait il est... pas un des personnages principaux. Du... C'était Brutus, ouais. Ouais, C'était Brutus. Mmh. Mais en fait, le, le film, le jeu, c'était. Euh... Voilà, c'est ça. Le jeu, en fait. Euh... C'était incroyable. Ouais, le jeu, il s'inscrit dans la continuité d'un XXL, tout en faisant référence au film. Il a un peu le... Donc il a un peu le, cul entre deux chaises. Et c'est vrai que si vous pouvais juste expurger toutes les références au film et juste garder l'aventure, ça ferait un bon <laughs> jeu. Et, et surtout, c'est le seul à x XXL qui est en coop. C'est marrant parce que quand tu écris sur sur Google best PS2 euh, co-op games mais bah, en fait il y a très peu de jeux comme ça il y a les obscurs il oui. y a le Spyro est... Spiro euh, l'aube du dragon mm -hmm. Down of the Dragon ce qui avait été fait par étrange libellule après Astérix XXL justement le Seigneur des Asterix était pas mal Olympique. non ouais, ouais et... le Seigneur des Anneaux moi, moi, mais tu est... sais on était choqué ouais, ouais, le retour ouais, ouais. du droit qu'on a fini aussi avec Ben récemment et j'étais choqué parce que J'étais persuadé que les deux tours étaient deux joueurs, tu vois. Et Ben, il a fait, ouais, euh, ce soir, on joue aux deux tours, oui. tu vois. J'arrive, allez, on joue aux deux oui. tours, on lance le jeu. Et on fait, bon, comment on met deux joueurs? Comment mais tu sais, on regarde, putain, mais c'est chelou, mais vas-y. Et on n'arrivait pas à croire que le jeu était qu'un joueur. Donc, en fait, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas eu tant de bons jeux coop comme ça dans ces, oui. ces époques-là, en fait. Hein. C'est un truc non, de fou. Bah... Et le fait que ça revienne un peu sur le devant de la scène, bon, sous différents formats. Et là, il texte tout. C'est marrant que tu passes de Asterix. Euh, Asterix, oh, j'ai du mal, putain. Asterix, Jeux Olympiques, à ou Obscure. Bon, c'est différent, oui, mais it à, two, tu ouais. passes de ça à il texte tout. C'est vraiment waouh, c'est genre, t'es es dans le futur, tu vois. C'est un changement de, de dimension. Et du coup, ouais, c'est un jeu. Euh, c'est le jeu euh, ultime. Comment on pourrait l'expliquer Ken, tu seras meilleur que moi pour expliquer. Bah, on, va, explique. on va introduire un petit peu le, le truc. Euh, euh, textu, euh, Pazou ne met pas d'extrait de Textoo, s'il te plaît. Regardez euh, okay, des, des captures de fait <laughs> euh, Ça marche. Et euh, du coup, ouais, Textoo, c'est un jeu du coup qui est développé par le studio Eslight, euh, j'espère le, bien le yeah. prononcer, qui est du coup. Alors moi, je les ai découvert euh, avec a Way Out. On avait parlé de Way Out, ou pas dans le podcast de Gazou les gars Je sais plus. Je pense t'en avais parlé. On, ouais. on faisait des points campagne à l'époque déjà. Ça remonte maintenant ces choses-là. Et, ouais. Et euh, mmh. donc, du coup, ouais euh, a Way Out qui était sorti il y a 3-4 ans hein, déjà, ça fait un petit moment. Euh, 3 ans ou 4 ans? Attendez, j'utilise je, 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 mon anti-sèche anti -sèche, pardon en speed. anti chaise <laughs> anti, <laughs> anti chaise ouais, anti ouais. ouais. Anti-sèche, donc c'était 2018 Way <laughs> euh, Out, ouais, yeah, donc c'était il y a 3 18, ans, ouais, déjà. Ouais. Et donc, euh, bah, Que vous avez bien aimé en plus. Enfin, un y a jeu le point médiocre, il hein, faut le ouais. dire. <laughs> voilà, tu vois. <laughs> <laughs> il y a un jeu médiocre, mais il y avait un jeu pas jeu un point de ouais. sur ce jeu? Non, honnêtement... pas... ah, non, 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 c'était vraiment. Ah oui. Alors, euh, Guillaume est un peu dur, mais voilà, c'était pas. C'était pas le jeu. C'était pas le jeu du siècle, tu vois. Genre, euh, il m'a laissé un peu une impression un peu bizarre quand je l'ai fini. Mais ma foi, tu vois, euh, ah on oui. est toujours un peu. En fait, le genre coop, et on va en parler avec e Textou, c'est un genre un petit peu particulier parce qu'il a en fait pour lui l'avantage d'être un jeu coop. C'est qu'on est tellement en chien de jeu coopération en permanence que c'est vrai yep. qu'on a tendance à être un petit peu plus conciliant envers certains jeux coop. C'est vrai. Euh, vrai. Ça, ça, vrai, ça a sûrement été mon cas d'ailleurs sur Way Out euh, Je ne sais pas si je le referai aujourd'hui. Euh, avant ça, il y avait eu Brother's, a Tale of Two Sons, que je n'ai pas fait, ouais. mais j'en ai entendu euh, ouais. beaucoup de bien. Tu l'avais fait, Théo oh je l'avais commencé, je crois, mais... Ouais. Il n'y avait pas un délire mm. de tu jouais avec une manette et chacun avait un morceau de manette. C'est ça, de la ouais, son... ça. Okay. chacun un stick ouais. ou un truc comme ça, je crois. Ok, d'accord. Mm. Et euh, du coup, bah, là, on a HeatText2. On a Donc, pour introduire un petit peu le, le principe d'HeatText2, en fait, il faut introduire l'histoire, parce que, comme d'habitude, euh, Bon moins que Way Out quand même, mais c'est un jeu qui a une grosse part, euh, on va dire, narratif, quoi. Euh, et comme euh... d'habitude, c'est là où ça pète. <laughs> attends un peu, Guillaume. Attends un petit peu. Ah... Attends un petit peu. On peut en parler. <laughs> et donc du coup, l'histoire du jeu, c'est que bah tu incarnes deux personnages. Donc d'un côté, tu as May, et de l'autre côté, tu as j'ai oublié son nom, Cody. Cody. Tu as Co Co ouais, Cody. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est un couple euh, qui euh, a des problèmes de couple en fait. Hein. Donc May, elle est euh, aspirée par le travail, elle est ingénieure, euh, elle passe très peu de temps à la maison. Cody, à l'inverse, bah du coup il ne travaille pas, il est à la maison et il a tendance à manquer de d'initiative. Il est pas très responsable, c'est un peu un grand rêveur, on va dire. Donc, il est très doué pour passer du temps avec sa fille, faire des châteaux, etc. Mais euh, voilà quoi, c'est dès que May elle, elle rentre à la baraque, elle est un peu vénère parce que bah il a pas fait les tâches ménagères de la journée. Donc ouais. le jeu commence comme ça. Et en fait, on arrive à un point de rupture, en fait, au début du jeu, où bah c'est l'engueulade de trop et ils décident de se séparer. Non, euh... non, 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 ça marche pas comme ça, Ken. Ah ouais? Je suis désolé, ah. non, non, non. Non, ah, mais tu tu fais bien de le couper. Le, hein. Dès le début du jeu, il se... il, euh, il y a. Ah, ils sont déjà il, en instance la... de il divorce. Y a... Elle, elle rentre et c'est se... déjà acté qu'ils vont divorcer. Okay. C'est juste moi. quand est-ce qu'on va l'annoncer à la petite. D'accord. Ok, ouais. Et donc du coup, ouais, En effet, donc du coup, tu as raison, Guillaume. Le point de d'entrée de, du jeu, c'est l'annonce à la petite euh, qui euh, qui du coup apprend que ses parents vont divorcer parce qu'ils arrivent plus du tout à s'entendre. Et donc là, la, la la petite fille avait construit deux petites figurines de ses parents. Euh, et elle joue avec en disant oui bon ils vont redevenir mmh. amis tout ça mais le truc c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle est deg tu vois elle est deg ses parents ils vont divorcer mmh. donc du coup elle chiale sur les poupées et là boum euh, bah, au final les, les les Cody et May se retrouvent à l'intérieur des poupées je vous ai très mal expliqué le truc mais voilà, c'est la base. Non, c'est bien bien expliqué je trouve. Donc, euh, Non, c'est bien expliqué. Non, suite à ça, tu as du coup en fait un bouquin qui s'appelle le, le bouquin de l'amour, The Book of Love. Et en fait ce oui. bouquin prend vie, c'est la petite fille qui l'avait récupéré à l'école et donc du coup elle l'avait à la maison. Et ce est bouquin écrit prend... par Dr. Hakim. Voilà, et en fait le bouquin c'est docteur Très <laughs> raciste, hein, d'ailleurs. <laughs> mais en fait, ah ouais j'ai pas pas trop bien mais compris il est... parce que docteur Hakim, je trouve qu'il a un accent hispanique. Ouais. bah c'est un mexicain. Ouais, un ouais, ouais, mais... mexicain Hakim. Mais genre c'est très raciste la façon de il <laughs> Waouh, c'est vraiment <laughs> on dirait vraiment des, des, des trucs des années 2000 quoi. Moi des je le, je le 2000, kiffe quoi. Docteur Hakim, genre il est trop marrant. Donc du coup voilà, Avec il a ses gros sourcils ouais, voilà, ses gros sourcils et tout, il est là, il, il danse mais un peu comme ça chaussure. et tout. Et en fait Docteur Hakim, il leur dit <laughs> "Bon les gars, vous avez pas le choix. Euh, voilà, euh, vous, vous vous retrouverez pas euh, forme humaine tant que vous serez pas à nouveau amoureux." C'est un peu malsain quand même, tu vois, parce que bon quand des quand des gens divorce ma foi enfin euh, ils ont pesé le pour et le contre euh, faut pas Je forcer ça, là, les choses mais bon c'est un ah. jeu qui voilà a une ambiance assez euh, assez assez onirique entre guillemets euh, c'est un peu raconté comme un conte pour enfants mmh. et donc du coup on part pas mmh. dans ces euh, préoccupations de oui bon bah le divorce c'est plus compliqué qu'il n'y paraît des fois c'est mieux que les personnes se séparent là on part sur une optique non, là on part non, sur une Non mais après il y a vraiment... ce truc de qui est assez intéressant excuse-moi de te couper Ken euh, c'est que euh, le, le, le but c'est de dire un peu le, le couple ça demande du travail en fait c'est oui. surtout ça mmh. c'est que c'est ouais. que c'est que c'est la, la solution de facilité serait de divorcer oui. mais euh, Exactement. dans l'idée euh, euh, si tu tiens vraiment à tout couple et, euh, et, euh, et, euh, et si tu veux vraiment euh, comment dire rester avec la personne, oui. il, faut, il faut, faut travailler sur soi. C'est exactement Parce que ça. Eux, ils ont pas l'air d'être du tout décidés à faire. <laughs> oui totalement. Oui ils sont... euh... bah, D'ailleurs le jeu est en fait un petit peu découpé comme ça, c'est qu'en fait le docteur Hakim, il leur dit bon bah vous allez devoir collaborer. Pendant mmh. tous les chapitres du jeu, donc bah voilà, c'est un jeu qui est vraiment basé sur la coopération. Mmh. Euh, à chaque fois, mmh. tu as toujours un personnage qui a un pouvoir, à l'autre qui a un autre pouvoir pour que ce soit complémentaire. Ouais. Et euh, mmh. donc, du coup, et le jeu est découpé comme ça où, en gros, il euh, y a des thèmes qui sont. Euh, le jeu est découpé plus ou moins en, en, en thèmes. Enfin en tout cas sur la deuxième partie c'est moins le cas sur la première. Ou sur la première c'est juste de trouver une solution pour se barrer quoi. Et euh, voilà donc c'est découpé comme ça, on te pose, on te pose un, un postulat de départ, C'est, il y a des environnements qui sont assez différents. C'est assez compliqué mmh. parce qu'en fait on s'est dit là avant d'enregistrer le podcast qu'on voulait pas trop spoiler le jeu. Euh, D'ailleurs dans mmh. les extraits qu'on vous diffusera on vous diffusera que le début du jeu. Pour la simple et bonne raison ouais. qu'en fait je sais pas pour vous euh, si, si, ouais. comment vous l'avez vécu mais en fait à chaque fois que je commençais un chapitre je me disais wow Trop bien. Genre, yeah. a trop bonne idée. Exactement. Ouais, exactement. Pareil. Vas-y, Théo. <laughs> ah non, non, mais t'as tout bien dit. Euh, c'est que c'est vraiment l'un des grands intérêts du jeu. C'est qu'en fait, euh, une des grandes qualités du jeu, ouais. c'est que tout s'enchaîne. Donc en fait, euh, avec un rythme assez élevé, avec beaucoup de changements d'environnement, beaucoup de choses qui se passent, et, et même quand ils te, te balancent une séquence de gameplay, euh, des fois ça va tu vas t'éclater sur cette séquence mais ça va durer genre 5 minutes oui, et ensuite oui. boum la séquence elle est finie tu vas plus jamais oui, jouer oui. ça mais tu vas jouer d'autres trucs tout aussi drôles oui. et en fait mmh. le jeu est hyper généreux de, de ce point de vue-là mmh. euh, en vraiment en t'arrosant systématiquement de trucs non mais il est formidable et puis tu as des idées tu as vraiment vraiment plein d'idées quoi c'est j'ai pas fait A way out mais tu te dis c'est quand même le, presque le jour et la nuit j'ai l'impression que vraiment dans un là en effet ouais, ils autant sont... est fait, ouais. Ouais. Il, il faudrait que j'y joue un peu parce que évidemment je suis pas en position de juger mais là j'ai l'impression que déjà ils ont choisi, un... <rire> <rire> ils ont choisi une thème, un thème où ils ont plus de liberté puisque c'est fantastique ouais. enfin voilà mmh. et, et là ils se lâchent et en fait ça c'est en fait moi je pensais que c'était un petit jeu au début je pensais que c'était quand même un jeu indé mais là on est on est quasiment sur un un triple A, euh, vous, vous, tu l'as pas ressenti comme ça Ken, toi qui l'as fini maintenant. Il y a quand même, c'est quand même difficile d'appeler ça un jeu ah non, indé mais non, mais quoi. le jeu ouais, est déjà le, le jeu édité par Electronic Arts, c'est un peu leur label oui, voilà, euh, ouais. leur label indé mais oui. De mmh. toute façon en fait on voit clairement que euh, The browsers Jusqu'à It Takes 2, il y a eu euh, à chaque fois un succès qui était présent et qui a permis à chaque ouais. fois de vendre de plus en plus de jeux. Je crois que It Takes 2, c'est. Euh, it 2, pardon. A Way Out, c'est 3 millions d'exemplaires vendus, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même ah ouais, assez conséquent. Mérité. Et donc forcément. solo je... euh... en même temps sur le, sur le credo. Oui, 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 ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, c ouais, que... ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ouais. au-delà d'être en. Ce que je trouve génial avec A Way Out, justement, voilà. c'est que, tu vois, euh, avec It Takes 2, pardon, je, décidément, je confonds tout le temps les deux. Euh, a Way Out, c'était un jeu qui était beaucoup plus narratif. Je trouve. Voilà. Ouais. Et euh, en fait, tu te retrouvais un peu avec un jeu tail tail euh, jouable à deux, tu vois. Mmh. Et euh, ouais, donc, bien sûr. Ça fonctionnait, mais c'était voilà, c'était ce que c'était, sachant que les jeux tail je trouve que de base déjà, ils jouent très bien à deux. T'as pas besoin d'avoir deux manettes. Mais il y avait les mini jeux ouais. de coopération et tout qui faisaient que c'était quand même assez intéressant. Là, il texte tout, ce que je trouve génial, c'est que comme tu le dis Guillaume, ils sont sur le même créneau. Et c'est vrai qu'à la base, quand j'ai vu, j'ai entendu parler du jeu, bah, grâce à toi d'ailleurs, euh, je me suis dit bon. Bah, euh, Enfin, euh, ils sont tout seuls, ils profitent du créneau. Enfin, euh, ça va être correct. Ouais, voilà. quoi, tu vois, on ouais. va passer un bon moment. Ouais. Mais je m'attendais pas vraiment à être. Euh, je vais, le, le, le mot est peut-être fort, mais à être bouleversé. Parce que vraiment, j'ai été bouleversé ouais, quand ouais. text tout parce que euh, le jeu. Ouais. J'ai été ouais. impressionné à quel point ils avaient travaillé ouais. la chose. Et bien sûr, mm -hmm. il n'est pas parfait, c'est pas le, le Gauthier ultime, entre guillemets, mais franchement, là, cette année, pour trouver un meilleur jeu coop, va falloir. Ah bah là, c'est oui. compliqué. Ah, ah ouais. Ouais. Non, mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'en fait, effectivement, peut-être qu'avant, ils étaient là par défaut. Oui. Et maintenant, c'est vraiment des kings. Ça va être, euh, je, je sais pas, enfin, euh, bon courage aux autres développeurs pour euh, atteindre ce niveau-là en termes de, si on parle mmh. vraiment de coopération, aventure euh, pour deux personnes, mmh. tu vois. Après, il y a plein de jeux qui se jouent à 3, 4 ou qui sont marrants. Mais là, euh, ça, et je trouve que le jeu, il fonctionne dans plein d'aspects, dans l'aspect euh, narratif. Narratif, pas forcément l'histoire, mais dans le genre où le storytelling de, de comment, euh, bah voilà, évolue tu t'avances, oui. il, il se passe plein de trucs visuellement et tout, ça fonctionne. C'est quasiment un Uncharted oui, fantastique. C'est <laughs> un Mario Party. Des Uncharted, fois, j'avais, en fait. <laughs> voilà, c'est ça. Des fois, je me disais putain, mais j'avais l'impression de jouer à une sorte de Uncharted, euh, voilà. Et en plus, euh, ouais, effectivement, ouais, le gameplay, il y a toujours des idées euh, vraiment. Euh, Vraiment, je me suis vraiment dit en y jouant, putain, c'est donc ça euh, 2021, tu vois, on entre dans un nouveau, euh, une nouvelle décennie, euh, c'est vraiment euh, hyper abouti. Tu sens que, ça va peut peut-être être un peu cliché ce que je dis, mais tu sens que derrière, tu as, as vraiment une équipe qui euh, vraiment réfléchit le jeu vidéo et, se, et, à, et, et, et arrive à arriver. Euh, je sais pas. <laughs> aussi bien les idées où il y a plein d'idées excellentes, et aussi bien la réalisation dans le sens où j'ai l'impression que les outils de nos jours, ils, per ils permettent à, à des gens de vraiment pouvoir s'exprimer comme ils veulent dans leur jeu tu vois c'est je vais peut-être un peu loin mais j'ai je... trouvé ça euh, vraiment ouais le ouais, jeu est touchant ouais. euh... je dirais, je dirais ouais. pas je dirais pas réfléchir sur le jeu vidéo je dirais aimer le jeu vidéo parce que en fait il y a rien voilà. de ah, oui. très innovant en soi c'est vraiment beaucoup de c'est ouais de... mais c'est ça c'est une est lettre d'amour jeu vidéo c'est que as plein plein de ouais. de de, de, ouais. de, 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 ouais, de reprises ça. de gameplay etc de différents jeux etc et à chaque bon ouais. c'est plus ou moins réussi mais c'est jamais vraiment euh, il n'y a jamais un passage où vraiment t'en peux plus t'es là genre non c'est vraiment de la merde j'en peux plus tu vois je pense qu'il y, mmh. y, y a des moments beaucoup plus réussis que d'autres mais dans ouais. l'ensemble tous les gameplays se tiennent un peu et, et, et comme tu disais Théo c'est que il reste jamais sur le même truc donc t'as jamais voilà, le temps d'être ouais. vraiment lassé d'un gameplay à proprement oui, parler oui, en oui, fait, ah ouais. parce que t'es tout le temps en non, train de dire... changer de, 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 de référence et ça c'est quand même tu... assez cool tu vois, regarde, c'est marrant parce que justement, ça, ça rentre en résonance un peu. On, là, ce jeu est sorti en 2021 et récemment, j'ai joué à Enslaved euh, qui est sorti en 2011, donc exactement 10 ans auparavant. Et là, dans Enslaved, sur un jeu comme ça euh, qui à l'époque était un triple A, le nombre de choses que tu es amené à faire dans Enslaved... C'est quasiment la moitié. Tu fais autant de choses différentes dans la moitié d'un chapitre de It Takes Two que dans tout Enslaved. Tu vois, en termes de gameplay, tu oui. vois, t'as un peu de conduite. Enfin, bon, je ne pas, je vais pas parler d'Enslaved, mais c'est vraiment dans le genre, dans le sens où là, j'ai l'impression, euh... c'est à dire qu'en fait, il y a dix ans, on était, on était euh, OK avec le fait de, voilà, de refaire un peu les mêmes choses pendant une aventure de six heures, voilà. et, et... Et là, ça n'a plus rien à voir avec un jeu comme ça. Après, je ne sais pas si tous les jeux vont être comme ça, mais déjà Mario Odyssey, ça prenait aussi un peu d'une certaine façon cette direction-là, où vraiment euh, on est amené à, à avoir en fait à, être, à, à ne plus se limiter à, à quelques phases de, de quelques mécaniques de gameplay précises, mais avoir un truc complètement exubérant. Et justement, comme tu as dit, où toute l'expérience du, du jeu vidéo en général, euh, que, que le jeu vidéo en général peut apporter avec maintenant des gens qui ont vraiment une bonne euh, comment dire connaissance et tu vois il tout moi je trouve que tout fonctionne dans le jeu tu vois peut-être que tu n'es pas d'accord Guillaume mais je trouve non. Que quand tu prends le contrôle d'un bon après on spoil un peu mais on va pas spoiler mais on prend contrôle avec beaucoup d'animaux par exemple oui. à chaque fois c'est marrant tu vois, euh, enfin beaucoup voilà tu as différentes mécaniques comme ça et à chaque fois c'est marrant c'est un un bon moment que tu passes avec un, une mécanique de gameplay qui fonctionne je trouve enfin bref à, après moi je trouve qu'il y a quand ouais, même oui à beaucoup de moments il y a énormément de problèmes de lisibilité il y a beaucoup de moments où euh, avec ma compagne on savait plus du tout qui était qui où est-ce qu'on était euh, ah, oui. il y a beaucoup de moments surtout les moments en, en top-down où vraiment ouais, euh, le jeu ouais. a du mal oui. à, à te dire où tu es euh, et, euh, et, et, et c'est assez frustrant mais, mais c'est jamais trop non plus et il y a un truc aussi que j'ai remarqué c'est que j'ai l'impression que plus tu meurs et plus le jeu baisse la difficulté aussi. Ah oui. Avant. Ah bon bah parce ah, que marrant, sur euh, sur un, un, un je vais c'est difficile de pas spoiler mais je vais pas spoiler mais sur un combat en particulier. Ouais. Euh, et je dis vraiment un combat. Oui. Euh, euh, J'ai senti qu'au début j'avais beaucoup plus de mal et, et, et vu vu sur l'autre partie bon elle est à côté mais bon elle n'arrêtait pas de mourir. J'avais l'impression <laughs> qu'au au fur et à mesure. J'avais vraiment. J'avais beaucoup plus de facilité à, 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 à battre mon adversaire. Oui. Mmh. Après, dans tous les cas, ce qui est bien aussi avec Hit euh, 2, c'est que c'est pas un jeu qui est très punitif. C'est que euh, tant qu'il y en a un des deux qui reste en vie, en fait l'action la, ouais, continue, il vrai. faut vraiment crever en même temps pour que, euh, mmh. pour que, pour oh, que et ça ça c'est très très bien pensé ouais. Ouais. et dans tous les cas les checkpoints sont jamais, sont jamais vraiment très loin et donc du coup c'est cool parce que bah, tu te prends pas la tête en jouant et tu, je pense que l'énergie que tu mets pas à vouloir rester en vie ou ce genre de choses bah en fait tu la mets à kiffer les environnements euh, parce ouais, que bah ouais. voilà en fait tout bêtement le jeu il est, à... tu joues des personnages qui sont à une échelle très réduite, qui font la taille d'une figurine et en fait ça on peut le dire le jeu se passe intégralement dans la maison ou autour de la maison et en fait t'as mmh, un peu, yeah. un peu un, un, j'ai retrouvé un truc que tu peux retrouver quand tu regardes Toy Story en fait, c'est que du coup tu as, ouais. as une échelle différente et que tu découvres les objets mmh. d'une nouvelle façon et euh, je trouve ouais. que ça marche super bien. Euh, des fois ça part un petit peu en sucette mais justement ça fait partie du charme du truc c'est que bon vous n'avez pas strict c'est un peu de porcherie chez eux quoi <rire> <rire> <Je> <rire> me... mais en fait justement t'as pas la maison au Alors... sensu c'est que des fois tu pars dans, voilà. dans des univers un petit peu parallèles machin et tout voilà. et donc ouais. euh, c'est super il y a pas mal de personnages que j'ai trouvé de scènes en fait d'action que j'ai trouvé vraiment drôle en fait euh, j'ai ouais, ri devant certains passages et en fait je c'est marrant parce que Théo tu parlais un petit peu de Super Mario Odyssey et en... aujourd'hui euh, avec mon âge qui avance, j'apprécie vraiment mmh. les moments où, en fait, devant ma console, je suis comme un gosse. Vous voyez mmh. Et c'est ouais, un truc que j'avais ouais. totalement eu sur Super Mario Odyssey. Et c'est vrai que sur It texto sans arrêt, en fait, j'étais là et, et j'étais un peu genre BA devant le jeu et je me disais, waouh ouais. c'est trop beau. Et en fait, par exemple, dans le jeu, t'as plein de moments où tu peux aller faire des conneries un petit peu en dehors de ton objectif. Ah, oui Tu peux ouais. euh, aller jouer avec un radio cassette ou je sais pas, enfin des exemples, t'en as des tonnes et des tonnes. Et ouais. je passais un temps fou à faire autre chose que ce qui était prévu parce que juste, ouais, je m'amusais en fait tu vois je m'amusais vraiment j'étais comme un gosse mmh. et ça j'ai trouvé ça génial et en fait quoi ouais, non, exactement pareil cool. ouais c'est vraiment t'as bien as bien expliqué et, et justement je voulais juste faire une mention spéciale à du coup ça c'est perso il y a des zones qui sont fantastiques vraiment avec Alice quand on a fait la zone donc je vais pas spoiler mais c'est la zone de la deuxième page euh, bon en gros à un moment donné ouais. tu vas récupérer quatre morceaux de papier on va ouais, dire ouais. Donc, deux, le deuxième morceau de papier euh, donc juste oui. la... Guillaume, tu est es pas encore, c'est la prochaine. Et no là on a vraiment. Non, c'est. Bah j'y suis là, je vais faire cette ah, partie okay, là, voilà. visiblement. Ouais. Donc, euh... Et du coup là avec Alice, on était vraiment émerveillés, aussi bien elle que moi. Donc tu vois, c'est pas juste un délire qu'on se fait dans la tête, c'est que vraiment là on on a rarement eu un moment comme ça où vraiment on était émerveillés quoi. C'était on trouvé... Après, c'est chacun son. Tu vois, ça, il y a tellement mmh. de trucs cool que je pense que chacun va être touché par quelque chose de différent. Mais cette zone-là, nous, on était. Il y en a pour tout le monde. est là, émerveillé. Guillaume, tu voulais, tu voulais faire un petit point sur la narration, peut-être Ouais. Alors, il, il y a un... le problème, c'est que le jeu est vraiment généreux en termes de gameplay, donc en termes de temps de jeu, ce qui fait que ça crée un véritable problème sur la narration en elle-même, qui, qui a un rythme tout le temps effréné. Et euh, Par exemple, là, on finissait bah, justement euh, la première page et hier et on se disait, mais attends, mais ça a des, 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 des semblants de fin de jeu, en fait. Et tu sais, t'as vraiment l'impression d'arriver au, au climax ouais, du truc, ouais. ah. mais en fait, t'es jamais au climax et ouais, ça crée oui. des problèmes de rythme qui sont hyper euh, un peu ah, désagréables. Ouais, en oui, fait, je vois je ce trouve, que ouais. tu veux dire. C'est genre. Je, qu en je gros, vois ce que tu veux dire dans le sens, où ouais. quand on finissait un chapitre avec toute l'énergie que ça dégageait, ouais. euh, bah généralement, dès qu'on commençait un chapitre, on s'arrêtait là parce que voilà, bah, ça, pareil, ça retombait. Pareil. Mais ouais. euh, de, 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 la montée en puissance est trop cool. Mais je comprends que si voilà. tu enchaînes, par exemple, deux chapitres, ouais. ce petit ouais. ventre mou, il, ouais. il doit être délicat. Bah, ouais. En gros, c'est ça. Et et... Et... Ouais, non, mais t'as raison. Excuse-moi, vas-y, Guillaume. Non, non, mais, Et il y a aussi, moi je trouve que, mine de rien, les personnages, ils sont détestables. Honnêtement, moi je trouve que. Il <laughs> y a plein de moments où vraiment on oui. s'est regardé, on était là, genre. Mais, mais non, Kiki, mais non, tu veux pas dire ça, Kiki C'est vraiment Gigi. des gros connard <laughs> Non, mais bah, alors, ok, alors tu <laughs> Genre, il y a plein de fois où, où, où ils se retrouvent à, 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 à. Je sais pas, à se débarrasser de quelqu'un, mais ah, comme oui. si c'était de la merde. Ah oui, toi, mais, mais ça, c'est hyper non, mais... drôle Ouais, mais ça, c'est <laughs> bizarre, ça On pense à. Ouais, c'est trop bien on va non, pas se mais... Moi, je pense mais... par exemple. Ouais, non, non, sans spoiler, je pense par exemple au Scarabée. Genre. Ah il... oui <laughs> Le truc, il... t'es là, genre, mais. <laughs> le gars. Il... C'est vrai. Et genre, ils s'en battent les couilles. Pareil, sur plein d'autres trucs, ils s'en battent les couilles. Et genre, euh, après, <laughs> après, je pense que là, le moment où vraiment ils en jouent beaucoup, ça devient limite comique. Ouais. Euh, on, on voit de quel passage voilà, on parle. Voilà, ouais, voilà, voilà. voilà C'est énorme. Là, 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 je peux comprendre. Mais sur tout le reste c'est que tu te dis mais en, en moi ça m'a limite parfois gêné de, de ah jouer ouais. parce que parce que t'es là genre mais on ne cautionne pas complètement antipathique ces personnages ouais. quoi genre, déjà mmh. d'être complètement un peu cliché de tu vois d'avoir le mec un peu rêveur avec la meuf qui est qui est genre euh, qui, qui qui passe ouais, sa ouais, vie au qui, travail ouais, ouais. etc mmh. je trouvais ça un peu euh, pff, un peu un peu cliché et, et, et aussi au-delà de ça c'est que en fait mine de rien ils prennent quelque chose et ils moi, moi je pensais quand même que d'une certaine façon ils allaient quand même te faire questionner ton propre couple. Mais mmh, en oui. fait, pas du tout, à aucun moment. Enfin, je veux dire, le, 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 oui. le, c'est tellement lambda, euh, le, 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 la façon, euh, le, le, le scénario et la narration sont tellement lambda qu'à aucun moment tu questionnes quoi que ce soit. Ou tu, non, mais le ou tu, 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 tu te regardes avec ta moitié en me disant oh, tiens, ouais. qu'est-ce que t'aurais fait, toi Enfin, il n'y a aucun moment comme ça. Mais oui, par contre, à, part, gameplay, à part le moment, justement. Euh, ouais, c'est juste un ludique, en fuck. fait. Hein. Ouais, mais regarde. Mmh. Le, c'est un but qui est juste ludique en fait. Oui, tu non, non juste... mais sauf oh, oui, que c'est pas ça, c'est que le gameplay, c'est pas pour. Euh, je veux pas en rajouter des couches, je dis peut-être de la merde, mais j'ai l'impression que le questionnement il se fait à travers le gameplay. En gros, je vais l'expliquer de manière euh, triviale mm -hmm. c'est que si tu t'engueules avec ta meuf en jouant au jeu. C'est que c'est que vous collaborez ah, pas si bien que ça si tu t'engueules pas. Hmm c'est ah. ça hein. Comme comme Pazou le dit c'est vrai que c'est un peu méta ou genre à des moments bon, c'est jamais allé très loin ouais. mais genre on se on se chahutait un petit peu ouais. en jouant genre, genre non mais qu'est-ce que tu en train de faire ouais. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un peu méta parce que tu te dis oh, c'est marrant parce que tu, tu joues à un jeu où tu as des personnages qui sont euh, en opposition mais après Guillaume, ouais, je vois ce que tu veux dire ils et sont après c'est vachement en opposition, enfin vraiment oui. hein, au ah, début tu oui, vraiment envie de leur dire non mais sérieusement, vous avez pas ensemble quoi. Mais <laughs> mais, mais, mais surtout la meuf, en fait, elle est antipathique au possible, quoi. Genre, tu sais, genre, elle est complètement. Euh, C'est est vrai qu'elle est elle pas très mais elle est castratrice, quoi. Ouais. quoi. Tu vois, genre, elle est bah. tout le temps en train de le, de le, de le, de le descendre dès qu'il fait quelque chose, de lui parler comme une merde. <laughs> C'est vrai que t'as un peu ce truc qui est mal jugé dans le sens où, euh, même si t'as pas envie de le faire. Euh, la narration fait que de temps en temps tu vois plutôt may comme un peu justement celle qui est cinglante et, euh, et cody comme le gentil idiot bah. et euh, ah. même dans la narration des fois ils ont un petit peu de mal à remettre en question cody euh, ouais. on, ils ont la, la narration a du mal à lui trouver des défauts. Ah en fait, ouais, au final. Ouais, pas, je... À part le ah. fait qu'il est un peu bordélique et que voilà c'est un grand rêveur. Ah, okay, Donc je vois ce que mm. tu veux dire à ce niveau-là. Après ouais, euh, de base l'idée d'avoir fait des persos très archétypiques ça ne me dérange pas parce que euh, après c'est toujours la question du est-ce que quand tu joues à un jeu vidéo tu t'impliques personnellement dans le personnage principal ou est-ce que tu gardes un certain recul et que tu te places plus en tant que spectateur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Bien mm. une... sûr, mais je trouve que en fait, on, on voit pas assez souvent des couples pour que ce soit intéressant de justement questionner le couple. De, de, c'est après, après je trouve que mine de rien, euh, le scénario il prend quand même beaucoup de place dans le jeu euh, et il sert pas à grand chose. Il apporte rien au final. Mm. Oui, c'est vrai qu'il ah, qu ouais, est okay. pas. C'est c'est un prétexte, mais c'est un joli prétexte. Ouais, bah après moi, encore une fois, je trouve que j'ai trouvé certains passages à la limite. Euh... On va dire, j'ai eu un peu de mal avec la fin, puisque en gros, euh, sans spoiler évidemment, mais en gros, euh, le, début du, le début du jeu en termes de pure euh, écriture, entre guillemets, je trouvais ça assez, assez malin, parce qu'il y avait toujours une sorte de second degré un peu bizarre qu'on peut aimer ou non, tu vois. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça devient plus premier degré. Bon, sans en dire plus. Euh, oui. je voulais quand même rebondir par rapport à ce que tu dis Guillaume sur le climax euh, Ouais, tu mets le doigt sur quelque chose pour être honnête j'avais pas vraiment prévu d'en parler parce que je me suis dit allez l'expérience globale est bien donc on va pas euh, on va pas euh, comment dire chipoter n'est-ce pas mais vu qu'on commence à, à chipoter alors autant y aller c'est qu'effectivement ce que tu dis c'est que quand tu récupères la première feuille de papier ça ressemble à une fin et c'est vrai qu'avec euh, avec Alice on était ah ben bah, si c'est ça c'est la fin quoi et puis après elle dit oui, bah non, oui, mais non oui, il y a oui, encore oui, trois oui. feuilles à trouver et oui et alors en ah. fait ce que je trouve bizarre c'est qu'au final le il y a des climax et que le plus grand climax c'est vraiment pas la fin du jeu en fait les euh, je trouve hein, oui. euh, c'est que euh, oui. on, la dernière zone chez Ken dis-moi ce que en penses la dernière zone c'est peut-être oui, une des vrai vrai moins bien final, euh... ouais bah, la dernière zone ouais c'est elle a un moins gros climax que les autres voilà. donc du coup c'est vrai qu'en la faisant Ouais. Euh, je me suis dit, ah bon, aïe, ah yeah. tu vois. Ouais, genre, exactement. Euh... C'est vraiment bizarre. Hein. C'est ah. ils, auraient juste, pu, ils auraient juste pu mettre les chapitres dans un autre ordre et ouais. ça aurait peut-être mieux fonctionné euh, sur l'expérience globale, tu vois. Après, la dernière zone dans l'écriture, elle fonctionne, tu vois, la façon dont ah, on oui. termine, tout ouais, ça. Ah oui, ouais, ça, et... ça, ça j'aimais bien quand même, ouais, effectivement. Ça, ça marche ouais. quand même, ouais. Mmh. Mais voilà, enfin. Euh... It Takes Two, c'est un jeu, je pense, qu'on vous conseille tous. Ouais, bah euh, oui. Euh, ouais. On est un peu devenus les spécialistes du point compagne, donc là, on vous le dit, hein, <laughs> si vous voulez y jouer avec votre mec ou votre meuf, vraiment, c'est c'est le jeu idéal. Je rejoins Guillaume quand même sur le fait que la question du couple et c'est vrai, pas souvent abordée dans le jeu vidéo, et que là, c'est peut-être un petit peu léger. Après, je trouve que c'est bien aussi parce que ça reste un jeu familial et que c'est à la portée des, par exemple, si vous voulez jouer avec ton gosse, enfin, ouais. tu vois, il va tout piger en fait. Ouais. Tu vois, y a rien qui euh, va euh, le, qui non. va l'échapper. Et puis comme comme c'est vrai que c'est ce qui est intéressant c'est que comme je disais il y a ce côté très Mario Party et tu peux au final trouver peut-être avec quelqu'un qui ne joue pas souvent aux jeux vidéo peut-être trouver un, un tu vois genre un, un truc genre ah t'aimes bien ce genre de jeu ah peut-être ah oui t'aimes bien t'as bien aimé cette cette partie là ouais. du gameplay ah bah peut-être qu'on peut, ouais. qu on peut mmh. trouver autre chose oui. qui marche bien euh... exactement ça ouais. c'est bien ça ouais. exactement ça a pas mal hein. on va passer au prochain jeu je vais la faire courte hein, honnêtement j'ai pas trop envie de passer du temps euh, c'est en fait c'est un jeu, je voulais en faire un sur le grill et très honnêtement euh, je me suis tellement pas amusé dessus que je me suis dit j'ai trop la flemme de continuer à y jouer pour, euh, pour en parler donc vous avez déjà un petit peu le, le ton qui est donné euh, je vais vous parler de Paprium est ce que ça vous parle Paprium les amis ouais bien sûr oui. bah, c'est le jeu euh, qui avait été kickstarté euh je Mega Drive. C'était même pas un Kickstarter. Euh, un... Alors, on va parler un petit peu du fonctionnement, Allez. on va parler de tout ouais, ça et puis ouais. je vous donnerai un petit peu mon avis vite fait. j'avais yes. déjà voilà, fait, un, un article, Omurgezo, fait un article d'ailleurs sur Morgeso. J'avais fait un article sur Paprium ouais. à, à, à l'annonce, donc en 2017 en effet, ouais. parce que j'étais chaud bouillant. Et donc voilà, pour vous expliquer rapidement, c'est fait par Watermelon Games, c'est une boîte française qui s'est spécialisée dans les jeux euh, sur d'anciens supports. Entre guillemets, ils avaient déjà fait Pire Solar, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était sorti sur euh, Mega Drive je crois aussi, et puis il y avait une version Dreamcast après. Et ensuite, ils l'ont sorti sur Steam et compagnie, ça s'appelait Pierce Solar HD. Et donc là, euh, ils ont euh, réitéré l'expérience avec euh, du coup Paprium qui s'appelait à la base Project Y et donc qui avait été annoncé au, à un plus large public en mars 2017 parce que le projet était un peu euh, antérieur à ça. Et en effet, comme tu le dis Théo, c'était un peu un principe de financement participatif. En fait, sur, euh, sur leur site Watermelon Games, tu euh, pouvais être un investisseur et du coup te donner de l'argent pour ensuite apparaître dans le, le manuel du jeu en tant qu'investisseur, tout ça, tout ça. Et donc, euh, voilà, c'est un, 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 un jeu que j'ai suivi de près depuis 2017, depuis le moment où je l'ai euh, précommandé, du coup, pour. Euh, une soixantaine d'euros, si je vous dis pas de bêtises, j'avais réussi à choper un code mmh. promo. Et euh, en fait, c'est un jeu qui déjà a été marqué par pas mal de débandades. Alors, je tiens à le dire, ça ne mmh. rentre pas en, en, en compte dans mon appréciation du jeu. Euh, certes, j'ai eu le jeu presque 4 ans après l'avoir précommandé, mais ce n'est pas, euh, pas l'important. En tout cas, c'est pas l'important dans ce que je veux raconter. Pour vous expliquer un petit peu, ça a été tellement le bordel que, à un moment, euh, en fait, Watermelon a arrêté de communiquer, tout court parce qu'il y a eu pas mal de problèmes en fait, ils ont eu leur argent qui avait été cardjacké par PayPal ou je sais pas quoi et en fait, ils étaient grave dans la merde et <laughs> <-jacké>. plutôt des... <laughs> Non mais c'est c'est déjà arrivé en fait, <laughs> tu sais quand t'as une grosse source d'argent d'un coup sur PayPal, PayPal il ah, bloque ou je sais pas quoi, machin, bloquent, et tout ouais, ça leur ouais, arrivait. Et donc ouais, la société, elle est à moitié en France, à moitié à Hong Kong, euh, ils ont arrêté de communiquer d'un coup. Donc du coup, tout le monde s'est dit "Ouais, bon, s'est fait endormir notre fric et tout machin." Ils ont fait une release party. Release party, c'est bien dans le nom hein, Donc du coup, c'est pour la sortie du jeu qui était en 2018. Je crois fin 2018 ou au final <laughs> sur place il y avait, y avait zéro jeu, jeu. C'était une soirée <laughs> où il n'y avait pas le jeu Et en fait il y a du coup Fonzie le, 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 le chef de projet sur Paprium Qui est venu et qui a montré Une version qui n'était pas finie du tout Je crois qu'il n'y avait même pas d'ennemis à l'écran Ça buggait dans tous les sens au niveau des sprites Enfin c'était... Euh, c'était chaotique. Et donc, ouais, le jeu a pas arrêté de se recevoir des flots de merde et des flots de merde et des flots de merde. Et à un moment, on a plus eu de communication du tout pendant un an. Et on s'est juste dit, bon, bah tant pis pour l'argent, quoi. On le reverra pas. Moi, j'y croyais encore un petit peu quand même. J'ai eu envie d'y croire. Et soudainement, en décembre, euh, Watermelon est réapparu de nulle part. Et a dit, ouais, c'est bon, les jeux, ils sont prêts, on va vous les envoyer. Donc, du coup, ouais, t'es là, tu fais, bon, bah voilà, c'est cool, je vais avoir mon jeu, quoi. Sympa. Euh, t'es content, malgré le fait que t'es quand même un petit peu amer. Mais vraiment, l'amertume, j'insiste encore une fois, elle a pas sa place dans mon appréciation ça a pris le temps qu'il fallait. Au final, ils ont respecté le contrat partiellement. Je vais y revenir. Et c'est euh, tant mieux. Donc, du coup, le jeu est arrivé. Mais il est arrivé déjà avec une petite notice explicative sur le site de Watermelon qui disait Ok, le jeu est fait pour les Mega Drive officiels. On vous le dit depuis le début. C'est pas la peine d'essayer d'y jouer sur une sur une 80 games ou je sais pas quoi vous connaissez tous ces consoles ouais. Mega Drive où on peut mettre des, des cartouches dedans mmh. euh, il a été conçu pour une architecture Mega Drive donc du coup il marchera que sur une Mega Drive soit moi ce qui s'est passé c'est qu'en fait après l'achat du jeu je m'étais racheté une Mega Drive parce que la mienne déconnait un petit peu et euh, manque de bol, ma Mega Drive que j'avais rachetée, elle fait partie des numéros de série où le jeu n'est pas compatible. Ah. Donc du coup, on te fait acheter un jeu 60 euros et ensuite on te dit attention, il n'est pas compatible avec certaines Mega drive officielles. Donc déjà, as un petit peu d'eg, tu vois, tu fais un petit peu la gueule. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc bah, euh, du coup, euh, je me suis démerdé euh, en faisant un mic mac de Mega Drive avec celle que j'avais à la maison pour jouer au jeu. Et euh, donc voilà Paprium c'est un jeu la cartouche elle fait 80 mégabits ah donc ouais. du coup ça fait, euh, ça fait ouais, 10 euh, mégaoctets hein, du coup parce que mmh. c'est important il y a cette petit, ce petit jeu tu sais avec les mégabits et les mégaoctets ah, c'est okay, euh, okay. un, un record parce que du coup Pire Solar avant lui faisait 8 mégaoctets et je crois qu'à l'époque de la sortie de la Mega Drive, le, le, le haut du panier c'était Super Street Fighter 2 qui faisait 4 ou 5 mégaoctets, si je dis pas de ah bêtises. Ouais. Mmh. Donc du coup, ça éclate euh, x2 le record de, de Street Fighter. Donc techniquement, en fait, c'est vraiment une prouesse technique hein, le jeu parce qu'il arrive à tourner sur une Mega Drive. Une... Quand il tourne sur la Mega Drive en question, quand t'as le bon numéro de série, mmh. il tourne bien. Mais euh, ouais, c'est ouf. Et donc du coup, bah. On entre un petit peu dans le vif du sujet. Ah, il y avait un autre truc que je voulais dire et que je peux même vous imaginer à l'audio et à la vidéo. En mm -hmm. fait, quand ils ont fait la petite notice explicative en disant ouais euh, le jeu il va arriver, mais il y a quelques petits problèmes. Parmi les petits problèmes, il y avait celui-ci. Oh, ah ouais, quand oh. même. voilà. Je sais pas si vous avez entendu. En gros, il y a une plaque de métal dans les cartouches Mega Drive. Apparemment, c'est assez classique. Sauf que là, pour une raison qui m'échappe, ils n'ont pas réussi à la fixer. Donc du coup, ils te disent bon bah tu vas recevoir ton jeu, mais euh, c'est un maracas. Petite, voilà. euh... Donc du coup, enfin euh, c'est c'est un peu... Voilà, mais... C'est dommage. Même, ouais. même ça, ça rentre pas trop dans mon appréciation du jeu, d'accord Je, je... <laughs> <J 'aime> bien <laughs> ouais, parce que bon. au début t'étais Pas trucs, du hein. tout, pas du tout. Et là, bon, pas trop. <laughs> ouais, non, mais <laughs> genre ça a eu... Ça les mais ça fait ça voilà. beaucoup, là. Hein. Du... Ça Après, ils ont, fait un, ils ont fait un beau packaging, machin, t'as une ouais. notice, machin. Franchement, c'est ouais. bien foutu. Mais bref, on va parler du jeu, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Parce que, enfin, moi, j'ai acheté Paprium, je l'ai pas acheté pour le mettre sur une étagère, je l'ai acheté parce que je suis un grand fan de Beat'em Up. Il a été annoncé à une époque où... Street of Rage 4 n'avait pas lieu d'être, donc j'étais dans une certaine ah oui. famine, en quelque sorte. Euh, Disait, et donc du coup, bah, ça tombait à point nommé. Malheureusement, entre guillemets, pour lui, Street of Rage 4 est sorti entre temps. <laughs> Alors, ouais. bien évidemment, loin de moi l'idée de vouloir comparer les deux jeux, parce que Street of Rage 4, il s'affranchit des limitations de techniques de quelconque console, il est ce qu'il est. Euh, malgré tout, euh, voilà, Paprium, c'est un jeu euh, qui est très beau. Il est vraiment très beau pour de la Mega Drive, il est magnifique. Il y a une direction artistique qui est pas du meilleur goût mais après ça c'est une appréciation très personnelle et je suis pas très fan du, euh, du cyberpunk en termes général parce que ouais c'est une ambiance post-apocalyptique et tout ça euh, les musiques sont aussi super cool il y a un système qui est super bien foutu et que moi j'ai toujours rêvé d'avoir dans les beat'em up c'est qu'en fait t'as des routes bah, un peu comme Guardian Heroes dont on parlait tout à l'heure ouais, ouais. Golden en Axe fait, 3 euh, aussi là... Ouais, voilà. Là, t'avais des choix dans Guardian Heroes qui pouvaient te faire passer par différents niveaux. C'était pas linéaire. Et là, t'as un peu le même système où tu peux littéralement passer de une demi-heure de jeu en faisant une route ah à oui. euh, aller une bonne heure de jeu en passant par un autre chemin. Genre, tu oh. peux passer à travers les routes et tout. Et c'est trop bien fait parce que du coup, bah, t'enchaînes les niveaux. et À chaque partie, tu te dis bon, bah, je veux pas y jouer de la même façon. Il y a un autre système encore super bien foutu où tu peux, en fait, t'as différents, euh, différents boss sur les routes. Et en fait, tu peux placer un de tes persos. Euh, sur la zone du boss, ok. Donc okay. en fait, il prend le trône. On appelle ça trôner. Il prend le, le trône du boss et quand tu retournes jusqu'à lui, donc il faut refaire le jeu encore une fois, mm -hmm. il te donne des nouvelles missions. Et en fait, après, ah. ça te permet de débloquer la vraie fin et tout. Donc en termes de contenu, le jeu, il est vraiment super intéressant, tu okay. vois, parce que il euh, y a de la rejouabilité et tout ça, tout ça. Mais en fait, là où j'arrive du coup au cœur du souci, c'est que à quoi bon proposer de la rejouabilité si le jeu, il est pas, il est pas bien. <laughs> en fait, c'est ça le problème. Ouais, c'est que, ça. en fait, le jeu, il est beau, il a des bonnes musiques, il a un système euh, qui est plutôt intelligent. Mais euh, bon, ma caméra vient de couper, donc du coup, vous avez pu avoir d'image à l'écran. Je suis désolé, je remettrai ça après, mais je continue. Et euh, le, le, le problème, c'est que, euh, voilà, le gameplay, il est à la ramasse. Il est vraiment à la ramasse. Euh, la, les, les six boutons de la manette Mega Drive sur la manette 6 boutons, ils sont utilisés, mais les coups, ils sont assez sommaires. Je vous le montrerai à l'écran euh, pour la version vidéo. T'as par exemple un super coup qui se fait en prenant une drogue. Et en fait le super coup, bah juste tu mâches un bouton comme un, euh, comme un, comme un fou. Euh, ouais. Jusqu'à ce que ta drogue elle ait fini de faire effet. Et donc c'est pas du tout intéressant parce que tu te retrouves avec une super attaque où tu spames juste un bouton et ton perso il fait la, la même attaque en boucle. Enfin, ouais. c'est pas très agréable à jouer. Euh, et puis je me suis très vite rendu compte aussi par exemple que la meilleure façon de s'en sortir dans les niveaux c'était de faire des attaques sautées. Les persos sautent ah, haut. Oui, ouais et donc du coup euh, je me suis dit c'est pas possible c'est pas la meilleure façon de s'en sortir dans les niveaux j'ai regardé des runs de Paprium sur Youtube du coup dans la difficulté euh, la plus élevée en ouais. Paprium et les mecs ne font que sauter ah en merde. fait tu vois et c'est là que tu te rends compte que en fait le jeu a fait en sorte d'être bon sous tout rapport mais qu'il a négligé la base même du beat'em up ouais, du... en proposant un gameplay qui est éclaté ah ouais, tu vois un... il y a cinq personnages différents. Et tu vois qu'il y a des tentatives de proposer quelque chose d'intéressant, mais en fait, c'est, euh, j'ai pas d'exemple de, de, similaire, de, de comparaison à vous faire. Mais je sais pas, imaginez euh, par exemple un jeu de voiture où tout est nickel, mais la conduite des véhicules, elle est atroce. Ouais, bah, c'est voilà, exactement ouais. pareil avec Paprium Voilà, c'est que ouais. tu, euh, tu, tu passes un bon moment. Il y a beaucoup de choses qui te permettent de passer un bon moment et du temps sur le jeu, mais en fait, tu prends pas de plaisir parce que les combats sont nuls. Il euh, n'y a, a, a pas de feeling dans les, dans les coups, euh, euh, vraiment c'est très limité en termes de gameplay et malheureusement du coup euh, je suis passé par le premier stade où j'ai vu le gameplay en premier, je me suis dit bon c'est pourri, euh, après je me suis un peu forcé à jouer au jeu justement pour voir tous ses bons côtés en termes de game design et tout ça et là j'ai eu une, un, un deuxième élan où je me suis dit ah c'est quand même intéressant et en fait, le problème, c'est que le jeu a fini par me tomber des mains euh, très naturellement. parce que je me disais, ouais, mais en fait, j'en ai marre de jouer à un beat'em up qui est pas, euh, tu vois, qui est pas, euh, où ouais, t'as ouais, pas ouais, le feeling bon. de combat, où c'est pas intéressant, où tu fais le tour des attaques de ton perso en, en, en 15 minutes. Et donc, du coup, le jeu m'est tombé des mains et c'est assez dommage. Ah, donc ouais. voilà, je voulais l'évoquer parce que j'ai pas fait de, euh, j'ai pas fait de sur le grill parce que, bah, en fait, je pense que j'y ai beaucoup joué dans un temps ramassé. J'y ai quand même passé, je pense, une quinzaine d'heures. Euh, et, et le, le jeu, j'en ai été dégoûté en fait, donc du coup bah, je l'ai rangé et maintenant il est dans mon étagère. Bon, j'ai quand même fait l'action la, d'y jouer, je l'ai fini quelques fois, même si j'ai pas, eu, euh, pas été jusqu'à la vraie fin. Mm. Mais ouais, voilà, c'est dommage. Euh, j ai, j ai, vraiment, c'est pas du troll que j'ai à l'égard de Paprium. Je suis allé jusqu'au bout de la démarche, je suis passé outre euh, tous les soucis que le jeu a eu en termes de production, en termes de communication, mais euh, je, je trouve vraiment dommage. De proposer euh, sur un beat'em up un gameplay de combat qui est à ce point limité au point de, de foutre en l'air l'expérience. Je ne l'ai pas évoqué, ce sera le dernier point. Le jeu, il est tellement. Tu sens tellement qu'en fait, le gameplay et euh, la gestion, la difficulté, tout ça, ça n'a pas été au cœur du développement, mm -hmm. que en fait, dans le jeu, sur deux routes différentes, à un moment donné, tu as un boss qui te one-shot. Ah ouais. Comme ça, ah tu ouais, vois. Ouais. Donc tu peux prendre La, peux prendre la peine de, de jouer super bien pendant la première partie T'arrives à ce boss Avec euh, des hitbox et un combat qui est vraiment euh, C'est un peu dégueulasse Je vous mettrai des images à l'écran enfin, les, les combats sont vraiment laids en fait Dans la façon dont ils sont faits avec les hitbox et tout Et euh, des fois à des moments poum il te fout un coup avec sa barre de fer et il te bute en un coup. Putain. Et donc tu vas perdre quatre vies sur un boss et tu te dis mais pourquoi ce boss en plein milieu du jeu il te one shot alors que les autres boss ils te one pas mm. et pire encore ce boss là tu peux le rencontrer ailleurs et il te one shot pas. Ah donc ouais. en fait c'est juste qu'à un moment dans le jeu ils se sont dit ouais la difficulté euh, c'est pas trop ça donc ce qu'on va faire c'est que à ce moment-là du jeu ce boss là et eh ben il t'éclate en un coup. Tu vois <laughs> et mm. Et face à tout mmh. ça, ben bah, à un moment, ouais, j'en ai eu marre. J'ai enlevé le jeu de la console, j'ai débranché la Mega Drive, je l'ai rangé. J'ai dit ouais, Paprium, salut quoi. Ouais. Donc voilà, ouais, je, voulais, euh, je voulais, quand même en parler un petit peu parce que ça valait le coup et que c'était une expérience, euh, euh, c'était, c'était euh, ride, comme on dit en anglais. Ouais. Ça a duré pendant 4 ans. C'était une folle histoire, mais euh, ouais, ça s'est terminé un peu en autre boudin pour ma part quoi. Okay. Voilà. Donc ouais, pour un mec comme toi, un fan de, 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 de c'était plus les mecs, c'était plus par amour du pixel que l'amour du game. Bah, c'est ça en fait. Mmh. Voilà, c'est exactement ouais. ça. C'est que c'est un trip de rétro gamer, hein. ouais. c'est tu vas jouer à ta Mega Drive en 2021 sur un nouveau jeu, t'es content et tout, mais... Euh... Une fois que tu as passé voilà tout, tout ça, la prouesse technique, les musiques qui sont chouettes, je le dis à nouveau, ils ont vraiment, ça se voit qu'ils ont exploité la cartouche et que bah, le jeu tourne sur la Mega Drive sans souci. Mais ouais, hein, pour une personne qui kiffe les beat'em up comme moi et qui vraiment joue un hein, beat'em up avant tout pour le gameplay, je sais que je suis un peu euh, rigide à ce niveau-là, hein, je dois bien l'admettre. Bah là du coup, c'est pas passé du tout quoi. Voilà. Mais en fait, il a aussi, euh, comment dire, le fait que Street of Rage 4 soit sorti, ça lui a pas fait que du bien à ce projet-là coup. Exactement mmh. du coup, parce que c'est vrai que même à l'époque fond le présentait, tu sais, quand il montrait des sprites du jeu sur son ordinateur et tout, il y avait la musique de Street of Rage derrière, il disait <laughs> ah, ah, moi je kiffe Street of Rage et Final Fight. Eh, tu sentais vraiment que, voilà, tu sais, quand t'étais en chien de Street of Rage depuis 94 et qu'il y a eu que Street of Rage Remake, tu te disais Ouais, oh, euh, vas-y, je vais me refaire un trip beat'em up sur Mega Drive. Eh, et le quoi. jeu, ouais, il capitalisait, je pense, en partie là-dessus. Mais le truc, c'est qu'il y a Street of Rage 4 qui est arrivé. Et encore mmh. une fois, hein, je veux pas les comparer, mais Street of Rage 4, ce qu'il a fait en termes de gameplay, mmh. ça aurait pu être fait dans Paprium. Hein. La cartouche, il euh, y avait la place mmh. de le faire. C'est mmh. pas, c'est pas sorcier, mmh. c'est juste une question de feeling et de jauge de difficulté. Euh, mmh. Et ça, le jeu, ouais. il y arrive vraiment pas du tout, quoi. Ah ouais, Donc je... oui, en effet, après, je suis parti, euh, je suis retourné sur Street of Rage 4. <rire> <rire> voilà. C'est marrant est dommage, cette le jeu de, est de, super beau. de mmh. numéro de série là, parce que j'avais eu le même problème à l'époque. C'était sur P P PS2, ouais. c'est mmh. sur Grand Turismo 4. Ah ouais, ouais. Exactement, ouais. Ouais. Ouais, exact. avait, et je, je l'avais pas vu en fait, mais j'arrivais pas du tout à faire, euh, à, faire à lire ouais. le, 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 le jeu, et, euh, et du coup, je suis allé chez un pote qui avait beaucoup de PS2 à l'époque, je me souviens. <rire> <rire> Et, euh, et euh, ça marchait très bien sur la sienne, donc il m'avait prêté. Et en fait, après, j'avais regardé sur le, dans, la, dans la notice et t'avais un truc où il disait voilà, le jeu il tourne pas sur tel numéro de série, tel numéro de série, tel numéro de série. Mais c'est une honte Est-ce que c'est est, pas. Lié au... honte. Quand j'y repense, je me dis mais c'est dingue que. Est-ce que c'est -ce est pas lié au ah, je, je, aux double couche en fait. et trucs comme ça Parce que moi, je me souviens que sur Wii quand euh, Nintendo Wii euh, c'était euh, Smash Bros Brawl qui était sorti. <laughs> et euh, dégoûté, ouais. on va avec mon pote au magasin, on l'achète tous les deux, on va chez mon pote, on y joue, on kiffe, on fait putain trop bien ce jeu. Après, je lui dis salut, tu vois, je, je rentre chez moi et je fais ah putain, j'ai trop hâte de continuer, de continuer Smash Bros Brawl. Et là, il, la console ne lisait pas le jeu. J'en ai déjà parlé, je croyais, du coup, j'ai dû l'envoyer au SAV pour changer. C'était une question de lentilles et tout. Et peut-être que c'était une, une version. Euh, ah bon, là, dans ce cas-là, c'était peut-être un bug, mais pour la PS2, c'était peut-être quand ils ont. Est-ce qu'ils ont... Est qu faisaient des DVD double couche pour les jeux PS2 Il y avait l'histoire des. Alors, oui, oui. pour la question des lentilles, Théo, ouais. je sais pas si tu te rappelles, il y avait des DVD qui étaient bleus et d'autres qui étaient blancs ouais, sur la ouais, ouais. PS2. Et oui, déjà, oui, ça, noir, ça foutait non. la merde. Ouais, ouais. Euh, mais là, en tout cas, ouais, Guillaume a l'air de dire que c'était vraiment dans la notice et que c'était marqué que. Enfin, c'était assumé que le jeu était marqué Non, compatible ouais, bah, ouais Alors, aussi, en, en tout, tout cas, ouais, j'ai le souvenir d'avoir les noms de, des, des consoles en disant ouais. celle-ci, tu peux pas faire tourner, quoi. Mais tu vois, pour Paprième, ouais, ça je craint, confirme, mais ouais. voilà, c'est un petit studio. Et puis, euh, mine de rien, avec la prouesse qu'ils ont fait, tu te dis, bon, bah, vas-y, c'est pas grave si vous arrivez pas à faire tous ouais. le jeu sur. Mmh. quelques quelques numéros de séries de consoles, même si ça fait chier. Mais c'est vrai que pour euh, Sony qui sort Gran Turismo, donc c'est un gros jeu. <laughs> qui Sinon, ouais. bah va racheter une PlayStation 2. C'est quand même chouette. C'est cool, ouf, ouf. Et qui se souvient euh, Je m'en souviens à l'époque ouais. euh, Gran Turismo 4, justement. Moi, j'ai les premières PS2 Fat. Je, je pouvais pas y jouer. Ah ouais, j'ai pu ouais, bah... joué quand j'ai eu une PS2 en fait. Mmh, parce ouais. que bah, ma Fat. Euh... Mais je crois que c'est une, une question de lentille et de puissance. Hein, parce que même God of War 2 impossible de le ah faire tourner ouais, sur ma Fat. Ouais, ouais. Par contre, sur ma PS2, il y avait pas de problème. C'est fou ça. C'est ouf. C'était c'était assez spécial mais je me suis jamais penché sur la question c'était les midgen avant l'heure en fait ouais, hein. ça, ouais en <laughs> fait c'est vrai sauf que c'était moi assumé mais tu imagines ouais, c'est pire qu'une midgen parce que là ouais. sur midgen euh, le jeu il marche sur les deux consoles alors que là ouais. tu avais effectivement des, des des jeux qui marchaient pas sur les vieilles versions quoi ah, ah, juste pour le trip nostalgique je me souviens encore de, 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 ouais, de du ouais. de, tu sais de tu lances la console là et tu as le ça marche pas tu vois c'est le rouge là qui se lance et t'es là à chaque fois bon bah, D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ouais, ça marche pas. Mais pour la petite anecdote, c'est ça qui m'a un peu fait euh, détacher en fait de Gran Turismo finalement, parce que bah, j'achète le jeu, je peux je peux pas y jouer. Mmh. Bon, bah, euh, T'as eu un mauvais, euh, ouais, as eu une mauvaise expérience, ouais, du coup. Ben bah, du coup, tu vois, enfin, j'ai commencé à rejouer après à Gran Turismo sur euh, le sport sur euh, PS 4 ouais. mais bon, c'est vrai y que c'était kiffais. Ouais, c'est ça, <laughs> tu vois, alors que mais vraiment je me suis jamais posé la question mais en même temps je regarde des, des, du gameplay de Paprium je pense que ça doit être un truc avec le, la puissance genre il y a des assets qui doivent charger tout ça la PS2 elle, elle était trop vieille et tout enfin je, je sais pas ça doit être un truc comme ça mais dommage en tout cas pour Paprium, parce que franchement le jeu il est beau. Hein. Ouais le ça jeu, le, le, franchement ça s'est joué à rien du tout euh, d'être de, de, un jeu que, que j'aime <laughs> énormément gameplay, quand même. Oui non mais oui, euh, ouais, euh, ouais, après, je, même, dis, genre, je dis rien, rien du, du tout. tout. <laughs> je dis rien du tout parce que pour des gens c'est pas grand chose, tu vois. Moi j'ai vu des gens, euh, j'ai été mater des streams et tout, ils ont kiffé leur race sur Paprium parce ah, que... C'est des papis, euh... enfin non pas les papi, les, les tontons gamers. Mais non, vois, non qui mais font du rétro gaming. C'est juste des gens en fait qui sont moins et je le comprends totalement et je le tolère et c'est pour ça que j'ai pas envie de défoncer le jeu et que j'ai quand même mis en en Exergue ses bons côtés, ouais. c'est que euh, bah, c'est des gens qui s'en foutent un peu du gameplay, tu vois. Genre, ils jouaient à des ouais. bits up ouais. dans les années 90, euh, eux, ouais, tout ce qu'ils voulaient, c'était ouais, mmh. taper des, 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 des pnj en boucle et puis mmh. basta quoi. Donc là, ils s'y ouais. retrouvent et tant mieux pour mmh. eux, tu vois. Mais c'est juste bah. que, ouais, pour moi qui suis, vous le savez, assez rigide sur le gameplay, enfin, ouais. c'était un, c'était un bouffable quoi. Ah, ils sont euh... plus nombreux que toi, ouais, je pense ouais. que oui. Sur ce... <rire> <rire> non, ouais, mais euh, tiens, juste pour rebondir, c'est. Par rapport à ça, c'est que du coup, je disais, oui, que, que j'ai une, une Mega Drive mini maintenant. Et du coup, avec un autre pote, Edgar, on s'est fait tous les. Et, ah oui, tu peux rajouter tes propres jeux euh, relativement facilement. Donc, on s'est fait un peu tous les beat'em Up de la Mega Drive euh, et on a essayé de tous les finir. Quoi. En gros, il y en a certains qu'on avait oui. déjà fini quand on était petit et d'autres non, tu vois. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit. Euh, on on kiffe vraiment tu vois d'ailleurs euh, ouais bon ça je pense que dans le lore Merygésus c'est connu puisque déjà c'était dans le livre euh, enfin Ken t'en parlait dans ton livre et tout mais c'est vrai que avec euh, avec Edgar on a essayé de jouer à Street of Rage 3 et on disait donc la version US ou euro et on se disait putain oui. c'est chelou ce jeu et tout et Ken il m'a dit non non joue à Bernacle Street et là on a on s'est <laughs> éclaté alors je sais pas si à quel point tu vois on va pas rentrer dans les détails mais franchement euh, on s'est vraiment éclaté et c'est vrai que tout ça pour dire que quand tu quand tu t'es enchaîné tous les Street of Rage et que tu t'es... Euh, les Golden Axe, on a aussi bien kiffé. C'est complètement différent de, de... Oui. Alors Golden Axe, Golden Axe 3, je, dans ma tête, il était génial parce que j'y avais joué un peu comme ça euh, en émulation euh, pour le coup. Oui. En fait, euh, non, c'est... le En fait, ce, à la limite, ce qu'on a kiffé dans les vieux Golden Axe, c'était justement cette sorte de rigidité. Le 3, il, bon, c'est plus très frais dans ma tête, je m'en souviens plus. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au bout d'un moment... De au bout d'un moment, on commence à, à gratter le fond du, du panier. Je sais pas si ça se dit. Oui, oui, tu oui. Là, non, genre, mais oui je à essayer de trouver d'autres ouais. trucs. Et sur la fin, je disais putain, mais y a, y a, en fait, c'est dur de faire un bon beat'em up. Quoi, tous les jeux ne sont pas un up, ouais. euh, Street of ouais, Rage ouais. 2 uh, Street, uh, même Burnicles ou et, et là, le dernier que j'ai joué, c'était euh, en émulation de arcade, qui s'appelle euh, Fate of the Warrior ou quelque chose. Oui. Oh. Et tu vois sais, dans ma tête je me disais non c'est des samouraïs c'est le Japon ça va être bien mec je me suis fait chier <laughs> sur un jeu de <laughs> et tu te dis putain mais euh, ouais en fait c'est une science hein c'est pas euh... t'avais mais... t'avais essayé euh, Legend moi sur euh, Super Nintendo ouais ouais non non ça me dit rien ah bah il était il est vraiment bien essayé Legend sur euh, sur mais sur le Super Nintendo. basé sur le film euh, de Ridley Scott ou pas du tout je sais pas du tout bonne question <laughs> non mais je sais pas Okay, non, légère. mais t'as raison, ouais, Théo, c'est pas facile. C'est un, un genre qui est assez complexe et il y en a plein qui s'y sont cassés ouais, les dents. Voilà. Et, euh, mais justement, quand on enchaîne beaucoup, tu vois que. Ouais, tu bah, vois là Tu la vois différence, ceux qui sortent ça. du lot. Exact, ouais, voilà, ouais c'est ça. Si que jamais il y en a faire. un que tu veux faire et que je veux te conseiller, et je crois que je t'en avais déjà parlé, c'est Alien versus Predator en arcade. Ah, ok, nice. Euh, qui, ouais, il a jamais été réédité nulle part à cause, je pense, d'histoire de droit. Et euh, lui c'est une référence en termes de beat'em up, il est sorti du coup euh, milieu des années 90, mais il est encore en 2D. Et en gros, tu, okay. pour vulgariser, tu prends les graphismes de, de la CPS2, donc Street Fighter Alpha, tout ça. Ouais, ouais. Et euh, tu fous ça dans un beat'em up, et franchement il est, wow. euh, il est top. Ok, donc je voilà, note. Si tu l'occasion en, en arcade de le faire ça. Ah, vaut ah ouais, le carrément, coup. carrément. Je vais checker ça. On va, nice. passe mmh. on va passer à Guillaume Oui, alors Guillaume, ça m'intéresse beaucoup. Parce que oh, du coup, c'est un peu un follow-up de la dernière fois. Les et je pense donc... que les, les, les auditeurs, ça va les faire chier. mais. <laughs> non, mais non, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents. Et, et c'est ce que je trouve cool aussi dans nos podcasts c'est qu'il y a une continuité. Et des fois, il y en a un qui conseille un jeu à l'autre, et puis il le fait, et puis il en parle. Et là, on parlait en fait de ton cas en plus la dernière fois, parce qu'on va. Tu sais, de Sekiro dont tu vas parler. Oui. Ah. Et, euh, oh. et du coup, la dernière fois, on parlait justement de. De, de Guillaume et de sa façon dont il appréhendait les Souls. Et quand Guillaume a commencé à me dire j'ai commencé Sekiro et qu'après il me posait des questions et que je voyais qu'il avançait, je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe? <laughs> qu Donc vraiment, passe là, j'ai je je quelque <laughs> euh, qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe? Incroyable! Non, mais alors, en plus, c'est un jeu que j'ai souvent voulu être commencer. Je oui. crois que même à un moment, je t'avais parlé de piquer la galette. <laughs> ouais. Et on s'est parlé entre temps, fait, ouais. Et en fait, avec euh, mon, pote, euh, mon pote Jacinthe, euh, on, on, on parlait d'essayer de trouver une bonne offre, tu sais, genre, on, on scrutait les offres, etc. Oui. Puis un jour, en fait, j'en ai eu marre, j'ai juste payé, pris le truc, j'ai dit « Vas-y, c'est pas grave, <laughs> 30 balles, écoute. <laughs> » <laughs> et, euh, et en fait, euh, je lui avais offert, je lui ai offert le jeu. Et, et un jour, il est venu chez moi, il l'a jamais lancé, il est venu chez moi et on a commencé à y jouer. Oui. Et, euh, et en fait, une fois qu'il est parti, je lui ai dit Ouais, tu m'en veux si je continue ou pas <rire> 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 Pas mal Avec plaisir, ça Et, euh, et euh, non, non, mais c'était. Euh, je pense que, en fait, tout ce qui m'a rebuté dans Dark Souls Remaster. Parce oui, que tu étais là, tu étais présent. Ken. Oui, tout à fait. <laughs> tout ce qui m'a, tout ce qui m'a rebuté en fait, était plus du tout là sur sur ces mmh. sur Quoi, c'est ça, ça fait grave plaisir à jouer. C'est hyper, euh... bon, hyper frustrant aussi. Il hein. faut pas, faut pas exagérer. Oui. Mais euh... moment... mais, euh... Mais, euh... mais non non, j'aime beaucoup. c'est très euh... Bah, au début, j'étais je, vraiment. Je, de toute façon, je t'en parlais au fur et à mesure. J'avais oui. vraiment l'impression d'être un escroc, de réussir à chaque fois sur un coup de chance ou sur juste euh, en, en, <laughs> en, en. Tu vois, genre, je sais pas, en trouvant une espèce de de technique à côté. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'est juste le jeu qui te fait ressentir ça, cette espèce. Exactement, de... ouais. As, le en fait, t'as un de syndrome de l'imposteur en permanence. C'est C'est Toujours à bricoler, moi. Non, <laughs> <quoi. rire> ouais, <laughs> Plus le jeu avance et plus ça fonctionne comme ça. Et, et mm. je, je, je lis le bouquin de mon collègue Ludovic qui a écrit un bouquin sur Sekiro. Et il le dit d'ailleurs dès le début c'est qu'en fait, bah, tu joues un shinobi. Euh, la base d'un shinobi, c'est pas la confrontation de face, c'est d'utiliser mm. des outils et tout, tu vois, pour ouais. essayer de se sortir de situation. Ah ouais, ouais c'est En fait, vu. quand tu piches que le jeu il fonctionne comme ça, bah, c'est plus facile, en fait. Mm. Ah ouais, c'est bien vu, ça. Ouais. Mais euh... non, mais c'est. Alors. C est... C est... Ça m'avait fait pareil sur Nio à l'époque ouais euh, ah oui il ouais. y, a, y a quand même c'est quand même éprouvant à jouer comme jeu émotionnellement oui. c'est très éprouvant parce que parce que tu es tout le temps sur le sur le, mmh. le qui ouais, Nioh. Euh, et, mmh. mais j'aime beaucoup ce côté où tu vas euh, apprendre à comment c'est que tu arrives dans une nouvelle zone Ouais. Tu as vraiment cette peur en permanence et puis en fait tu vas l'apprivoiser petit à petit et en fait à la fin ça va être vraiment euh, ça va être ton, ton quartier quoi en fait. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Oui, c'est ça, ça Et, ouais. et, et ça c'est hyper plaisant en fait de, de, re, de, de revenir dans un, un endroit où, où vraiment tu flippais parce que tu savais pas où était le, ouais, prochain, euh, euh, le prochain truc. Euh, tu tombais sur des à chaque fois tu tombes sur des nouveaux mobs euh, ouais. et, 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 et en fait c'est qui fait un peu le sel du jeu, je trouve, c'est vraiment ce truc de, à chaque fois, tu t as, t as cette appréhension, et puis au fur et à mesure, tu arrives à combattre un peu cette appréhension, et, euh, et, euh, et vraiment à, à, à prendre le contrôle de la zone. Ouais. Et après, voilà, tu t'imites parfois, tu as des zones où tu galérais comme un ouf, puis ça devient une zone où tu vas pour... pour, ouais. euh, pour farmer, comment, euh, pour ouais, farmer euh, des trucs, euh, quoi, ouais. Et, euh, bien sûr, bien sûr, ouais. Et, et ouais, non, c est, c est, après, après c'est... Euh, je sais pas, il y, y, y a quand même des moments assez frustrants, mais en fait c'est de la frustration sur soi-même en fait. <laughs> les, les fois où je m'énerve, c'est vraiment parce que j'étais pas concentré ou ouais. euh, je panique. Ouais. Tu vois là, là, ouais. là, là euh, la panique euh, c'est un classique. Je suis ouais. contre l'espèce le, de mec, espèce de samouraï de la foudre là. Et, ouais. euh, et, et, euh, et genre la dernière, sa dernière forme, je sais que c'est ah oui. tout ouais. facile. Mais je suis oui. tellement paniqué ouais. et tu vois genre ça m'arrive d'arriver face à lui euh, j'ai encore euh, un, 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 un comment une, une vie ouais. une résurrection euh, plusieurs mm. plusieurs popos etc ouais. mais je suis paniqué en fait et, je, et, je, oui. et du coup c'est vrai trucs que c'était spécial maîtrise, ça bah, détruit le, le premier je gap... maîtrise complètement mm. j'arrive plus mm. du tout à les sortir tu vois Ouais ouais. Non mais c'est normal, ça fait partie du jeu en fait cette notion de sang-froid. C'est un truc que tu retrouvais déjà dans les autres jeux, les autres jeux de From Software, mais c'est vrai que là c'est amplifié parce qu'en fait le le gameplay du jeu tourne beaucoup autour du contre où tu ouais, dois bloquer ouais. pile poil au bon moment pour du coup baisser la posture. <laughs> et si tu perds ton sang-froid, tu te fais éclater, tu vois. Yep. Et euh... Ah, il te, il te, il te, ça pardonne pas. Ouais ouais. ouais. Et puis comme c'est des combats qui sont bah, dans le cas de ton combat là contre Genichiro c'est un combat qui mmh. est assez long et éprouvant. Et donc du coup, même si tu commences à gérer la phase 1 et la phase 2, c'est quand voilà. même un certain temps au début. Exactement. Et donc arrivé à la phase 3, en fait, t'es es ouais. épuisé mentalement, tu vois. Et ouais, donc, c est, c est ça. je comprends que t'es ce ouais. problème avec cette troisième vie. C'est un truc mmh. que tu retrouves plus tard dans le jeu. Euh, ouais. C'est assez fréquent où en fait les combats sont éprouvants. Et du coup, c'est d'autant plus frustrant quand tu meurs parce que tu te dis, putain, j'ai lâché ma garde, mais en fait, t'es un être humain, tu vois. Ouais, <laughs> non, normal. mais c'est ça. Tu ouais. sais, genre vraiment, tu tombes sur la pause et, 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 et je suis là, genre, ok. Ok, tu vois genre vraiment limite ouais, je, ouais. je rentre en méditation et je suis là genre il faut que je le fasse et, et, et au final il y a peu de jeux qui arrivent à te à, à te à t'attraper comme ça et te, te forcer à, à, à te concentrer sur, sur 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 ce que tu fais vraiment tu vois ouais. ouais mais euh, ouais. Non, non, tiens, par pure curiosité vraiment une petite question mais quand vous jouez à, à, à tous ces jeux de From Software etc euh, est-ce que vous mettez genre moi par exemple je sais que je mets des podcasts et j'écoute des émissions des trucs parce que sinon le fait de refaire et refaire le boss par exemple ça va me, vraiment me me Comment on dit déjà me, me fatiguer quoi enfin à me... ouais. ah, moi j'ai besoin de rester, rester focus ah ouais euh, là, je crois, rien franchement parle moi, en focus. général je mets sur pause au moment où je tombe sur le où je dois me concentrer ouais. euh, ouais, j'enlève je, okay. je, je, tout ce qu'il y a autour en, en général je joue avec une série à côté ah, mais oui, dès lors ouais. que je, je dois me concentrer, je j'éteins tout. ouais, quand tu te concentres, ouais. <laughs> mais en général, euh, non, mais même moi, euh, je pense que je deviendrais fou sinon, tu sais, de refaire, euh, de réessayer, réessayer, et Vraiment, c'est la seule façon que j'arrive vraiment à mm. finir ces jeux. C'est toujours euh, en écoutant d'autres trucs, quoi, vraiment. Mais c'est marrant parce que mm. vous l'avez déjà sûrement tous déjà eu cette situation où en fait le combat, tu l'as tellement refait qu'à un moment tu rentres dans un espèce d'automatisme. Ouais, ouais. Et en fait, t'arrives à t'en sortir mieux. Quand ton cerveau divague sur autre chose, tu vois. Voilà. Mais ben, ben, non, ouais, euh... c'est ça. Il y a de ça mmh. aussi. Ouais, ouais, il y a de ça aussi. C'est que tu mets pas mmh. tous tes œufs dans le même panier. T'es un peu, euh, es un peu chill. Tu, tu, laisses parler un peu les réflexes. Et au final, des fois, ça ouais, marche là, bien ouais. Aussi, ouais. Pas et ah, bah, te te aussi. Pas, tu paniques Tu n'as pas Pas quoi. T'as pas ce, ce... Enfin, c'est. Mais là, 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 en tout cas sur le, sur le, le, le samouraï, là, c'est hyper dur. Parce que vraiment, alors que je sens que c'est bidon que C'est ouais. vraiment le truc qui est là à la fin pour te, tu vois, genre pour te, pour te, comment dire, euh, je sais pas, juste pour voir si tu es toujours pour te là. Déstabiliser. Oui, tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Mais, mais après, c'est le premier gap de, de difficulté, hein, c'est fait exprès, hein, t'inquiète. Mais euh, une fois que tu as passé ça, que tu as compris en fait, bah, comment contrer son, euh, son éclair, euh, tu passes, tout non, ça, mais ça, après, ça je plus, hein. en fait, vraiment, c'est mm. pour ça que c'est d'autant plus frustrant, c'est que j'ai compris tout. T'as compris tous les, les plus. J'ai compris <laughs> tous les patterns du truc en fait. Je sais comment, re -re que, comment, euh, comment le, le contrer et, euh, ouais. et en général quand est-ce que je peux lui faire du dégât à sa garde. Ouais. Mm. Mais c'est juste que je suis paralysé en fait par, par, mm. par la Tu ah, ça peur, joue énormément. En fait, tu vois ça et ouais. et, et, et c'est hyper frustrant en fait. La première rencontre avec un boss, euh, ouais. moi qui ai fait le jeu pas mal de fois, qui l'ai recommencé à zéro, mm. j'en avais parlé dans le dernier podcast. Ouais. Enfin, ne serait-ce ouais, que la dame incroyable. papillon, la première ah, fois, ouais. elle m'a fait flipper de ouf. Alors que ouais, quand après, je l'ai de... revue, bah, j'avais plus cette peur. Et une fois que tu as plus cette peur, tu te rends compte ouais. que... Mais c'est là où le jeu, il est vraiment intelligent. Mais moi, du coup, je me pose une question, Guillaume. C'est parce que, enfin, généralement, tu es, es quand même assez peu patient. <rire> <rire> ah <bon> <laughs> et, et du coup, comment ça se fait que tu tiens aussi bien sur Sekiro Parce que je me rappelle que par exemple l'ogre euh, que t'as euh, devant la porte là, qui casse les couilles à tout le monde, euh, qui fait des euh, ah oui. impossible kicks, qui ouais. soulève et tout ça, euh, lui, t'as as, as passé un bon moment dessus, tu vois. Je crois que en fait, pendant que... je pense, j'ai recommencé bien 80 fois peut-être. Mais ouais, <laughs> tu vois, que... ah ouais. tu m'en as parlé pendant je crois plusieurs jours, et moi j'étais là, je me disais mais comment ça se fait qu'il n'a pas encore laissé tomber hey, mais que as bah, c' en ouf. fait je, mais je pense que réellement et c'est ce que, ce que je disais c'est vraiment il y a ce truc de quand tu c'est 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 pas de la faute du jeu en fait oui oui, oui. Et, et, vrai. et en fait, t'as limite une, un, un truc en toi qui, qui te pousse à te prouver non, non, mais je peux le faire. Attends, il ouais. <laughs> y a plein de gens qui l'ont fait, pourquoi moi je peux pas le faire Tu vois C'est ouais, ouais. sais ton espèce de vieux ego de gamer de merde. T'es là, ouais. genre, mais non, mais attends, je suis un bon joueur normalement. <laughs> J'ai du skill. <laughs> J'avoue. <laughs> Donc là, du coup, ouais bah, tu comptes le finir quand même Ouais, bah, j'ai de moins en moins de temps pour jouer, mais, euh, oui. mais euh, et, et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai un peu cette appréhension de relancer, de ouais, <laughs> devoir euh, me retaper euh, le, 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 le samouraï, mais ouais, je, bah, je, en tout cas je compte y rejouer, le finir je sais pas, mais au moins y rejouer. Oui. Ouais. Okay, euh, et en plus, visuellement, je pense que pour le coup c'est un des plus beaux euh, en termes d'univers et tout, ça a vraiment de la gueule, quoi, et ça te mmh. plaît, ça aussi peut-être, ça te, ça te fait... Motive aussi à avancer, peut-être, non Ouais, ouais, en fait, j'aime bien vraiment les, 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 les... la dispersion en zone, comme ça, ce côté où tu vas et puis tu, tu vois ouais. ce qui se passe, sur qui tu tombes, euh, sur. C <laughs> enfin, c'est jamais sur quoi, c'est toujours sur qui, <laughs> ouais. mais, euh... mais j'aime bien, ouais, non, j'aime bien ce truc où, euh... où vraiment la zone, elle est... elle est ouverte, et en fait, parfois, t'as l'impression d'être pas au bon moment, au bon endroit, au bon moment, en fait. Oui. Et, mmh. et tu te dis bah, c'est pas grave j'y retourne oui exact exact tu vois la dame papillon je l'ai fait super tard parce qu'au début je j'étais allé ah, oui. assez loin puis après je ah, bon bah, je vais attendre et puis au bout d'un moment je fais ah bah tiens je vais peut-être faire euh, la dame papillon pendant que ouais suis... ouais le, le jeu s'ouvre de plus en plus au fur et à bas jusqu'à ce que tu arrives au château où là es, c'est vraiment ouvert et tu peux limite mmh. commencer ouais. par où tu veux quoi et ah, c'est vrai que cette bien, impression de ouais. liberté elle est cool ouais mais tu le retrouves un peu du coup euh, dans Dark Souls quand euh, t'as passé euh, à Norlondo ça parlera à Pazou et à Théo je pense le, le 1 justement, tu dire... as justement t'as aussi ouais Dark Souls 1 où t'as aussi cette ouverture comme ça mais c'est vrai que ça arrive mm -hmm. plus tard on va dire que Dark ouais, Souls mais... 1 pendant un bon moment c'est bien euh, tu vois c'est dans des rails quoi ouais mais euh, voilà. le problème de Dark Souls honnêtement pour le coup c'est que le gameplay me, vraiment m'intéresse tellement pas enfin le ouais, mais peu je que j'ai joué je trouvais ça mais 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 tellement mou du du gland j'étais mmh. tu là genre ouais en fait mmh. j'en vois pas l'intérêt enfin vraiment <laughs> j'ai là là il y a vraiment un truc un peu un peu euh, viscéral qui te, oui. qui te pousse à continuer parce que c'est quand même vachement euh, vachement kiffant de 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 de, de, mmh. de, de, ouais. de 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 comment de contrer des attaques ou de réussir à, à niquer des boss assez facilement sur sur un peu de trucs en fait tu vois ouais. je trouve ça je trouve ça tellement satisfaisant que ça devient un ah, peu comme vrai. une drogue. Ouais. Ah, bah, oui. c'est bah, toute hein. l'endorphine que ça dégage mmh. quand tu, ouais, bah tu, tu oui. le boss ah, Mais, sûr, mais ouais, la, la ap, sinon, après, tu vois, genre, je trouve que il y... y a certains trucs qu'ils auraient pu mieux faire. Tu vois, genre le grappin. Bon, le fait que c'est vraiment quand eux ils veulent. Euh, tu vois, mmh. genre y a des, y a... En fait, je trouve que ce côté monde ouvert mal assumé parce que y a certains endroits où en fait tu peux pas vraiment y aller parce que euh, tu peux pas t'accrocher ou enfin tu sais genre on se croyait vraiment dans les vieux jeux avec des murs ouais. invisibles ou des trucs où en fait t'es pas censé aller par là donc on veut pas vraiment que tu t'ailles par là je trouve ça j'ai trouvé ça un peu relou par contre ouais. après ça permet de, de, de garder un level design maîtrisé oui. Aussi ouais, oui non avantage. après ouais, ouais, ouais. Pas, en soi c'est pas c'est pas ce qui m'empêche de, de, bien sûr, bien sûr, de, de ouais. prendre du plaisir mais faut quand même, faut quand même euh, se remémorer à quel point enfin euh, moi je trouve artistiquement c'est quelque chose quoi c'est vraiment il euh, y a vraiment du talent là euh, de sublimer un Japon féodal comme ça je sais plus j'ai des images en tête là qui passent c'est vraiment un truc de ouf c'est vraiment un truc ouais, c'était un chouette jeu ah, c'est trop clair, bien ouais. et puis vraiment le, une fois de plus la le fait de jouer sur Series X, c'est. Ah oui, ah hyper ouais en plus agréable, ouais. tu vois. Là, c'est. oui. C'est la version. Parce que le jeu, il a 60 FPS, du coup. Ouais, ouais, mais vraiment. Et puis, tu as tous les petits trucs. Tu as le Quick Resume, tu as euh, les ouais. temps de ah le chargement oui. inexistants. Donc, tu vois, tu n'as même plus la. Enfin, quand tu meurs, tu... en général. As, ouais, ça, tu... prend tu... Tu... ça prend deux secondes. Ouais. Ça prend deux secondes. Donc, ça, c'est hyper agréable, mine de rien. Classe. Et euh, d'ailleurs, euh, Quick Resume est désactivé sur E-Text euh, e 2. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Mmh. Ok, c'est chelou. Ouais, c'est mmh. bizarre. Ouais. Mais ouais, du coup, ouais, le fait que tu puisses jouer au jeu en 60 fps, euh, c'est. Euh... Et même résolution, il, il, il ramait euh... beaucoup hein, sur. Euh... Moi, je l'avais commencé sur One S, et c'est vrai que euh, les temps de chargement étaient longs, il ramait pas mal. Ça faisait partie de ces mmh. jeux où tu sentais qu'il bah, était temps de passer à la, ouais. à la deuxième partie de la gêne. Tu vois ce que mmh. je veux dire Mark Bloodborne Donc, aussi était un peu capé à 30 FPS. Ah oui, alors, oui, ouais, tu vois. Il ouais, est euh... à 30 FPS, hein, <laughs> pas possible d'aller plus loin, que ce soit sur Pro ou Mais ouais, même, ouais, euh, j'avais vu hein. un peu. Euh, déjà, il y avait une version, euh, comment ça s'appelait déjà euh, Xbox... Oula, je vais avoir du mal à m'en rappeler de ça. Xbox One X, c'est ça il y avait ouais. une version PS4 Pro, Xbox One S, X De Sekiro, oui, tout à fait, ouais. Et Avec mm. des meilleures textures même, je crois, hein, carrément. Bah, hein. Le, le ah ouais jeu pouvait tourner je en 4K pas. je crois, et euh, t'avais un framerate qui était légèrement supérieur, mais déjà à cette époque il tournait pas en 60 fps. D'accord. Mais je crois même les textures étaient. Oh, J'ai un souvenir, je me... peux me tromper, je peux me tromper. Donc mm. voilà. Bon écoutez, oui. on va marquer un... un rapide interlude et on va passer. Euh, euh... Je, je voulais juste dire un dernier truc. Vas-y, c'est euh, Sekiro, elle... Guillaume. C'est vrai, c'est vraiment. Non, juste un, euh, je trouve un truc que... En tout cas, voilà, juste ça me. Comment dire Ça me rassure parce que j'attends. Je... Quand même, j'étais vachement curieux de Elder Ring et le fait de prendre du plaisir mm. sur Sekiro, euh, ça me. Tu sais, je me dis, ah bah c'est cool, ça veut dire que tu vois, je vais pas. Si vraiment Elder, Elder Ring me, me hype. Ah ouais. Je sais que je, je serais pas bloqué à me dire Ah, vas-y, c'est chiant, c'est un From Software. C'était Elden Ring, le nom Elden, c'est ça, Elden. Mmh. Ah, c'est Elden. Ah, okay. Elden. C'est avec euh, euh, Gre Martin, c'est ça Greu ouais, Martin. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. <rire> <rire> ouais, à voir si après le jeu s'inspire plus de la, la formule Sekiro ou plus de la formule Dark Souls aussi, c'est un risque. Ouais, mais après, je pense c'est. Enfin, je sais pas, moi, je me dis, en, en, même en de ça ferait bizarre en fait de passer de, de, de je trouve de Sekiro à enfin tu vois, pour moi c'est vraiment un, un cap quoi tu vois genre d'arriver oui, oui. à, à garder la, ouais. la, la, la le côté Dynamisme. hyper demandeur d'un gameplay de, ah oui. de Souls oui. Mais l'avoir la sur quelque chose de beaucoup plus euh, rapide et, ouais. et, et, et agréable, ouais, ouais. je ne sais ouais, pas, ouais, je ouais. trouverais ça con de repartir sur un truc… Euh, après, après est-ce que c'est une un évolution peu, de la formule ou est-ce que c'est une philosophie différente Tu vois, c'est ça le truc. J'ai pas ah, joué au souche, donc je ne peux pas ouais. dire. Mais... Alors, la, la seule chose euh, qui, pour moi, euh, je suis assez d'accord. Hein, de toute façon, euh, le, la maniabilité d'un Sekiro, c'est sûr que ça va créer, à mon avis, euh, quelque chose de… Ils vont pas retourner à quelque chose de super lourd, mais je suis assez d'accord avec toi, euh, avec toi Ken, que effectivement c'était aussi une autre philosophie, n'est-ce pas Mais mmh. par contre, un truc qui pourrait y avoir dans Elden Ring, euh, c'est le retour de des que certains euh, n'aiment pas, mais ce serait le retour du disons des points d'expérience, des, des capacités, des compétences, oui, et tout, oui, quoi. oui, que tout ça Donc à avoir. Ou alors, ou alors il y aura des chevaux en plus. Ouais, ah, ça, ça serait cool. Mais ça... t'imagines che... comment tu tu gères un, un cheval dans un dans un Dark Souls, dans un Sekiro quoi, genre en tant que mécanique de gameplay, genre ça peut être hyper oui. intéressant. Genre ça euh... après ça a l'air ouais. d'être vachement plus ouvert Elden Ring quand même de ce ah, qu'on okay. a vu. Ouais ouais, ouais j'ai même pas regardé des des euh, les, les, les espèces de lieux ouais, dégueulasses. <laughs> C'est vrai que tu sais, hey, on a vous toujours pas les a regardé. Non, on a toujours pas eu ouais. Oui euh, caca. Hein. J'ai loupé ouais, ça. Je ai non je pas, ai pas, ai pas regardé. J'ai même pas. J'ai complètement. Ouais, loupé. Bah, ça euh, m'intéresse pas. Mettre... Euh... Franchement ça m'intéresse pas parce que ça va m'enlever une partie du ouais, ouais, plaisir. De plaisir en fait. ouais, ouais, Clairement. Euh... Ok. Ouais. okay. Ouais. Bon petite interlude musical et puis on se retrouve juste après pour euh, une petite discussion autour du jeu vidéo. Nous sommes de retour pour euh, une petite discussion autour du jeu vidéo alors il faut savoir un truc c'est que très souvent on a des idées de sujet mais on sait pas du tout où on va aller avec genre il n'y a ouais. pas de conclusion à l'idée du sujet c'est comme ça tout le temps en fait voilà mmh. donc euh, aujourd'hui euh, l'idée de sujet alors elle est venue euh, elle m'est venue d'un truc très particulier et personnel en fait, c'est le, 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 le rapport qu'a eu, enfin euh, comment Internet est, est tombé sur Balan mm. Wonderworld. Euh, donc là, j'en ai pas parlé de Balan Wonderworld, je pense que j'en parlerai pas, j'ai plus envie d'en parler en fait de Balan Wonderworld. Sachez que j'ai kiffé, voilà, c'est tout ce que je tiens ah à ouais, vous dire. J'ai okay. kiffé le jeu, j'ai vraiment passé un, un, un délicieux moment dessus, je continue à y jouer. Euh, D'autres gens ont kiffé, je citerai par exemple Shambhala avec qui j'en parle beaucoup. Mais bon voilà, après j'ai... J'ai plus envie de défendre le jeu, de vanter ses qualités ou de revenir sur ses défauts parce que le, le jeu est déjà jugé en fait en l'état et donc du coup je, je perdrais juste du temps. Donc du coup, mais voilà, c'est vraiment ce qui a eu l'émulation négative qui a eu autour de ce jeu qui m'a qui m'a fait penser en fait à, à, à cette histoire d'opinion publique et euh, du coup à comment aurait pu euh, vivre certains jeux à l'époque d'internet et comment certains jeux s'en sont sortis grâce à internet ou au contraire ont été défoncés ouais. avec internet vous voyez c'est en fait le rapport de l'opinion publique qui est aujourd'hui ouais. du coup beaucoup plus accessible qui du coup condamne ou euh, place sur un piédestal euh, certains jeux et donc du ça coup voilà, culture euh, directement c'est un peu dans ça dans ouais, tu, ouais, tu cancelles un jeu tu veux pas entendre parler et en fait il y a un effet de masse un effet d'émulation qui est mm. somme toute assez classique où donc du coup tu vas grossir tu vois euh, euh, un jeu qui est passable tout au plus, ça va devenir une grosse merde parce que tout le monde s'affole. Ouais. On a eu le cas de Cyberpunk hein, très euh, très récemment où nous-mêmes. Euh, bon après mm. là dans l'équipe en tout cas au moment où on a parlé de Cyberpunk, des gens y avaient joué, des gens y avaient pas joué et les gens qui y avaient joué ont parlé du jeu et les gens qui y avaient pas joué ont parlé de ce qui gravitait autour. Donc du mm. coup euh, voilà c'était surtout un, un, un commentaire de la situation. Mais voilà je voulais parler avec vous de, 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 de jeux. Euh, du coup qui ont été amenés à, à avoir une seconde vie grâce à Internet ou des jeux qui ont été euh, condamnés trop vite mais en fait c'est surtout l'inverse qui arrive c'est que c'est des jeux qui ont tendance à à la base euh, on n'entend en pas parler. Et ensuite, ça devient des jeux qui ont quand même plus d'aura. En discutant avec vous aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des évolutions d'avis sur les jeux. Ça veut dire des ouais. jeux qu'on pensait très appréciés, qui, avec l'arrivée d'Internet, on a découvert que, bah, en fait, c'est des jeux qui avaient euh, mauvaise presse. Et du coup, mmh. bah, c'est un, un, un jeu que Guillaume avait pensé à évoquer. Et je pense que du coup, c'est un, un bon point d'entrée pour mmh. rentrer dans le sujet plutôt que de tourner autour du pot. C'est le cas Mario Sunshine. Mario Sunshine, ouais. c'est un cas intéressant parce que. Euh, euh, moi, euh, bah comme vous, euh, je, je sais pas, j'y ai joué quand j'étais gamin en fait. J'y ai joué en 2003 à une époque où il n'y avait pas Internet et c'est vrai qu'à l'époque en fait, ton appréciation, tu rien n'entrait en, en compte dans ton jugement que ta propre expérience. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et euh, toi, tu y as rejoué là du coup à euh, Mario Sunshine, Guillaume ouais ouais, 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 ouais. Et tu y avais déjà joué à l'époque Ouais, ouais, ouais. ouais C'était un de mes premiers jeux avec GameCube. C'était ouais. définitivement mon premier jeu avec une carte mémoire. Oui, et c'était mon premier jeu GameCube. Et bon, là, après, on reste sur ton expérience personnelle, mais comment tu as vécu le changement entre ton expérience de l'époque et ton expérience de maintenant En fait, j'avais pas mal d'a priori avant de lancer le jeu parce que justement, je sais que c'est vraiment. Alors, pareil, comme tu dis avec internet, Ken, t'es bloqué, on te voit plus bouger par contre. Ah ouais Merde. Ouais, on te voit plus bouger. Je avec la caméra de toute façon. Mais c'est la cam. Euh, du, ouais, non. Euh, avec Internet, en fait, j'ai découvert que c'était vraiment pas le Mario le plus apprécié. Alors que moi, c'est le premier Mario que j'ai fait tout seul. Ouais, euh, ouais. Que j'ai acheté moi-même, que j'ai joué sur une console qui était à moi, euh, mm -hmm. tout seul. Ouais. Et, euh, et donc, j'en avais un super bon souvenir. En plus, bah, <laughs> il était aussi. Je crois que c'est vraiment une, euh, un des premiers jeux que j'ai associé avec une période de ma vie en fait où vraiment ouais. il ah ouais. était lié à, mmh. à quelque chose dans ma vie et, euh, et euh, je me souviens tes premiers émois Ouais, voilà, ouais, tu vois, genre un, un, pendant une canicule. Donc, tu vois, en plus, ah ouais. il tombait ouais, bien, bah, tu ouais. vois. Genre on, pendant on en avait parlé pendant les jeux de l'été, je crois. Je crois, ouais, bah oui, oui, oui on en avait parlé. Mmh. Et, et, ah bah, là, et en sûr. fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment donc pas du tout le Mario le plus apprécié euh, et beaucoup, beaucoup critiqué. Donc, j'ai eu un petit a priori en me disant, attends, mais est-ce que, est que, est que, en fait, il était, il était bien juste parce que euh, bah, tout ce qui était autour était bien ou est-ce qu'il est vraiment bien, tu vois mmh. Et ouais. euh, en fait, non, moi, j'ai adoré. J'ai adoré jouer à ce jeu. Je trouve ouais. que l'ambiance marche toujours aussi bien. Euh, euh, bien. Le gameplay, bah, comme tout Mario, en fait, il vieillit. Quoi. Enfin, tu vois, ouais. Avant, j'ai joué à Mario 64. Bah ouais, ça vieillit. Mais ouais. aussi, on est dans un média qui évolue. Euh, euh, bah. Quand tu joues à Resident Evil 4 aujourd'hui, la vieille euh, bah, à l'époque, les, les, le les Mario, c'est pas ce qui a le plus vieilli. Les Mario, c'est pas ce qui a le plus vieilli non plus. Mmh. Euh, Sunshine, je pense qu'il est encore bien plaisant à jouer. Et, et 64, c'est la caméra qui peut être un problème. Mmh, mmh. Mais bon, là, pareil, pareil ouais, sur Sunshine, il hein, la caméra parfois elle est un peu. Ah ouais euh, tu okay. vois, c'est pas c'est bizarre. Non ouais. plus, tu vois, que dans certains endroits, euh, un peu avec beaucoup de décors euh, ouais. euh, en intérieur, etc., souvent tu galères ah un oui, peu. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Mais mm. même sur la version originale, c'était le cas, tu vois. Mais bon. Ça jouait, tu vois. Ouais, coup, mais, tu mais, pouvais mais, faire, mais honnêtement, faire le jeu, taf, il, mm. pour, pour moi, il vraiment, il, il tient toujours. Euh, mm. La discussion, mais en fait, c'est que. Ouais. Est-ce qu'on est est veut savoir s'il a été réévalué à la hausse ou à la baisse C'est un peu ça le sujet, n'est-ce pas Mais j'ai l'impression, justement, euh. qu'il a été réévalué à la baisse. Moi mais moi aussi. Alors, je vois que ça sur Internet. Hein. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que, pour le coup, euh, à l'époque, moi, pas euh, Pazou, je crois que c'est ton cas aussi, mais nous, on était déjà à fond dans les magazines de jeux vidéo. Les joypads et tout. Exactement, ouais. Et le jeu. J'allais en parler voilà. un moment parce que. Avant, le, ce qui remplaçait Internet, c'était les magazines de jeux Adieu. vidéo, voilà, Joypad, Console Plus, tout et ça. Euh, et et Théo, Théo et moi, on était à fond hein, dessus. Voilà. Ouais, voilà. Et, <laughs> et c'est là où on a <laughs> découvert Gollum, notamment, n'est-ce pas et <laughs> Julien <laughs> oui. Chiez. Oui, oui. Et euh, <laughs> en fait, euh, à l'époque, je me souviens... C'est marrant parce que, pour le coup... Euh, Sunshine avait eu je crois un 8 sur 10 ce qui était évidemment vraiment pas beaucoup pour un, pour un Mario canonique n'est-ce pas mm -hmm. ouais. là où Wind Waker avait eu 10 sur 10, eux ils mettaient des 10 hein. c'était pas par exemple comme ouais. Game Cult où ils s'arrêtaient à 9 eux ils mettaient vraiment des 10 quand c'était exceptionnel non non tu ouais, vois. ils mettaient à l'époque hein. euh, ouais, pas tant que ça mais de temps en temps tu vois et, euh, et du coup déjà ce qui est marrant c'est que Wind Waker pour le coup, du coup la presse l'avait bien reçu mais beaucoup de joueurs n'avaient pas tant kiffé que ça c'est un point super intéressant, Théo, parce qu'en fait, ouais. à l'époque, Internet en était assez balbutiement. Et en fait, le cas Wind Waker a fait tellement de bruit sans Internet ouais. que nous-mêmes, chacun de notre côté, avec juste quelques médias comme la télé, avec Game One ou le jeu vidéo, on a eu ce retour, tu vois. Ouais. Et ouais. je me dis, ouais. est-ce que si on avait eu le cas Wind Waker en 2021, comment ça se serait passé T'imagines le bordel que ouais. ça aurait Parce que du coup, c'est la film de Wild, non bah, mais non. non parce que non, parce Breath que... of the Wild il était bien reçu tu vois ah tu non, veux dire dans le ouais. sens où il a été mal reçu ouais ah. tu vois, ah, parce ouais. qu'en fait le bah, Wind Waker ouais, ouais, voilà, ouais. c'était mmh. la DA parce que il y avait eu ce Zelda qui avait été entre guillemets promis par Nintendo mmh. avec une ouais. démo technique comme ils le font tout le temps et ensuite ouais. on a Wind Waker et ça avait tout le monde était dégoûté parce qu'en fait ce que les gens voulaient avec avec Zelda Gamecube c'était un Ocarina of Time en plus beau voilà, ouais, et au final, euh... c'est parce qu'on a eu, et ça a fait un, un tollé pas possible au point que, ouais, sans internet, on a eu on a eu vendre ce tollé au final, quoi. Donc, c'était complètement mm. ouf, ouais. Et... Bah, moi, après, désolé de te confier, mais, mais je, suis du même, je suis absolument de, de la vie de Guillaume. Hein. Bah, là, tu parles en fait de Wind Waker et de Sunshine. Je me souviens très bien de l'époque où les deux jeux, bah, j'avais joué hein, vraiment à leur sortie. Oui. Moi, je kiffais, je kiffais ah, de mais ouf. mais pareil, hein. hein. jusqu'à aujourd'hui, je kiffe de ouf. Hein. Non, mais... Après, c'est vrai que avec ouais. Internet et avec euh, bah, du coup d'autres avis et le fait de jouer aux autres Zelda euh, et autres Mario. Ok, bah, c'est un peu dommage qu'il manque en fait des donjons, du coup, euh, si on peut appeler ça euh, des donjons là dans Wind Waker. Euh, c'est un peu dommage que du coup on a perdu cette euh, liberté. Euh, de choisir ton, 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 ton niveau dans, dans Mouse Sunshine, mais dans le. Ah temps, oui! Ouais. Franchement, c'est du très bon jeu, en fait. Hein, je, moi, j'ai toujours un peu de mal quand on me dit. Euh, ben, notamment, en fait, quand, quand j'avais fait là, le, le, le soundtrack du dimanche de Mouse Sunshine, Ouais, euh, ouais on m'avait dit c'est dommage, c'est le mauvais Mario et tout ça. Ben, enfin. Ouais. personnellement en tout cas je c'est ça c'est que c est, c est trop bien ce jeu bah, c'est ça moi je le ouais. kiffe de ouf après honnêtement j'y ai pas rejoué depuis euh, pas mal d'années j'y ai rejoué mmh. bien après la sortie quand même j'avais ressorti ma GameCube un coup mais ouais oh, ça doit faire 6-7 ans que j'y ai pas joué ah ouais. mais, euh, mmh. mais même quand j'y avais quand rejoué alors que la 360 et, et compagnie étaient sorties voire même limite euh, la, la cool. gêne d'après il restait cool et c'est vrai qu'en fait euh, quand j'en ai parlé avec Théo de cette histoire de, mmh. euh, de, de, de Mario Sunshine et de sa réputation Théo il m'a dit euh, ouais mais Mario Sunshine ça va il a bonne répute et là je lui ai dit, mais non, mon gars, figure toi ah ouais que. Non, euh, sur internet. Ouais, ouais. et on ouais. Vu Twitter, l'a vu à la Du coup, Pazou l'avait vu en faisant sa soundtrack du dimanche. Et on l'a vu aussi euh, quand le remaster de la, tri la trilogie est sorti. Euh, ça a été l'occasion pour tout le monde de chier de re... sur Super Mario ah, Sunshine, -chier sur Super Mario. Alors ouais, mais... alors que l'ambiance c'est trop bien. Enfin, ouais, après, ouais. Ça reste un... ouais, stylé. Moi hein. après, après... je kiffe hein, l'ambiance et ouais. tout. Enfin, je, je... Bien sûr, il y, y, y a un jeu du cas. Mais il est trop je... bien. Il y a quelques phases qui sont relou. Hein. L'oiseau de sable, on connaît et tout machin. Mais en fait, ouais, voilà. Je... Bien sûr, on dit pas que c'est un jeu parfait. Mais oui, bien sûr. Que... Mais je trouve que mais... Internet a quelquefois cette caisse de résonance mmh. où dans un sens ou dans l'autre. Euh, ça, ça va s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier au point ah, bah, de devenir inaudible et ça peut ouais. être dans le sens péjoratif euh, comme dans l'autre sens, dans le sens positif. Ouais, on l'a bien Je... vu avec euh, Plague Tail. Je veux dire, les gens ils se sont branlés <laughs> dessus alors que c'est ouais, ouais, hein. Tu, connais, tu connais. Mais tu vois, mais... po... ouais. vas-y Théo. Non non juste pour dire parce que tu parlais de l'ambiance Guillaume mais effectivement euh, le truc c'est que ce Mario là moi dans ma tête je, je fais un peu l'association avec Tomb Raider 4 parce que en gros Tomb Raider 3 ouais. te laissait aller dans plein de régions différentes il y avait genre plein de zones tu te rappelles plein de pays différents et dans le 4 Exactement. ils avaient un peu recentré ça en essayant de faire quelque chose un peu cohérent où tu étais globalement le... en Égypte oui. C'est le Enjoy of Darkness, celui-là ou... euh, Non, 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 non c'est le C'est le 5, c'est la, la révélation du Et là, là, dans Mario... C'est là où ça a commencé... Enfin, euh, les gens, ils ont commencé à moins aimer voilà. euh, Tomb Raider. Mais sauf que c'était un choix qui était plutôt... Moi, que j'avais bien aimé dans, le, dans Tomb Raider 4, où vraiment, tu avais un aspect où t'explorais un peu l'Égypte et tout, euh, des trucs comme ça. Bon, c'est plus très clair dans mes souvenirs, pour être honnête. Et là, dans Sunshine, c'est clairement leur parti pris, tu vois, où ils se disent, allez, on fait mmh. un jeu. Au lieu d'aller dans toutes les directions, comme Mario 64... Euh, euh, où vraiment t'as chaque monde c'est complètement différent. Oui oui. Là on essaie de faire un truc cohérent. Mais c'est oui. vrai qu'au final, bon au final ils sont revenus puisque c'est le seul Mario 3 D comme ça où t'as vraiment qu'un seul thème entre guillemets. Il n'y a pas qu'un seul thème parce que par exemple t'as l'hôtel un peu fantôme et tout si je me rappelle oui. bien c'est ça. Mmh. Un peu euh, ah, ouais, un truc, euh, Après Galaxy ça reste de l'espace non? Ouais, Galaxy ça reste de l'espace, mais chaque planète est quand même différente. Tu sais, oui, la planète de la neige, la planète de la avec ça. les pingouins, la la, la plage et tout. Je me souviens plus trop, mais ouais. Et au final, euh, ouais bah non, non je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est ça. Hein. C'est ah oui non c'est ça, c'est qu'en <laughs> gros euh, Sunshine, il faut pas oublier qu'il avait surtout, ça peut expliquer beaucoup de choses, c'est qu'il avait la lourde tâche de passer après Mario 64. Qui, en gros, et là, on peut constater vrai. que les gens qui, à mon avis, euh, avaient déjà fait Mario 64 ont pu être un peu mitigés par Sunshine. Ceux qui n'avaient euh, pas forcément fait Mario 64, là, ils n'avaient pas de truc où, où ils allaient comparer et dire Oh, il y a moins de, de types d'environnement, ou il y a moins de ci, de ça, tu vois. Parce que Sunshine, c'est un mmh. jeu exceptionnel. Et pour revenir à, à Joypad un peu machin, je me souviens, tu te souviens de Angel Davila euh, ouais, ouais, il disait <laughs> même carrément que pour lui, Mario Sunshine c'était c'était beau, c'était moins bien que un Ratchet Clank. Tu vois, Ratchet Clank c'est pas ouais, nul, mais bon. Non, c'est pas nul, ça a juste rien <laughs> avoir. Enfin, en tout cas, à mon avis, tu vois. Mais c'est vrai ouais. que je m'en souviens de cette époque, de cette petite, euh, de cette petite, euh, de cette petite polémique. Moi, j'étais très console plus aussi à l'époque. Ah oui, console ouais. plus, si je me souviens bien, euh, ils avaient aimé, hein, mais ils avaient mis quelques réserves je sais plus exactement faudrait que je vérifie mm. mais euh, sur sunshine j'ai pas compris pourquoi bah quand la, la compilation est sortie il y avait une petite vague on va dire bah bon après j'ai suivi ça de loin hein, tu sais dans, dans la dimension parallèle ouais. on peut pas tout voir <laughs> on peut pas tout suivre tu vois mais du coup euh, ouais non j'ai vu un peu je me dis bon c'est bizarre tu vois parce que à la limite on m'aurait dit ah en fait euh, mao 64 c'est pas si bien que ça parce que la caméra les trucs comme ça le gameplay je pouvais comprendre, mais Sunshine, je me dis bah non en fait. Mais bon, il y a aussi un truc qui est très euh, important à souligner et qui est inhérent au Mario, c'est que chaque Mario euh, canonique entre guillemets 3D est fait pour la console dont il est sorti à la base. Ouais, tu vois ouais. la manette la 64, elle est parfaite pour jouer à Bar 64. Ouais. La manette de la GameCube mmh. avec les, les sticks, euh, euh, les triggers, c'est parfait pour jouer à Sunshine. Ouais. Euh, ben, Galaxy, du coup, je l'ai pas fait moi sur la collection euh, Galaxy. Euh, faudrait que j'y joue d'ailleurs un peu, mais du. Coup euh, sans le Nunchuk et la Wiimote, je ouais. sais pas si j'aurais le même feeling, tu vois. Parce que je m'en souviens très bien à l'époque, quand je jouais avec mon petit frère à Galaxy, euh, bah du coup, en fait, on faisait, on faisait en fait, on, avec le, le Nunchuk, on faisait, on ramassait les, ouais, les ouais. poussières, euh, ah, poussières d'étoiles, ouais. ouais, je crois, ouais, ouais c'est ça. Et le, et le soi-disant mode multijoueur, tu tu branchais en fait la deuxième Wiimote et tu ramassais en fait les, les poussières d'étoiles, tu vois. C'était bah en fait, c'est c'était bien tu vois c'était marrant parce ouais. que du coup on, on se passait le Nunchuk principal et après on jouait avec l'autre Wiimote on s'aidait tu, ouais. mmh. tu vois on s'entraidait tu vois ça en fait avec la version Switch ça a forcément perdu ou je sais pas comment tu veux le ouais, faire ouais. avec euh... bah, après les Joy-Con ouais, euh, euh... les Joy-Con aussi hein, ils font ils font non hey, mais attends il a raison mmh. du coup Pazou c'est hyper intéressant parce que la, Wii... la Switch pardon elle a pas de de, de, de gâchette analogique donc euh, ça va... Non, non donc là, comment ça fonctionne le jet d'eau et tout ah oui c'était une dinguerie mais ils ont trouvé un micmac euh... après il y a mm -hmm. la manette Gamecube qui est aussi compatible avec tu sais, ah l'adaptateur ouais, ouais. mais oui ils ont trouvé un micmac où genre tu as une demi-pression sur un bouton et une pression complète sur un ouais, autre je ah ouais, bah, ouais. je sais pas moi ça, ça. Même pas, je me suis même pas posé la question honnêtement ouais. c'était vraiment le truc j'y suis allé j'ai vu que ça marchait enfin, tu vois pas, je me souvenais même pas ah qu'il y avait, avait euh... un truc adaptatif non mais tu vois rien que ça c'est intéressant ça peut expliquer aussi peut-être la réaction des gens ça se trouve c'est pas si ag la réaction, elle était euh, antérieure à la sortie du remaster. Ouais. Tu vois, ah c'était ouais. genre avant même ouais, qu'il sorte, c'était ah l'occasion déjà de lui en foutre plein la gueule, tu vois. Et okay. euh, pour pour recentrer un peu le truc et pour évoquer un cas mmh. qui peut être extrême dans l'autre sens, euh, j'ai réfléchi à des cas où du coup ça a été bénéfique pour un jeu. Euh, donc par exemple, on peut penser à Among Us où ça a été méga bénéfique pour euh, pour le jeu où du coup grâce ouais. aux bouche à oreille d'internet, bah, c'est devenu un jeu ouais. assez populaire. Mmh. Mais des fois, ça peut mmh. même tomber dans du du malsain dans l'autre sens. Et j'ai pensé à Undertale, euh, ah ouais. qui, est un, qui est un jeu où euh, ouais. aujourd'hui il est connu pour avoir une communauté qui est quand même assez vénère et euh, qui ouais. impose les gens de faire le jeu d'une façon et tout ça. Et, et du coup, euh, fin, typiquement, Undertale. C'est un jeu, moi, quand je vois des gens qui disent « Ouais, euh, j'ai envie d'y jouer », t'as deux camps. T'as les gens qui disent « Ouais, bon, bah, fais ça comme ça », alors que le mec, il n'a même pas encore commencé. Et t'as ceux qui mmh. disent « Surtout, fais le jeu dans ton coin et n'en parle à personne », tu vois. Ouais. Et là, tu vois à quel point Internet peut avoir une incidence sur l'appréciation d'un jeu, dans le sens ouais. où, bah, déjà, d'une part, le jeu, il a été euh, encensé en boucle, donc tu pars avec une appréciation. Et en plus de ça, bah, du coup, il y a une certaine façon de faire le jeu qui peut, euh, qui peut en plus, euh, entrer dans l'équation. Et euh, c'est un truc qu'on n'avait pas avant au final. Euh, quand elle ouais. allait acheter un jeu, comme on avait les magazines bien entendu, mais les magazines c'était l'avis la d'une seule personne. Ouais, bien sûr. Du coup, ouais. coup, tu le prenais en considération, mais c'était une personne donc tu le savais. Mm. Et euh, après, tu te faisais très souvent ton propre avis. Et moi, j'ai plein de fois dans ma jeunesse et ça vous est sûrement arrivé aussi, où j'ai joué à des jeux qui sont aujourd'hui considérés comme des merdes, mais intersidérales <laughs> Mais à l'époque, j'étais pas sûr. influencé par l'extérieur. Et juste, je me disais, bah vas-y, je joue au jeu, je sais pas ce que c'est, et je kiffe, et on verra bien, tu vois. Ah oui. bah, Indiana moi, Jones, c'est la machine apparaît. infernale. Euh, c'était un de nos jeux préférés. Le Indiana Jones, c'est la machine infernale. Et avec plus tard, quand j'ai commencé à regarder les tests un peu de l'époque, tu vois, enfin oui. sur Internet et tout, tu te rends compte qu'en fait, c'était considéré comme une, un sous-tomb rider <laughs> pourri de merde, tu C'est marrant, mais euh, vrai, ouais, moi, ça me faisait de... ça à l'envers. Il y a plein de jeux que quand j'étais petit avec mes frères, on se foutait de la gueule de ces jeux. Oui. Et genre ah en fait ouais aujourd'hui tu en parles à des gens ils disent ah ouais mais ça c'est classique et tout euh, tu vois genre quand j'étais petit Ghost and Goblin on rigolait là-dessus on me disait c'est quoi ce jeu à la con quoi alors euh, franchement il a... Ghost and Goblin enfin tu peux Oui ça trop. fait partie des mais ouais. justement c'est ça qui est intéressant c'est que en fait euh, bah tu te faisais ton propre avis et tu te faisais ta ouais. propre échelle d'évaluation et puis enfin euh, si le jeu il plaisait pas globalement tu t'en foutais et s'il plaisait globalement tu t'en foutais juste tu kiffais ton expérience de ton côté tu vois et il euh, y a un cas que Théo m'a évoqué et du coup je vais le, le laisser en parler. Mais en, en parlant de ça avec lui, euh, bah est venu le, le cas de la Dreamcast en fait, tout simplement, ah ouais. Euh, ouais. qui est une console qui a été euh, rattrapée par euh, sa réputation. Console mythique. Voilà, mmh. c'est mmh. ça. Mais tu sens bien l'écart en fait avec euh, avec euh, avant et maintenant entre guillemets. C'est ouais. comment ça se serait passé Tu penses Théo si la Dreamcast était sortie aujourd'hui, quoi, tu vois Enfin, aujourd'hui, ah. c'est mal dit, mais est-ce que s'il y avait ouais. eu Internet et des gens qui avaient eu la puissance de, de, de donner leur voix pour vendre la console, est-ce que tu penses qu'elle aurait eu un destin différent Je sais pas, mais non, mais c'est vrai qu'on en parlait et c'est vrai que c'était une autre époque. Et une mmh. phrase comme euh, Ouais, la Dreamcast c'est de la merde, c'était une phrase qu'on entendait quasiment euh, souvent, quoi. Oui, quand les gens parlaient vrai. un peu de <laughs> jeux vidéo, de consoles et tout, c'était Ouais, c'est de la merde et tout. Comme la vie et après, euh, c'est ah ouais, bah, ouais mais ouais, tu vois, ouais, la ouais, Vita, il y a toujours eu, pour le coup, c'est vrai qu'il y a toujours eu des défenseurs de la Vita, Parvez t'en fais partie. Euh, la plupart des gens qui avaient une Vita, euh, ouais, elle défendait cette console. Mais ouais, pour la Dreamcast, c'est marrant parce qu'au final, elle a acquis un statut super culte et maintenant, euh, typiquement, j'en ai la preuve, puisque j'en ai la preuve, disons, matériel puisque Zigmars, lui qui à l'époque, à mon avis, connaissait pas les consoles et tout. ouais Juste par la force d'Internet, il est devenu obsédé par la Dreamcast, ouais. tu vois Et de l'Internet anglophone, donc c'est même pas forcément que en France ou quoi. Oui. Et, euh, et du coup, ouais, il a acheté une Dreamcast, il m'a acheté une Dreamcast, il m'a offert une Dreamcast et <laughs> tout. Il, était, il parlait que de ça à un moment donné. Ouais, bah et oui, donc oui. ça, c'est purement la preuve que c'était vraiment la force de l'Internet actuel où, où on revalorise des choses comme ça du, du passé, une ludothèque. Mmh. Euh, bah, alors qu'à l'époque, pour... bon... Ouais, dis-moi, dis-moi. Bah, pour pour parler de Dreamcast vas-y, passe-moi, vas-y. Ouais, je voulais dire, bah, à l'époque, justement, on pourrait parler de la même chose, mais dans les magazines, enfin, même de toute façon, dans les cours d'école, etc., on se disait la même chose on se disait, la Dreamcast, c'est bien, mais on va attendre il y a PS2 qui sort. Tu vois? Ouais. Donc, euh, c'était vraiment l'engouement, je m'en souviens très bien à l'époque. Hein. La Dreamcast, franchement, je la voyais, je m'en souviens très bien, à Darty et tout, elle tournait et tout. Et ils avaient même baissé les prix parce que bah, c'était un peu la fin. Mmh. Ça avait l'air super bien, mais je m'en souviens très bien. Mon père m'avait dit: D'accord, tu veux quoi? Tu veux la Dreamcast ou tu veux la PS2? Fallait faire des choix. Bon, on attend. pas eu le même cas de figure avec la 64 et la PlayStation, je sais plus, ou la Saturn et la PlayStation? Exactement. Ouais. Et, ouais. Ouais, tu t'en souviens très bien. C'est vrai. Ouais. C'était euh, ah, dans un champ cette fois-ci. au champ de, euh, de Stains d'ailleurs. <laughs> ouais, mais c'était ça. C'était. Il y avait la Saturn avec quasiment tout. Enfin, euh, euh, un gros pack, euh, méga pack de fin de vie, tout ça. Et la PlayStation 1, Bah, fallait faire un choix. Hein. Ouais, bah oui. Tout oui. quand on est petit. Hein. Bah, mais, mais, PlayStation mais... ou Saturn. Mais choix ça... très cornélien. Hein, Parce que je, je, en fait, je voulais la Super Nintendo à l'époque, mais il y avait plus. Donc, euh, bah, ah, putain, merde, bon, bah, Puis, maintenant, c'est fini. Au final, c'est l'influence le de, de l'extérieur aussi qui t'a fait, euh, je pense, choisir. Bah, le, le, bah, finalement, en fait, le vendeur, il je m'en souviens pour ce cas précis, après, on va arrêter cette anecdote, mais il, il m'avait... Franchement, c'était vraiment un, un très gros dilemme à ce moment-là. Et le vendeur, en fait, avait dit, bah, moi, je vous conseille plutôt la PlayStation puisque la Saturn, elle est en fin de vie. Ouais. Euh, pas de trop de nouveaux jeux qui vont sortir, ça n'a pas très bien marché. Encore la PlayStation, ouais, c'est le hit du moment, etc. Là, j'avais un, une pack avec les deux manettes, avec des démos, tout ça. J'ai acheté Tekken et FIFA 96. Mmh. C'était juste un truc de ouf à l'époque. Après, c'est et... intéressant ce que, ce que vous dites et ce qu'a dit aussi Guillaume avec la Vita, c'est qu'au final, c'est vrai que... Parce que, encore une fois, c'est une discussion, on n'a pas de fil conducteur, on, on, ouais. on parle et au final, on réfléchit ensemble. Et Guillaume mmh. a parlé de la Vita. Et c'est vrai qu'au final, malgré Internet et malgré les, les voix euh, porteuses euh, en faveur de la vita, comme le disait Théo, la console n'a pas réussi à être sauvée. Et qu'après, malgré mmh. tout, il y y, bien entendu, il y a un nombre incalculable de, de facteurs qui, en, mmh. qui rentrent en compte euh, dans le succès ou le non-succès d'un jeu ou d'une console. Mmh. Mais, ouais. mais, mais oui, c'est. Pour revenir à la Dreamcast, par exemple, euh, je pense que ouais, c'est surtout une question de, de succès, d'estime, tu vois, de réputation ouais. surtout. Au-delà de, de, de vente, c'est une question de réputation parce que ouais. euh, là justement, on, 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 je voulais l'évoquer, on va y venir. Mais euh, par exemple, Rez, on parlait de la Dreamcast ouais. et c'est parfaitement euh, euh, au point niveau sujet puisque Parvez se trouve dans la, dim la dimension parallèle. Mais <laughs> Rez, c'est un jeu on qui, voit. parce qu'on parlait <laughs> en fait de la vie, euh, on, on parlait de la vie de la presse. Et à l'époque, Rez, il s'est fait défoncer par la presse. Mmh. Parce que c'est un jeu qui est sorti à une époque où on était en recherche de modernité. Et en fait, la ouais. presse a pas saisi la modernité de Rez et elle l'a vu comme un ancien jeu qui se finissait en, en une heure montre en main et qui n'avait aucune rejouabilité. Et donc du coup, euh, j'ai plus les notes en tête, mais que ce soit Cult ou jeuxvideo.com mmh. ou euh, la presse papier, tout le monde a défoncé Rez. Et c'est ah, un jeu qui a... B... Euh... Ouais, voilà, 4 sur, sur 10. Et mmh. c'est un jeu qui a bénéficié d'une seconde naissance grâce à l'influence des gens sur Internet au final. Ouais. Donc ouais, bien en... vrai. Bah, influence des gens sur Internet, mais juste euh, réhabilitation et surtout, je pense aussi, euh, on a d'autres facteurs, tu vois, de notation, enfin de critères, oui. on va dire, d'appréciation de, de, du jeu. Parce que, et je pense que c'est ça qui a été fatal à Dreamcast, c'était entre la PS2 et la Dreamcast à l'époque c'était très différent parce que la PS2 c'était plus dans l'ère du temps où les gens voulaient ouais, des voilà. jeux à scénario ils voulaient plus des oui, jeux en fait sûr, oui, plus voilà. long ouais, etc ouais. alors que Dreamcast c'est 100% arcade ouais, si vrai. tu kiffes mmh. des jeux arcade ouais. Dreamcast à fond et tu as Virtua Fighter House of the Dead ouais, T'as ouais. des jeux arcade où tu fais que du scoring tu vois ouais mais logique, ouais mais, tu vois. mais là où la Dreamcast est... est quand même est... Euh, est... cultissime c'est qu'elle se... elle arrive quand même à avoir l'un des tout 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 meilleurs jeux narratifs de l'histoire histoire tu vois avec Shenmue voilà donc ça c'est vrai bah que après, en plus de tous ces jeux de... oui en ouais, plus de tous ces vrai. jeux non mais Shenmue quoi tu vois non non mais en oui mais mais quoi. que dans la... <laughs> ce sur quoi il co... il... Je me souviens, oui, oui. ce sur quoi il communiquait c'était Virtua Tennis c'était Sega Rallye, c'était ce et genre de jeu. De ouais, c c est, c est, c Bien entendu. Pas, ouais. euh... non, non, mais je suis d'accord autrement. L'arcade hein, ouais. à la maison est plus abordable mmh. que la Neo Geo, parce que la Neo Geo 2, c'était ouais. le rêve ultime, mais ouais. on ne va pas l'avoir. C'est vrai qu'il qu y, y avait cet héritage card, arcade qui les a plus desservis qu'autre chose. Et c'est pour ça Ouais, c'est pour ça qu'il y a d'autres facteurs marché. qui entrent en jeu en dehors de de, 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 de la réputation, justement. Mm. Mais je, tu parlais justement, euh, Parvez, tu me rejoignais sur le point de ouais, des jeux à scénario et tout ça. Et ouais. euh, je vais aussi reprendre ton exemple, Théo. Mais res je pense mm. que ce qui a permis sa réhabilitation, c'est qu'en fait, il est ressorti en HD. À un moment où on s'était habitué à acheter des jeux à petit prix, et que du coup, Rez en HD ah, sur oui. 360, il coûtait 10 euros, et là, du ouais. coup, tu pouvais aussi l'apprécier avec euh, ces nouveaux critères. C'était l'avènement des jeux indépendants, etc. Et donc, du coup, tu avais une nouvelle grille de lecture que tu avais, ouais. euh, avais pas auparavant. Oui, c'est vrai, pour... vrai que. Non, excuse-moi juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'à l'époque, en gros, tous tes jeux, ils étaient plein pot, c'était oui, oui. il y avait un format mmh. de jeu, c'était plein pot et que le jeu soit une petite expérience euh, conceptuelle ou une grande aventure machin, c'était toujours le même prix. C'est vrai que là, ça change aussi le, le côté financier, ça, ça, change... ça change aussi euh, la vie. Exactement, ouais. ouais. Et pour ouais, revenir ça, à Shenmue, ouais. Euh, ouais. tu vois, genre je pense qu'aujourd'hui, bon, je sais Parvez pardon, t'as fait euh, ouais. tu ou pas non, non, je, il m'est tombé des mains, parce que, bon, comme, comme j'avais dit à l'époque, hein, enfin, à l'époque, quand, quand j'avais joué à Shenmue euh, HD, oui. ça, je pense que c'était une claque incroyable à l'époque, si j'avais la Dreamcast, ah mais ouais. là, maintenant, euh, bof, mmh. en fait. Mais enfin... est-ce que, du coup, euh, et, et, la, et la question va aussi à Guillaume, est-ce que si tu viens jouer à Shenmue aujourd'hui, bon, tu l'as fait, du coup, Pazou, et donc tu peux nous le dire, est-ce que le, 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 le ramdam qu'il y a eu autour de Shenmue, avec des ultra défenseurs de Shenmue dont je fais bien entendu partie et Théo ouais. aussi est-ce que ouais. forcément quand tu vas, viens à jouer à Shenmue aujourd'hui, est-ce que tu surévalues le jeu de base tu vois, est-ce que du ah coup ouais. euh... exactement, oui, oui. Ouais. Bah, on en a parlé et je crois que j'avais fait un article sur mon à l'époque, enfin, peut-être que j'y avais pensé mais pas ouais. fait euh, clairement en fait euh... oui euh... Comme tout le monde disait que Shenmue c'est le meilleur jeu du monde, on n'a jamais vu ça politiquement, c'est narcissiquement tout ça et tout. Forcément, tu, tu lances inconsciemment, tu lances le jeu, tu dis ouais. ça va être incroyable. Ah ouais. c'est marrant, euh... je pense pas du tout la même chose. C'est-à-dire, bah, bah, oui, moi je sous-évalue de base en fait, en général, par esprit de contradiction et, mm. et, et aussi ah, par. Ouais. Euh... Sauf Plague Tale Innocence. Bah justement. <laughs> bah, non, mais justement, on me l'a survendu et quand je l'ai lancé, je m'attendais à un truc de ouf et en fait je suis tombé sur un ouais. AA euh... ouais. moyen quoi et et, non, et, non, le, non, fait, non, et le fait qu'on me l'ait rev... on les vendu comme un truc genre c'est genre mais j'étais là genre ah bon ah bah, c'est bizarre tu vois ouais. Et, et, ouais. J et même ouais. je vois sur les textes tout j'avais de temps en temps j'avais je, je sentais que j'avais cette euh, ce, ce, ce justement ce mécanisme qui s'enclenchait où je où j'avais l'impression, limite, un peu, même si ça ne l'a pas fait sur, sur Plague Tale, parce que justement, j'essayais d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. Mais du coup, euh, oui. chat échaudé et craint l'eau froide. Euh, oui. J'étais ouais. vraiment en mode, genre, non, mais on m'a encore vendu un jeu à la con. Et, euh, oui. et, euh, et en fait, ça va être de la merde. Et, et, et de temps en temps je sentais que j'avais ce mécanisme où j'étais genre ouais non bon, c'est vraiment pas ouf comme jeu et, oui, et, ouais. et selon les gameplay en fait je me disais ah non en fait franchement c'est plutôt pas mal et euh, mais, euh, mais non moi j'ai tendance qu'en me survant quelque chose justement à y aller un peu euh, à reculons tu vois ah bah bah ouais, j'ai un peu. Je suis d'accord euh... avec, avec, ouais, du... avec toi, Guillaume, mais ça, j'ai mis du temps en fait à, à voir ce, ce truc parce que, en fait, naïvement, je me dis, bon, bah, si tout le monde en parle, c'est que ça doit être bien. Puis après, après m'avoir fait avoir plusieurs fois, on va dire ça comme ça, <rire> bah, <rire> du coup, en fait, quand un jeu est hypé, ça me donne moins envie. Je veux dire, mm. c'est bizarre en fait qu'il en fait, qu soit trop hypé, etc. Enfin, euh, j'ai des appréhensions en fait. Mm. Mais ouais. du, je pense <laughs> qu'en fait, pour apprécier une œuvre, euh, que ce soit aujourd'hui ou même euh, avant, c'est aussi bien en fait, d'y de, de, aller sans a priori, d'y aller en fait, euh, sans l'avis euh, la de quelqu'un, etc. On en parlait tout à l'heure de Elden Ring. Mmh. Pareil, ouais. je n'ai pas, euh, pas regardé les vidéos euh, comme, comme si je voulais jouer un MGS et tout. Je ne voulais rien regarder pour avoir ma propre appréciation, ouais, pour pas être sûr. biaisé euh, comme pour euh, le cas de Last of Us 2. Ouais. Euh, on avait parlé, hein, d'ailleurs. J'ai vu aucune, enfin j'ai vu. Euh, je crois la dernière... la dernière, la dernière vidéo de gameplay, c'était quand elle dit ouais, ben, je vais tous les tuer et tout ça. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit ok, tu ris Je ne regarde plus rien, ouais, plus ouais. d'infos sur le jeu jusqu'à que j'ai le jeu. D'ailleurs, j'ai je... le jeu en deux fois. C'est moi. c'est Mais, y mais, pas mais justement, ah, c'est pour ça que je trouve que les, les... Que je les jeux pour une <laughs> <Il> poignée d'eux, <laughs> Il ils ont une certaine saveur à ce niveau-là justement, parce que souvent c'est des jeux vraiment genre qui sortent de part. Ah oui, part, dont on n'attend rien. dont on n'attend ouais. rien, on juste attend on rien, voit ouais. vraiment, oh, oh, vraiment ce truc d'enfant, tu vois, de, de, t'es au magasin mmh. et tu as le droit oui. de prendre un jeu, tu te dis, ah tu bah tiens, celui-là, il a l'air pas mal. Et, euh, et, euh, et bah, je trouve que du coup, il y, y a un peu ce truc-là avec les jeux quand on fait une poignée d'eux C'est vrai. Euh... Et du coup, on avait mmh. eu ça avec Ringo Ishikawa à l'époque. Ah ouais. euh, bah ouais, du moment ouais. où on l'avait acheté et qu'on l'avait ensuite testé pour Mirugaisu, ah il n'y avait pas trop de grosses émulations autour du jeu à l'époque. Il n'avait pas la réputation ouais. qu'il a aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que du coup, on a découvert le jeu bah, de façon très candide. Et c'était mmh. euh, d'autant plus cool, tu vois. Parce que moi, je ne ouais. connaissais pas le jeu, j'y ai joué, t'es au pareil, tu vois. Et bah donc, ouais. du coup, bah, on le disait. Euh... C'est ça, on le disait dans, les, dans, le, dans la vidéo, mais il me sent, moi vraiment, je m'attendais que ce soit un beat them up linéaire et tout, et là tu découvres pareil. un truc qui est presque un chêne mou, quoi. Ouais, c'est ça. Un truc de malade. Ouais, c'est ouf. Hein. Ouais. Mais tu vois, c'est tout à votre honneur, Théo et Pazou, de vous être coupé un petit peu d'Internet, de moins fréquenter euh, Twitter ouais. et, et compagnie, parce que tout tu Twitter, vois, typiquement, hein. ouais. Et, no <laughs> et, et pour le Discord. On en <laughs> vite fait. <laughs> ouais, c'est vrai. Ah, le Discord, c'est cool. Euh, pour en reparler. Vite non, c'est euh... stylé, mais il faut que je revienne. Mais la dimension parallèle... Eh oui, la dimension parallèle... Cool. Oui, d'ailleurs, tant, <laughs> tant qu'on tant que, <laughs> est sur Discord, je vais quand même préciser pour euh, les quelques gens, il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Les gens ne se rendent pas compte, mais les gens m'ont écrivent des MP. Mais vu que moi, j'ai plein d'MP non lus, j'arrive pas encore à me motiver à me dire, je vas-y, je vais lire et je vais répondre aux gens. Vous savez comment je suis, j'aime bien répondre Comme à tous les monde. onglets. Pour l'instant, euh, oui, notamment, je sais que plein les pixels m'a réécrit et plein des pixels je vais t'écrire t'inquiète pas et merci voilà. pour tout ce que tu m'as envoyé on va en reparler <laughs> parce qu'en gros on travaille sur une nouvelle map et euh, il est dans le jeu euh, au, au boulot et il est assez mmh. concerné par le sujet voilà je tease un mmh. peu et du coup euh, on en avait parlé mais c'est vrai que voilà. j'ai laissé tout le discord en plan je l'ai plus réouvert il faut que, faut que je m'y remette ouais, même moi ton message est euh, passé mais ouais enfin voilà pour voilà. une ça coule culpa un petit un peu petit pour les, la les, les, les gens encore le qui... des tuteurs. Hein. Non mais c'est pas c'est pas grave et justement c'est l'occasion d'en parler c'est cool et en plus ça rentre dans le sujet C'est que ouais voilà Théo et Pazou ils ont adopté une posture que je trouve vraiment euh, euh, plus scène. que respectable Et saine exactement c'est qu'ils se sont un petit peu éloignés d'internet parce que euh, trop d'internet à un moment tu deviens un peu fou tu vois et, euh, et du coup dans l'appréciation d'un jeu c'est encore plus louable parce qu'aujourd'hui tu vois Enfin euh, je sais que si jamais je parle d'un jeu à Théo ou à Pazou ils n'ont pas été lire la vie de X, WT, mm. ils ont juste... Ils ont leur... Voilà, ils <laughs> lancent le jeu et ils et voient quoi. Et ouais, donc, du coup, moi, je l'ai vraiment ressenti là, et moi, bon, je n'irai pas, parce que j'aime quand même bien perdre énormément de temps sur Twitter, je ne peux pas vous mentir. <laughs> mais tu <laughs> vois, dans le cas d'un jeu comme Balan, juste pour ne pas parler du jeu, mais pour parler de mon expérience, euh, pendant tout le long où je jouais au jeu, j'arrêtais pas de me dire... Mais c'est pas possible qu'il soit bien, tout le monde n'arrête pas de le démonter, tu vois. Ah oui, ouais. Et, euh, et, et, et ça devenait malsain dans le sens où quand je jouais et que je trouvais un truc bien directement, je me disais, ah non mais ça c'est bien, ça c'est bien, tu vois. Genre, et et ouais. en fait, mon expérience, elle a été complètement... Euh, euh, elle est difforme, entre guillemets. Mmh. Et honnêtement, ouais. je sais que j'aime le jeu. Hein, J'ai réussi à... Je, je le sais, tu vois. Mais le truc, c'est que pendant tout le long, j'avais des, 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 des états d'esprit contraires en me disant, non mais... Euh, Ken, c'est pas possible, t'es un fanboy de Yuji Naka, mm. machin et tout, tu vois. Mm. Et, et si j'avais pas eu tout ça, j'aurais encore plus... Enfin, j'aurais juste kiffé le jeu et je me serais pas pris la tête avec, euh, avec toutes ces, ces histoires. Et, et au final, le truc, c'est que... Enfin, c'est moche à dire, mais tout ce que j'ai lu sur le jeu, euh, entre le moment où la démo est sortie, cette démo qui n'aurait jamais dû sortir et la sortie du jeu, bah ça m'a ouais. pourri l'expérience, tu vois. Mm. Et, euh, ah ouais, non, ça c'est nul. Ouais, tu de, de, de... Vois, et, et D -d Désolé, Vas-y, Ken. Je voulais te poser deux questions d'ailleurs à, à ce sujet-là. Oui. Euh, mais alors, du coup, tu l'aimes comme un plaisir coupable ou vraiment... Ou tu vois... Ou, 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 ou tu l'aimes vraiment en disant, non, 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 non c'est vrai. vraiment un jeu que, que je trouve réussi. Euh... Bah tu vois, la, le, je pense que la notion même de plaisir coupable, c'est un truc qui intervient parce que le jeu a une réputation. Ouais. Je voilà, pense, Ouais. exact. Vois. Ouais. Non, alors, Et je ouais, suis ouais, absolument d'accord. Ouais. j'ai pas d'exemple ouais, oui, en termes de vrai. jeu mais par exemple en termes de série je sais qu'il y a des séries que je trouve c'est des nanars et tu qui frontièrement ouais, nulles ouais, c'est un peu ou de, de merde, ou même ouais. tu vois ouais. que j'ai aimé à un temps et que en, en vieillissant je vois plein de choses qui marchent pas et que et, hmm. mais mais hmm. je peux pas m'empêcher d'y retourner et ouais. c'est on ouais, sent ouais, aucun rapport ouais. avec euh, le, 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 la, la vie de quelqu'un réputation... d'autre ok d'accord okay. là du coup pour te répondre euh, moi j'ai juste kiffé c'est même pas un plaisir coupable tu vois Ouais. c'est que enfin euh, euh, en fait c'est euh, je le compare assez souvent quand j'en viens à y penser ou même à en parler parce que j'ai j'en ai parlé dans le podcast de soeur je le compare à Shenmue 3 en fait tu vois ouais. et je crois que ah oui. ouais, c'est bah, 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 moi, genre, non, je je que moi qui t'en avais parlé justement parce que ouais, la façon ouais, dont t'en parlais ça me faisait penser à à Shenmue bah, 3 en fait c'est pareil c'est que c'est un jeu que je pas conseiller parce que je sais très bien que il faut, euh, il faut déjà réussir à faire abstraction de tous ces avis négatifs. Et, et en plus, il a une grille de lecture bien particulière. C'est un, un jeu qui est des années 90, en fait. Vraiment, il ouais, a un game design ouais, qui a 30 ans de pas de fois si de retard si on veut ah ouais. et euh, donc du coup j'irai le conseiller à personne mais moi fin, là avant le podcast j'y jouais et le premier truc que je me suis dit quand j'ai arrêté de jouer c'est ah bah dès que le podcast il est fini j'y retourne donc le jeu je l'ai kiffé ouais, ouais. j'ai réussi à m'affranchir ouais. de toute cette, euh, cette vague de négativité euh, qui peut être légitime, hein. j'entends totalement qu'il y a des gens qui ont détesté le jeu, je le comprends totalement mais euh, disons que l'énorme élan massif parce qu'à un moment ça, vient, ça devient forcément collectif à un moment Ouais, je, moi ouais. ça m'a beaucoup desservi dans mon expérience de jeu, ouais. Et euh... ouais, ça c'est un problème. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure Guillaume de fait de, de jeux qui étaient surestimés. Et, euh... et moi j'ai eu le cas personnellement avec euh, nier automata. Ah oui. Ah oui, ouais. ouais voilà, c'est dommage. Ouais. Hein. Mais oui, je ça, sais que c'est dommage. Je sais très bien que c'est dommage. Grand, et, grand dommage. Et ouais, j'ai ouais. un peu adopté. Euh... Je, je, je l'admets, j'ai peut-être adopté un peu une posture de défi défiance vis-à-vis -vis du jeu. Ouais, tu vois ouais mais c'est normal. Ouais, parfois. Tout le monde euh, en fait des caisses, moi je vais y jouer et on verra bien. <laughs> et en fait, hélas, là c'est les avis <laughs> positifs sur Niro Automata qui m'ont flingué l'expérience. Parce que ça te souligne que tu... tous les défauts d'un jeu en fait. Ouais c'est ça. Ah ouais, c'est que ouais. du coup tu vois es, mm. es... Bah, comme avec Balan où j'étais là à appuyer sur les trucs trop bien en me disant oh putain c'est génial bah Nier Automata, dès qu'il y avait un truc qui me cassait la tête mm. bah pareil tu vois je ouais. Ouais, ça, alors que si j'avais découvert voilà alors que mm. si j'avais découvert ah, le bah, jeu ouais. à la sortie et que j'avais ouais. joué sans avis extérieur je l'aurais peut-être largement plus kiffé au final quoi. Tu vois typiquement parce que rappelez-vous que le jeu était sorti en, en day one sur PC et du coup euh, il était de ah ouais mémoire limite craqué. Euh... Je ne fais pas la promotion du piratage, <laughs> mais à cette époque, je n'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent à l'époque. est-ce que tu Et as téléchargé pour... le BIOS <laughs> Le BIOS, non, c'est illégal, <laughs> ça jamais. Mais en gros, illégal, euh... on ne le fais pas. <laughs> en gros du coup j'ai eu cette opportunité de le jouer direct quasiment Et sans, euh, enfin Adrien, mon petit frère y avait joué Bon Adrien après c'est les relations frères Donc je, tu vois oui. il va me dire ah, il faut que tu le fasses Allez j'y fais ouais. tu vois Donc c'était peut-être un mois après sa sortie quand même Pas tout de suite Et c'est vrai, mais par contre je suis complètement d'accord avec toi Que si je l'avais fait euh, justement euh, quelques années plus tard J'aurais pas du tout eu le même rapport avec le jeu je pense Parce que le jeu a tellement été euh, survendu et tout que là là justement c'est vraiment comme tu as dit aussi par rapport à au euh, le poignet euh, le poignet de enfin les pour une poignée 2 ou ouais. mmh. vraiment quand tu t'attends rien du jeu tu peux que être émerveillé oui. donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant parfois effectivement Exactement. de se couper un peu des, des réseaux et tout quoi mais tu je vois je suis d'accord avec toi euh, Niro Tomata, il, il a euh, pardon hein, de non, non, Tomata, il a il a pour intérêt en fait de en vrai il faut même pas avoir joué au premier Nier hein, pour vraiment apprécier le, le truc, parce que moi à l'époque je m'en souviens, on, on était sur Monster Hunter World, il y avait encore Elias mmh. justement, il me, il me parlait de Nier Automata, il me disait c'est le, le meilleur jeu qu'il ait jamais joué de toute sa vie, etc. Ouais. Incroyable. Alors que moi je lui ai répondu bah écoute moi j'ai joué au premier Nier. J'ai déjà eu le choc. J'ai déjà eu en fait le, le climax, etc., etc. Je vois en fait ce qui ne va pas dans le jeu. Donc je me dis, je sais pas si je vais vraiment aimer Nier Automata. Et finalement, bon bah, je l'ai commandé, j'ai joué, j'ai kiffé, tu vois. Mais je pense que pour une personne qui ne joue pas trop aux jeux vidéo, etc. Et qui qui est intéressée, c'est bien en fait qu'ils jouent au jeu et qu'ils ne connaissent rien. En oui. fait, de, de, ouais. de ce qu'il peut apporter. Ah, et Là, il va être, enfin, ça va être amplifié en fait. Bah, tu comme nous, quand on fait, tu vois Ouais, ouais, c'est ça, au magasin ouais. de jeux, tu retournais la boîte, tu la regardais, tu disais ça ouais, bon rigolo. bah, tu vois, c'est ouais. le seul jugement que tu pouvais faire du jeu euh, pour prendre ton jeu et après tu y jouais. Mm. Et puis des fois c'était une grosse merde et des fois c'était trop mm. bien, mais voilà, tu vois, c'était ton ça, association D'ailleurs, franchement, vas-y, Ken. Vas-y, euh, Merci. Euh, D'ailleurs, Ken, par rapport à iText2 Passe Week, tu connaissais pas quand je t'en ai parlé, enfin, oui. tu, 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 tu vaguement. Est-ce que, oui. est-ce que, au moment où je t'en ai parlé où je te dis ah bah c'est genre vraiment un jeu la belle compagne pour le coup est-ce que, est oui. que tu vas le faire est-ce que tu t'allais regarder des trailers est-ce que tu t'allais regarder des tests ou tu l'as direct pris la seule ah. chose que j'ai fait c'est d'aller regarder euh, je suis allé sur YouTube je t'appuie texte parce que vraiment je ne savais même pas à quoi mmh. ressemblait mmh. le jeu hein, vraiment mmh. et ouais. euh, pr la première vidéo qui est tombée c'était le test de jeuxvideo.com donc ouais, du coup je, je ah, regardé le test mmh. ils ont présenté le jeu euh, je me suis même pas. Là, pour le coup, c'était vraiment informatif. Donc, euh, le... ce qu'ils pensaient du jeu, entre guillemets, mm. en... je m'en tapais. Tu vois, j'étais juste venu voir à quoi ça ressemblait, la gueule que mm. ça avait. Puis à la fin de la vidéo, je me suis dit oh, ben, ça a l'air sympa. Et du coup, je l'ai acheté, mm. quoi. Tu vois. Mm. Mais euh... Euh... mais oui, c'est vrai. Et puis du coup, enfin, euh, It Takes Two, c'est un jeu qui bénéficie aussi d'une ah, oui, grosse surprise. Aura, de surprise. Et... et je suis mm. bien conscient que nous-mêmes, quand on parle d'un jeu, euh, en positif ou en négatif, on participe à l'élan collectif. Tu vois. Bah oui, euh, bien de, sûr, bien de, sûr. Influence. Mm. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec euh, euh, ce, ce, ce simple fait de proposer un avis sur quelque chose, parce que bah, du coup, influence un petit peu et c'est pas forcément idéal. Là, dans le cas d'It Text c'est pour ça qu'on s'est dit, on va spoiler le moins possible, parce que vraiment, on dévoile rien du jeu, on dit juste, bah, euh, tentez le coup, et puis vous verrez bien euh, si vous êtes chaud. Non, et puis après, il euh... y a cet avantage qu'on fait tout en retard, donc. Euh... Déjà, c'est vrai qu'on fait... fait un Là, texte 2 est sorti il n'y a pas longtemps, mais c'est un miracle donc euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir euh, le, le, le recul aussi, ça peut être ça peut être sympathique. Et pour revenir à nier automata, je voulais vous évoquer une petite anecdote. Euh, on avait fait un podcast chez Sord qui euh, parlait des jeux euh, sur côté et sous côté. Mm -hmm. Et euh, bah, dans un exercice d'émulation mutuelle un peu pour railler, on avait démonté, enfin euh, on avait démonté. On avait dit que Nier Automata était un jeu surcoté. Et euh, ah. en fait. Euh, je sais pas. Il hein. <laughs> mais... y a débat, il y a débat. Non, oui, mais, non mais bien je sûr, bien comprends. sûr. Mais tu vois, c'était pour l'exercice le... du podcast et mmh. tout machin. Et en fait, euh, bah, très honnêtement, des réactions au podcast de Sœur dont on n'en a quasiment jamais. Un hein, Des commentaires et tout de gens qui disent. Enfin, mmh. ils écoutent et, et c'est cool et tout machin. Mmh. Et là, sur ce coup-ci. Euh, j'avais volontairement j'avoue j'ai poussé hein, j'avais mis Niro Tomata en miniature de des de, 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 de jeux sur côté et sous côté et on s'est oh pris ouais. une vague de gens qui sont venus nous dire mais vous n'y connaissez rien bande d'incapables et tout machin qui étaient vénères mais sur tous les réseaux Facebook Twitter et tout de gens qui étaient vraiment vénères sa mère parce qu'on avait attaqué Niro Tomata et du coup c'est trop marrant parce que ouais vas-y vas-y non non, open... non, vas non non vas-y continue non non dis-moi dis-moi bah non mais en fait du coup, dis je, dis que... je pense que je serais d'accord enfin vas-y je sais ce que tu vas dire Théo je pense bah en fait tu rentres dans une optique où il y a des choses qui sont sacrés parce ouais. que la vie collective a décidé que c'était sacré et si jamais tu daignes y toucher t'as aucune crédibilité tu vois ce que je veux dire si tu viens mmh. avoir l'avis contraire de la masse au final bah euh, soit t'es un fanboy soit t'es de ouais. mauvaise foi soit machin alors que enfin tu vois Bon après j'avoue hein, encore une fois je précise bien là on le, le but même de l'émission c'était un peu de provoquer donc du coup on a récolté ouais. ce qu'on a semé il n'y a pas de souci mmh. mais à aucun moment on a défoncé le jeu sèchement tu vois c'est qu'on avait des arguments et qu'on a dit bon bah voilà enfin Niro Tomata je kiffe pas pour telle ou telle raison mais on s'est fait éclater nos races parce ah. qu'on a, on a osé attaquer Niro Tomata en fait quoi non mais en plus ce qui est drôle c'est que les gens qui vont te dire Ah vous n'y connaissez rien et tout quand t'es un véritable fanboy d'un truc comme ça c'est surtout, c'est souvent des gens justement qui n'y connaissent rien et qui ont découvert un jeu dans leur vie et qui sont là oui c'est le meilleur jeu du monde alors que quand tu commences à avoir un peu de bagage <laughs> non mais c'est vrai, quand tu commences oui. à avoir un peu de bagage dans le jeu vidéo tu peux comprendre que voilà il y, euh, y a des jeux qui ont des qualités des défauts et effectivement euh, oui ça arrive qu'on puisse survendre un jeu enfin euh, bref, non c'est un peu un petit euh... alors attends, juste les gars on avait d'autres jeux qu'on avait notés euh, par oui. rapport à, euh, aux jeux euh, qui, en gros, ont été un peu dénigrés à leur sortie. Mmh, oui, accélérons Donc, un petit peu, Théo, t'as raison. Non, non, mais ouais. moi, moi, je trouvais ça hyper intéressant, hein, la discussion. Euh, alors, on avait on MGS2. MGS2, c'est un cas -ce intéressant. Que... Voilà. Ah ouais. Alors, pourquoi Parce qu'évidemment, un peu euh, syndrome Wind Waker, euh, dans le genre un peu trahison, on va dire, c'est bah, que, en fait, c'était bah, un fait, choix de Kojima. Enfin. Enfin, oui, c'est un choix de Kojima, etc. Mais je pense que c'est un peu le contraire de Wind Waker. Euh, dans le sens où, perso, pourquoi j'ai autant aimé Wind Waker, c'est que j'étais un petit peu à l'époque. Et ouais. je m'en foutais un peu, en fait, euh, bah, de, de ne pas avoir le, euh, le euh, Ocarina mmh. of Time, enfin, euh, le Toilette Princesse qui est devenu après plus tard, tu vois, un truc un peu oui. plus mature et tout ça. Donc, en vrai, moi, j'ai kiffé. Parce que euh, l'ADA le, 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 et tout ça, c'était vraiment kiffant. MGS2, j'avais moins kiffé à l'époque parce qu'en fait, bah, j'étais pas à cible je j'étais trop petit pour comprendre ouais. puis après quand je l'ai refait... enfin surtout que je l'ai refait plusieurs fois mgs2 et euh, je comprenais pas alors que non mais en vrai, là, tu, parles de, si fin ou tu parles de la tu parles de non le jeu en lui-même je comprenais pas Raiden, tout ah, ça le gameplay tout. Je... non mais en non, gros le, le gameplay le, était le... incroyable parce que ouais, que bah tu oui. sois petit ou, euh, ou grand le gameplay il est indéni indéniablement incroyable en tout cas pour ce genre de jeu ce qui est un peu dommage parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore euh, Enfin, il y avait Son of Liberty, mais il n'y avait pas encore Substance, donc il n'y avait pas les VR missions. On ne peut ouais, pas te rendre sûr. compte à quel point c'était incroyable, tu vois. Ouais. Mais juste le gé... le scénario, en, en général, je sais pas, je comprenais pas. Alors que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste, non, en fait, en... en grandissant, je comprends, en fait, euh, les thèmes et tout ça qui sont abordés. Et finalement, c'est un de mes jeux préférés. Enfin, c'est mon jeu préféré, en vrai. Ouais. Euh... Mais je à l'époque, quand tu es... es petit... Fin... Il y a aussi en fait un truc qu'il faut, faut vraiment mettre en avant, ce que je voulais dire, c'était que euh, c'est ce que je disais aussi au niveau de la Dreamcast, c'était vraiment le point de vue marketing, euh, quel est le public cible Le public cible de la, de la Dreamcast à l'époque, c'était les, les gens qui kiffent l'arcade, avoir l'arcade à la maison. Le public mmh. cible, des gens qui, qui, qui étaient intéressés et de la PS2 en général, hein, Sony, ils sont jamais cachés pour ça, c'était des gens qui voulaient juste se jouer sur leur nouveau téléviseur Sony. Tu vois, donc il y a des expériences de jeu en général. Euh, Namco, euh, grande géante de l'arcade, les ont euh, rejoints avec Time Crisis, Ridge Racer, etc. etc. Euh, donc c'était quasiment les seuls jeux, on va dire, arcade qui avaient dessus. Après les, ouais. le, les autres jeux, bon, mais bah, c'était des jeux action platformer ou des jeux un peu plus cinématiques sur, sur la durée, etc. Euh, bah, en fait, MGS2 à l'époque et même Niro Automata n'ont pas le même. Cœur de cible, tu vois ce que je veux dire C'est hmm. après, c'est assez. Oui, mais il y avait un point important, important sur MGS 2 qui a beaucoup joué voilà. dans son l'appréciation et c'est ce que voilà. Théo voulait évoquer. il ra... bah, y a pas Raiden ouais. et enfin il y a Raiden. Bah, c'est Raiden, Snake, voilà, c'est ça, pas. exactement. C'est ouais. ça en fait. Ça. Et yeah. en fait, ça, je pense que ça a fait réagir. Euh... Enfin, vas-y, dis-le, Non, vas-y, vas-y, Théo, ouais, c'est ouais. parfait, vas-y. Pas non mais tôt, ouais. alors c'est pour avoir votre avis parce que comme je disais à Ken euh, la dernière fois c'est qu'en fait moi j'étais euh, trop on était trop petits pour se dire oh c'est nul de jouer avec Raiden tu vois tu te dis pas euh, ah, ça. tu vois on est des gamins donc oui. pour nous Raiden ça il reste badass il tu vois nul, on oui. se dit pas il est féminin <laughs> ou quoi euh, on se pose même pas la question tu vois mais, mais euh, apparemment c'est vrai qu'il y a pas... à mon avis il y a des joueurs du premier MGS qui ont été euh... bah, on tu remarques on était aussi des joueurs du premier MGS mais des gens bah, plus anciens de... que nous qui ont ah, pu être un peu décontenancés. Je... Mm -hmm. je pense qu'en fait ce qu'il voulait dire Ken, euh, c'était euh, c'était ça, c'est que en fait quand, quand j'étais petit, ben Raiden j'avais du mal parce qu'en gros ouais il ressemble à une meuf et tout ça. <laughs> dit, bah, bah, parce que, euh, non non ouais. mais c'est vrai parce que beaucoup de gens y pensaient ça. Euh, quand tu parles ouais. en fait avec des fans de MGS, c'était c'était assez euh, c'était assez en fait unanime. Alors qu'en vrai tu joues, enfin je j'ai rejoué avec la version HD quand il était sorti C'était quand c'était en 2012 je crois un truc comme ça. Ouais. En vrai, Raiden normal, hein. c'est un mec normal. Hein. En fait, les ouais, gens à l'époque mais... disaient oui, c'est un androgyne et tout. On ne sait pas trop si c'est un mec ou une meuf. Bah, tu as même un perso dans MGS 2 justement, c'est le président euh, des États-Unis qui, qui genre qui, qui le palpe pour voir est-ce que ouais. c'est vraiment un cas. Ah oui, euh... bien bah, zizi, tu vois. Alors c'est euh, un, un mec normal, en fait, tu vois. Je vois eh, pas en fait en comment, dans ma tête à l'époque, je me suis dit, ouais, un, on sait pas trop si c'est un mec ou une meuf, il a les cheveux mi longs et tout. Alors que regarde, suis <laughs> des mecs de PNL, là, des monos et tout. <laughs> Après, et tout, ça a beaucoup changé, tu vois. C'est comme, comme ça que tu l'as vécu. Non. Après, je pense que le, le ouais. caractère. Euh, moi, j'ai jamais trouvé que Raiden était. Androgyne, personnellement. Mais je pense non, pas mais que. Parce le... qu'il faut se penser aussi à l'époque. Oui, bien, bien sûr. Il y ans. Oui, oui, J'entends. Tu, te... tu, tu joues. Tu joues en fait avec euh, Snake, ah, avec bodybuildé. Oui, euh, oui, oui, oui. Euh, badass, tout ça. Il détruit des tanks avec des grenades. Il descend rappel et tout. Là, tu joues en fait avec quelqu'un qui est un peu plus doux entre Oui, les... bien sûr, bien sûr. Moi, ouais, un peu plus guillemets. Mais qui a qui néanmoins un personnage très fort. Ben, bah, en fait. Mais c'est tout le propos de MGS2, en fait, justement, je pense que... Ouais, et c'est ouais, ouais, pour y ça y pas que dans, Kojima ouais, a joué sûr. avec ça, c'est qu'en en fait, euh, euh, oui, au premier abord, euh, d'une réaction euh, très, euh, entre guillemets, euh, viriliste, tu vas te dire, ah putain, euh, ah, Raiden, ouais. c'est fragile, tu vois, pourquoi tu me fais jouer <rire> fragile <rire> alors qu'avant, euh, je jouais avec euh, Snake, qui était euh, méga fort Mais... et tout machin. Et je pense que, justement, le propos même du, du jeu de Kojima, c'est de dire, bah tiens, regarde, au final, tu vas t'attacher à un perso sur lequel tu avais des préjugés, mmh. tu vois. Mais... Euh, ouais, euh, c'est ça. Oui. Mais euh, es, comme le disait Théo, et en fait on, le parlait, on en parlait tout à l'heure avec Unwaker, je pense que euh, le, 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 justement l'affaire Raiden, ça a eu un tel retentissement que même sans Internet, moi qui avais à l'époque euh, 9 ans, mm. j'en ai entendu mm. parler de ouf partout. J'en ouais, ouais. ai entendu parler euh, à l'école, j'en ai entendu parler sur Game One, j'en entendais parler dans les ouais. magazines. Et tu vois, mm. ça avait fait un, un, un tollé monumental. Et je pense que beaucoup de gens au début ont une réaction collective justement de, tu vois, de, ils se sont bloqués. Et sur mmh. Metal Gear Solid 2, et ils l'ont jugé juste pour ça, alors que mmh. bah oui, ça faisait partie de de de, de, de... Le travail de Kojima, la démo sur le tanker avec Snake, euh, mmh. les trailers, etc. On voyait jamais Raiden, ouais, et là, poum, il y a Raiden qui tombe, tu vois. Donc, du mmh. coup, les, les gens se sont sentis trahis, et on a pu plus ou moins revivre la même chose quand MGS5 est sorti, où là, encore mmh. une fois, il y a eu une trahison vis-à-vis -vis du personnage principal, mmh. et là, il y avait Internet, ouais. et là, on a vu la réaction, et les gens, ils ah, étaient oui, ouais, exécrables. Et c'est justement où là, tu as ces fameux gamers. Qui euh, sont <laughs> et, et qui ça, font hein. des pétitions et machin et machin pour retravailler Faut tel ou tel détail, voilà, hein. parce mm. que les gens sont pas contents. Et c'est vrai que aussi, ce, ce phénomène de pétition, bah, c'est quelque chose qui est très attaché à Internet parce qu'il bah, y a un mm. élan de voix collectif qui s'élève et les gens se considèrent légitimes à vouloir modifier une œuvre parce qu'elle leur plaît pas, tu vois. Ouais. Ouais. Mais... Mais c'est intéressant le truc de trahison, parce que je pense que justement c'est là où on vient un peu aussi euh, sur euh, le sujet de, de base, c'est qu'en gros, euh, Wind Waker, comme tu l'as dit, ils avaient teasé un, voilà, une démo technique un peu à la Twilight Princess, et, et oui. ensuite ils sortent Wind Waker. Metal Gear 2, c'est similaire, c'est pour ça que je faisais la comparaison, c'est qu'en gros, ils, dans les trailers, tu voyais que oui, Snake, ça. en fait, il avait remplacé... ouais, ce que as dit, hein. ils avaient remplacé euh, Raiden par Snake dans ce... dans les... sur, le... sur la Big Shell et tout. Mais en fait, sur le moment, tu as une réaction épidermique du public qui se sent trahi, mais avec le temps, on digère et justement, on va louer justement la prise de risque et considérer que Bien justement, c'est un acte fort, tu vois, que ce soit Raiden dans MGS 2 ou Wind Waker, tu oui. vois. Donc, mais, euh... mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu, tu parles toi-même de digestion et euh, Internet, ouais. c'est une réaction dans l'immédiateté, tu vois. C'est ouais, que le jeu est pas encore sorti, ou il est sorti depuis 3 jours, et du coup il faut en parler, et du coup machin, et du coup c'est des agis à vif, et donc forcément mmh. euh, bah, ça donne un petit peu un festival de n'importe quoi, tu vois, et c'est vrai que c'est mmh. un truc. Euh, Aujourd'hui, ouais, MGS2, bah, je pense que personne ne pense que c'est nul le jeu. Voilà. Si, si, personne ne si, va si, dire que c'est nul y parce qu'il y a Raiden. Ouais, voilà, ça, exactement. Non, mais en, en 2021, tu vas pas te réveiller et dire putain, MGS2, <laughs> c'est vraiment de la merde, il y a Raiden. Oui, tu mais mais on n'est pas à l'abri que ça arrive à nouveau un truc comme ça, parce qu'on bah ouais. l'a vu avec ouais, MGS5, tu vois. De, ouais. 2015, 2015 quand, à la sortie de The Phantom Pain, euh, dans la file d'attente, parce que bah, j'étais un des premiers acheteurs officiels, le jeu était déjà dispo à la République, mais dans, dans le truc. J'ai ramené le couscous. Exactement, euh... c'était pas ce jour-là, ah, c'était pas ce jour-là. C'était jour jour MGS4, le couscous c'est MGS4. Mais ouais, effectivement, j'étais le deuxième acheteur euh, de la boutique. C'était de... le enfin, MGS ouais, Café, c'est ça exact... Exactement, MGS Café, MGS Store, etc. Ben, dans la file d'attente, moi je... je kiffe parler avec euh, des fans et tout ça, ben, beaucoup de gens n'aimaient pas MGS2. Alors que pourtant, ils étaient là, ah bon ils campaient pour la sortie de The Phantom Pain. Ah non, non, ils n'aimaient pas MGS2, c'était toujours... Oh, ça c'est C'était enfin, rare chelou. que les gens disaient « MGS2, c'est mon MGS préféré » puis après il y a ça non le, le MGs préféré ce MGs 3 donc le MGs qui a été taillé pour le public et qui est incroyable aussi tu vois mmh, mmh. mais qui n'a pas la même philosophie et pas le même cœur de cible en fait euh, tu vois ouais, ouais. et a ouais. bah, en fait ouais, de... est-ce que Vanquish ah, c'est pas MGS2? aussi un jeu qui a été v si. oui sensé et, et, en et je crois pas. que Théo avait Internet. un autre exemple avec God End tu ouais, vois c'est voilà c'est voilà, oui, oui, ouais, oui, des jeux bah en fait on revient un peu au délire de Rez c'est que c'est peut-être des jeux qui sont plus de leur époque au moment où ils sortent, mmh. et donc du ouais. coup sur la sortie ils sont démontés. Et après ouais. le temps passe, les gens peuvent trouver ils le jeu moins cher, et donc du coup ouais. ils sont réévalués parce que les gens sont mmh. plus sur le vif à se, ils jugent plus le jeu par rapport à leur époque, ils le jugent juste en tant que jeu. Et je pense que ouais, du coup ouais, ça contribue. Mais Vanquish, c'est un excellent exemple. Le jeu, il s'est fait piétiné à la sortie. Moi, je l'avais euh, ah, ouais. chopé Day One, les gens, ils chient dessus. Ouais, il a aucune rejouabilité. Ouais, il se finit en 5 heures, c'est une honte et tout, nanani, nanana. Aujourd'hui, Vanquish. Ouais. tu dis vanquish les gens, ils sont là, ah oui, je m'agenouille, c'est top, c'est top. Ouais. Donc, tu vois, c'est ouais, y a... je trouve ça malsain, en fait, cette réaction d'immédiateté vis-à-vis de, de certains jeux sans aucun recul qui mène à, mmh. à directement sacraliser ou à défoncer certains mmh. trucs. Et, mmh. euh, et tu peux pas... Trop opposé à la vie générale parce qu'on te dit toujours, bah regarde, la vie générale il pense comme ça, donc du coup bah c'est toi qui te trompes, tu vois ce que je veux dire Ouais. Bah, après j'ai envie mais... de nuancer un peu. Euh... Désolé, hein, si je monopolise un peu la non, parole. Non, non, mais... tranquille. En gros, en fait, j'ai envie de monopoliser, enfin j'ai envie de, de nuancer ce que tu viens de dire parce que justement sur Internet tu as en fait un avis qui est unanime, enfin un avis en fait qui sort un peu de la masse oui. mais il faut pas oublier qu'internet c'est la voie on va dire entre guillemets du peuple t'as toujours en fait un peu ta petite niche si tu cherches oui. un peu t'as toujours en fait bah, des gens qui kiffent un certain jeu que les gens n'aiment pas t'as des gens en fait qui, qui qui vont ne pas aimer un jeu alors que tout le monde kiffe tu vois oui. et, et tu peux te retrouver en fait de, dessus tu vois enfin c'est c'est grâce à internet en fait que les gens peuvent se retrouver sur certains sur, sujets alors à l'époque en effet parce oui. que s'il y avait pas internet imagine je sais pas moi t'es fan de pff, je sais pas moi de euh, de kunai oui. dans les <laughs> années 90 tu fan de kunai euh, c'est difficile de genre envoyer des lettres et tout euh, dans et oui, les bah oui, oui, voilà je suis un fan euh, de ouais. kunai je fais un fan club de kunai des trucs <laughs> comme ça bien entendu sur internet Ouais mais c'est ça, mais sur internet maintenant tu peux. Mais je suis d'accord avec toi, ouais. genre, ton ouais, je suis... même centre d'intérêt, suis... tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi, et preuve en est, enfin je t'ai connu parce que je kiffais Ridge Racer 6. Euh t'étais au même ouais, 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 au même endroit tu vois au même mais... moment on était une niche et au final on s'est rencontrés comme ça je vraiment je veux ouais, pas ça, hein. je veux pas diaboliser internet parce que j'ai conscience de à quel mm. point c'est génial c'est juste ouais cet effet de masse qui me fait un peu flipper mm. de temps en temps en fait tu vois ouais, après, après ça, ça tu, tu peux tu peux en fait c'est l'époque qui veut ça j'ai envie de dire parce que tu peux l'utiliser sur plein d'autres sujets hein. c'est pas que les jeux vidéo ah non, bien ouais sûr. ouais bien sûr. là là c'est vrai que c'est vrai que là par exemple j'ai pas regardé enfin moi les films d'ici et compagnie ça m'est complètement passe au dessus mais là toute cette histoire de Snyder Cut j'en ai vu passer dans euh... tous les sens et tout le monde a son avis dessus ouais. et moi même enfin j'y connais rien du tout franchement je vous dis j'y connais rien de rien en ligue des c'est la ligue des justiciers c'est ça je sais même plus ça s'appelle comment euh, ouais, il y avait le dessin animé sur Cartoon Network c'est tout ce que je connais ah, ce truc. et bah tu vois même moi qui n'ai aucun euh, j'y comprends rien ben bah, j'ai un avis négatif vis à vis de ce Snyder Cut parce que tu vois les gens m'ont bourré le mou à en parler sans arrêt en mal ouais. tu vois ouais comme il a dit non, mais... du coup euh, Guillaume, t'as un sentiment de défiance en fait. Du coup, mais là c'est même ouais, pas voilà. de la défiance parce que juste vraiment je te dis euh, bah, ouais, apparemment ouais. c'est de la merde, tu vois genre j'ai pas plus. De non non ça, quoi. Euh, je sais pas, euh, non c'est pas moi, de moi, la merde. Hein. c'était stylé. Ouais ouais. <laughs> ah ouais. Non mais parce ouais. que ouais. ce qui est intéressant. Bah, ouais. bah oui parce que ce qui est intéressant c'est que. <laughs> non, ce qui. Moi ça. ouvre une porte. Là là on parle dans un sujet assez assez vague. Mais tout défendre aussi de ta sphère d'influence. Oui bien sûr. Parce tu toi tu penses en fait que c'est nul parce que dans ta sphère d'influence. C'est vrai. Tu as entendu que c'était nul. C'est vrai. Mais moi la sphère d'influence c'était incroyable hein. c est, c est ouais mais en plus ultime. ce qui est bien c'est que on laisse un, un réalisateur reprendre en main un projet ouais. euh, qu'il avait laissé en plan plus ou moins etc et euh, pour le finaliser en fait ça ouvre une porte potentiellement à moi je trouve c'est mon avis perso que je donne là à un cinéma de, de meilleure qualité où en fait euh, oui, ok, euh, pour le l'aspect business, peut-être que tu peux, euh, parce que ça a toujours existé. Hein. Blade oui. Runner quand il sort au cinéma, il a une happy end où ils s'en vont à la campagne. Oui. Et ah, après ouais. t'as un, un director's cut euh... qui rend le film Et meilleur. Et après t'as en fait, un director's cut, je crois, non T'en as, as plusieurs. Ouais, euh, t'as euh, ouais, la, euh, la définitive ouais, cut ça, ou quelque hum. chose comme ça, ouais. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de tout ça J'ai trouvé que Justice League de Zack Snyder c'était de la merde. Et que... Euh, mais... et voilà, que... Et en fait, ça me, rappelle, mère, mais ça, mais me ra... ça me rappelle surtout, en fait, euh, tout le pataquès autour de la fin de Mass Effect. Ah, mais c'est un très bon exemple, ah, Guillaume. C'est un bon ouais, très, et... très bon exemple. Ouais. En plus, il va, re... il va sortir en remastering le jeu. Vas-y, fais Non, mais c'est juste non, ça. Mais... C'est que, ce... que... En fait, le... le jeu a eu... Enfin, ouais, il s'est fait chier dessus pour sa fin que pas ouf François et, et mais en fait c'était était pas scénaristiquement que c'était mauvais même si c'était oui. pas ouf mais c'était surtout que bah en fait c'était un, un coup de un coup une claque à tout le reste du jeu en fait c'était un peu genre hé, hey, en fait mm. on t'a fait faire tout ton tout ton scénario pendant tout le truc mais en fait ça change rien parce qu'à la fin c'est oui. juste mm. un choix c'est c'est pas okay, lié ouais, au choix que t'as fait durant les trois autres jeux mais, euh, mm. mais mais c'était à l'époque mais... il y avait eu un tout un tout un tout un pataquès et ils avaient refait euh, ils avaient refait la fin, fin refait ils avaient rajouté euh, un, une slide de trois images qui disaient oui alors là s'il ah s'est ouais. passé ça euh, lui il est devenu ça et <laughs> lui il a eu ça et c'était juste ça mais... <laughs> C'est du coup, euh, ça rejoint un peu ce que disait Théo, mais de façon différente. En fait, ça rejoint toute la conversation. Je pense, cet excellent exemple de Mass Effect et de sa, ses pétitions et tout ça qui ont eu pour faire changer la fin. C'est ouais. que en fait, Théo le dit, le dit très bien il dit, ouais, bah, des fois, ça peut avoir un effet positif. Vis-à-vis -vis de, de, de l'œuvre, parce que ça peut permettre de, 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 de rendre l'œuvre meilleure. Et je pense, moi, par exemple, à Sonic, où il y a eu un tel tollé qu'au ah bah final, oui. ils ont refait le modèle 3D intégralement pour que ce ah soit oui, plus oui, digeste. Oui. Bien sûr que là, c'est top. Et après, du coup, des fois, il y, euh, y, a, y, a, y a des dérives où, du coup, les gens se disent mm. Bon, bah maintenant, on a voix au chapitre, mm. en s'élevant collectivement, ouais. on, peut, on peut faire changer ce qu'on veut. Et, Et donc, du coup, ça dès qu'il y a un truc. Quoi. Voilà, bah, Dès y a un truc, ouais, ça, rappelle est toi des couleurs dans Diablo 3, 3. rappelle toi des couleurs dans Diablo 3, mais genre les mecs histoire. ils ont fait mais en quoi, ça, fait quoi les premiers les trailers de Diablo 3 en fait, ils avaient ils étaient allés dans une DA un peu, un peu plus saturée, les couleurs étaient un peu plus saturées et genre ouais. mais, les, les, ah. les, les, mais les fans ils étaient devenus fous. Genre, euh, on avait l'impression vraiment qu'ils avaient euh, décapité euh, ouais. euh, <laughs> le, le leur jeu favori, quoi. Genre, alors que c'était juste, sais limite, tu sais, si tu vois la pipette euh, euh, sa la saturation, saturation, genre, ils avaient peut-être mis à plus 3, tu vois. Et genre, les gars, ouais, ils ouais. étaient, mais ouais. ils en pouvaient plus. Après, j'exagère, évidemment. Ouais, mais mais, oui, oui, mais, mais ouais. c'était... après Diablo, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère quand même. Non, mais je, oui, je, mais je le je problème, je c'est que... C'est vrai après, que après Diablo, là, c'est un autre débat. Est-ce que l'œuvre appartient aux gens qui la regardent ou est-ce qu'ils appartiennent ouais, au, au studio ouais, qui ouais. eux ont envie peut-être d'arrêter de, de faire des jeux moroses et qu'on vit de tenter de, 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 ouais, ouais, ouais. De, de proposer autre chose en termes de DA et et et, ça, et, bien sûr, et, pour, pour... Et, et en fait ça me fait penser aussi à, au lancement de la Xbox One c'est que ils ont tous chié ouais. sur la Xbox One mais aujourd'hui on a tous des Xbox One en fait même si même si c'est moins euh, moins euh, comment euh, euh, comment euh, euh, fermer de que devait l'être la Xbox One ah oui. ouais. mais je suis désolé, toutes oui. les consoles modernes, elles sont, elles fonctionnent ah comme... Euh, je... elles ah, oui, oui. Moi, oui, moi quand j'ai lancé, ah, lancé Sekiro quand j'ai lancé Sekiro j'avais un problème d'internet euh, il a pas voulu mm. se lancer le jeu. Je il hein. pouvait pas jouer et, ouais. et, et aujourd'hui tous les bah, jeux ils requièrent des connexions et, et, internet obligatoires et on voit même que, sur PC, la... parfois si t'achètes légalement et c'est ouf parce qu'au final c'était clairement ce que vendait la Xbox One et qu il, qu il, où ils se sont fait éclater là-dessus et qu'au final mm. bon, toutes les consoles mm. sont comme ça hein. tu peux pas lancer un ouais, jeu sans, en la en mettre, en sans Xbox, le mettre à jour hein, sans être connecté hein. di... ouais Tiens, du coup, euh, Guillaume, en parlant d'Xbox, en plus, j'avais justement un autre jeu dans, dans ce qu'on avait noté euh, par rapport à l'évolution d'une réputation. Et là, je vais repartir un peu déjà. Y a, effectivement, il y a God End où là, vraiment, on voit encore. Euh, bon, moi, c'est un peu ma marotte, euh, les tests. Hein. Moi, tout, depuis que je suis petit, je les des oui. je regarde les notes et tout. C'est un truc que j'aime bien. Mm. C'est vrai que God, uh, God End, par exemple, je crois que c'est sur Gamecult, il avait eu 4 ou 5 Oui. 6 je crois. Non, non, il n'avait pas a... eu 6. Non, ouais, non il avait eu moins, 5. Ouais. 5. Okay. Et. Euh, et, pareillement, euh, et du coup je voulais parler de Lost Odyssey mm. c'est pour ça que je parlais d'Xbox ou mm. euh, là sur jeuxvideo.com alors pour moi Lost Odyssey c'est marrant j'y ai pas joué pour le coup mm. jeuxvideo.com lui avait mis ouais. 11 donc tu vois moi à l'époque je regardais mm. les notes je fais oh, ok bon bah ouais. c'est pas terrible tu vois ouais. et là systématiquement tous les gens Every single one, et chaque personne que j'ai rencontré dans ma vie qui a joué à Last te dit c'est un des meilleurs jeux du monde. Et ce depuis 2008, ça avait commencé en 2008 où je parlais avec un pote, il fait non mais je crois que c'est mon jeu préféré ever et je fais mais, tu sais pour moi ça a créé un bug dans ma tête. Oui. Mais le pire, tu vois, c'est que, que encore aujourd'hui il tient, il tient la route quoi. Enfin là avec la, la, ouais, donc... la rétrocompatibilité euh, Series X. Euh, il est encore plus beau, le je... jeu, mmh. et il tourne encore mieux, ah, etc. Ouais. Et franchement, il tient la route. Hein. Mais c'est vrai que, tu je, je le dis bien, Théo, hein, euh, ce jeu, il a été euh, euh, réhabilité, ouais, clairement. Hein. C'est qu'aujourd'hui, le ah, Odyssey, ouais. pour tout le monde, c'est un peu, voilà, c'est une tuerie. J'en entends toujours que du bien, j'entends jamais de mal de Lost Odyssey. Ouais. Alors ouais, que c'est ouais, vrai que quand ouais. il est sorti, c'était. Euh, Mais euh, en fait, j'ai l'impression que parce règle, que quand il est sorti, euh, le, les médias jeux vidéo se résumaient souvent qu'à jeuxvideo.com en fait j'ai l'impression parce que quand t'écoutes d'autres journalistes eux ils te disent ah ouais, non mais moi j'ai toujours dit que c'était trop bien ah oui non ça c'est marrant parce que t'as raison je vais, je vais défendre mon site favori non. comme chaque sait, sur gameblog <laughs> à l'époque ah, oui. le, ah, bah, oui. ah, oui. le jeu avait eu la note ah, bah, ouais, maximale oui. c'est Julien Chiesse il a toujours dit il que avait euh, mis euh, la, son la note maximale euh... ouais donc pour le coup il avait bien mais, mais joué, je crois qu'il y avait une histoire sur jeuxvideo.com. Je crois que le, 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 le testeur, c'est Logan, il ouais, me hein, ouais, semble. Ouais, c'est mmh. ça. Hein. Regarde, en plus, en 2018, voilà, j'ai écrit Logan, Lost Odyssey. Euh, premier lien. En 2018, Lost Odyssey 2.10, dix ans après, on revient sur le test polémique en live. Ah ouais, il aurait dit. il aurait dit. Bah oui, parce que, bah, regarde, on en parle là maintenant, <laughs> tu vois, ça fait un petit ouais. peu polémique, tu vois. Mais, euh... mais du coup, je crois qu'il y a une histoire comme quoi. Il n'avait pas terminé le jeu en fait. Hein. Il a fait le premier CD. Ça, ouais, ça, ça c'était le cas beaucoup Je dans les prends, même hein. dans les magazines papier. Euh, c'est assez aberrant des fois quand tu reviens sur des tests où euh, tu vois que les screenshots ouais, c'est toujours hein. le tout début du jeu et, et le mec qui parle du jeu sans tu te rends compte qu'il n'y a pas Exactement. joué. Enfin. Mais là, c'est un autre débat. Mais tu, tu te rends compte de la responsabilité euh, qu'ont les gens qui critiquent au final, tu vois. Bon, ouais, c'est euh, ouais, ça peut ça peut ah, condamner ça, un ouais. jeu euh. mais c'est un autre c'est un autre débat ouais, euh, ouais tout exactement. comme Guillaume a condamné euh, Plague Tale. <rire> <rire> pas mais parce que, que trop de gens l'ont censé en fait je pense que honnêtement ouais, je l'aurais pas je l'aurais je, je me serais pas évertué à ce point-là ouais. à, à, à défendre mon, mon, mon point de vue s'il n'y mm. avait pas tout le ouais. monde qui aurait dit mais genre ce jeu il est génial Genre, non, il est jamais il est Pour être du honnête, du je m'en rappelle presque plus. Ah, bah, tu vois, c'est pas du tout un truc le qui m'a Le temps m'a donné quoi. raison, je suis heureux. Ah, ouais. <laughs> J'aurais dû te dire à l'époque, tu verras, dans un an, t'en reparleras plus. Tu je t'en rappelleras plus. Non, voilà. mais en plus, j'avais pas tant hmm. kiffé, je le défendais, quoi. Parce que bon, c'est quand même français, hein. À Sobo oui. Qui font maintenant euh, Flight Simulator oui, d'ailleurs. Flight Simulator, il paraît que c'est lourd. Et On va accélérer un petit peu. C'est ouais. euh, ouais. bah, cool parce que je comme ça, bon, là... la, la discussion elle partait de rien et au final, on, on voit qu'il y a des choses à dire <laughs> dessus. Ça fait plaisir. Euh, mais euh, on avait, je crois, deux exemples, Théo, encore Enfin, moi j'en ai deux en tête. Ah non, non, euh... t'en as plus là ah, as... ah oui, toi oui, ouais. si je m'en souviens des tiens. Bah, oui. J'avais Nier, ouais. du coup, pour parler mmh. de, 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 de la série. Ou pareil, moi, franchement, quand Nier, il est sorti, tout ce que j'entendais du jeu, c'est ouais, le jeu, il est dégueulasse, c'est un jeu qui a 10 ans de retard, enfin, il n'y a rien qui va. Ouais, c'est vrai. Au final, là, il ressort en remake, et c'est la Bérésina, enfin, tout le monde bah, est heureux. Bah justement, je sais pas, parce que faut pas oublier un truc, c'est que les jeux vidéo, c'est des produits, en fait, qui sont destinés à être vendus. Oui. Est-ce qu'il va être vendu en fait ce jeu Est-ce ah, qu'il va se vendre Mais mon gars il va cartonner et ni répliquant, j'en suis ouais, sûr. Je pense, je pense. Quand je regarde Amazon, le prix, tu vois, parce que tu as toujours en fait, ouais. un prix de lancement qui est un peu moins cher, il baisse pas. Il a que moins 5 mmh. euros, tu vois. Ah, Je sais pas. Je hein. dis, mais... Moi je pense qu'il va. Cafour, pense... Après, pareil, c'est la bulle d'influence. Ils vont baisser, tu sais Ouais, ouais. Bah, je sais pas en fait. Hein. Je Après, sais ça pas, dépend ce qu'ils attendent du jeu aussi. Apparemment. Oui, mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, Xserve avait fait des vidéos euh, tests, enfin des previews euh, d'autres youtubers vite fait. J'ai regardé un peu. Apparemment, c'est exactement Nier hein, euh, ouais. qui était sorti. Bah du coup, t'as la version japonaise. Oui. Ils, ils ont voilà, pas mis le que les même un peu plus comme euh, comme euh, Nier Automata, un peu automata. plus, un peu plus mmh. comme Automata, mais il y a que ça qui a changé. Et ok, j'aime bien ouais, Nier, mais... hein, j'aime beaucoup Nier Automata, mais le premier Nier, il y a quand même des trucs, et de très bonnes idées. Il y a eu des trucs, ça ne va pas du tout. Non, mais Donc, as combats, tu as, as des longueurs, tu as des... T'as des trucs, des allers-retours et tout, hein, dans le premier Nier, es, c'est ça? Tu faire la pêche, tu ça. Vas je faire pense qu'ils vont le virer, tu vois. C'est comme quand ils ah, refont à Wind Waker. Ils, ils... Bon, moi, ça m'avait jamais dérangé dans le jeu original, mais quand ils ont refait Wind Waker, ils ont simplifié la quête de la Triforce mmh. pour, tu vois, enlever okay, un peu okay, les ça, longueurs je et tout. Et j'ai un rebond, et je saisis la balle au rebond, puisque en parlant de remake, de, du remake de Nier, par exemple, euh, on va voir ce qui va se passer avec Skyward Sword. Puisque, est-ce qu'il va être exact, réévalué ouais. si le remake est bien fait sur. Sur exact, Switch, est-ce qu'il va être réévalué à la hausse Attention, les oui, revenus bon, de veste, il est bon, théo je vous regarde, mais je mais vous vois. Surtout que, surtout que Théo, je crois que t'es le seul de ma sphère d'influence, même de de tous les gens ouais. que je connais qui a joué à ce jeu et qui le défend Mais ah je l'avais oui, ouais, pas bah, trouvé ouais. nul, hein. j'avais bien aimé euh, Skyward Sword. Excellent. Mais, mais, mais on, on, en revient, ouais. on en revient à cette histoire d'attente en fait. Qu'est-ce que tu attends d'un jeu ouais. Et c'est oui. euh, quand tu parles d'un Zelda, qu'est-ce que tu attends d'un Zelda et, et quand on te propose quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que toi t'attends d'un Zelda, bah, les ouais. gens, ils vont, ils vont forcément être déçus. Ouais, mais bah en fait, Skyward Sword c'était un peu un, d'une façon c'était un Wind Waker 2. Donc si tu avais pas vraiment euh, ceux qui n'avaient pas accroché à Wind Waker, moi c'est vrai que ça avait re ressuscité la magie d'un peu du premier Wind Waker euh, en jouant à Skyward. C'était assez spécial. Ouais. Mais on avait commencé avec euh, Mario et, et, et là on parle de Zelda. Ouais. Et il y a un truc mmh. qui est connu dans, dans Zelda, c'est vous savez ce, ce Zelda cycle où en fait à chaque fois qu'un nouveau ah oui, Zelda voilà. sort ouais. Le précédent est, euh, ouais. est, est, est bien, en fait. Tu vois. En sensé. Voilà, on l'a vu avec Coonwaker, <laughs> on l'a vu avec euh, Twilight Princess. Euh, Skyward Sword, c'était un et petit mais... peu différent parce qu'il y a eu Breath of the Wild derrière ouais. et il n'a pas été réhabilité ouais. pour autant. Enfin, ouais. 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 Donc c'est vrai que la sortie du de... mais... remaster, c'est intéressant. Non, mais même Majora's Mask, parce que Majora's Mask, quand il ouais. sort sur Nintendo 64, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui n'y voient pas euh, ce qu'ils avaient aimé non. dans Ocarina of Time. Non, non, tu vois. Et moi, je me souviens que c'était... Vous vous rappelez la sortie un peu de Majora's Mask C'était un peu tiède, ouais. hein, moi, de mémoire, c'était très, très, hein. très tiède. Très euh... tiède. Même dans les magazines, Moi, je l'ai jamais chied. fini, ouais. un Majora's Mask. Est... Je crois que c'est un des seuls Zelda euh, majeurs en fait... que j'ai jamais fini. Parce ouais. qu'il est angoissant. Majeur, ouais. Asma, est... Un jeu Asma, est... Un angoissant. <laughs> un jeu angoissant de ouf. Non, mais ouais. il, fait, <laughs> il fait peur. Ça fait peur. As une... ouais, ouais, il fait grave peur. Et puis, ouais il a un gameplay qui est quand même assez particulier. Et c'est encore un truc d'attente, tu vois. C'est que c'est que, bah, après Ocarina of Time, les gens s'attendaient à du Ocarina of Time, alors que c'est oui, rien sûr. à ouais. voir avec o Ocarina of Time. Je suis sûr qu'il y a ouais. dû avoir des gens tellement déçus par une maker qu'ils ont commencé, qu se sont penchés sur Majora's Mask et dit en disant oh, c'est sombre, mm -hmm. c'est mature, bah, oui, 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 ce qui n'est pas possible. tout à fait vrai et mais possible. Ah oui oui non mais et clairement. Est-ce que est-ce que euh, après c'est sur Wii U donc c'est peut-être un peu c'est un peu peut-être passé à côté de des gens mais euh, est-ce que le remake de enfin le remaster de Twilight Princess avait avait parce que pareil c'est c'est un mal aimé Twilight Princess Oh euh, non, non, ceux qui n'avaient pas aimé Wind Waker étaient ravis de Twilight. Ouais. Moi j'avais tellement aimé Wind Waker que je trouvais que vraiment Twilight c'était d'une façon presque une régression, mais bon après, euh, je pense au début je l'avais kiffé. Je pense qu'il a ses détracteurs ouais. et, et les gens qui ouais. l'adorent, euh, Twilight Princess, ouais. Twilight Princess, oui, les gens qui l'adorent, ils le kiffent vraiment, hein, réellement. Non mais le problème de Twilight, bon là on va pas parler non plus euh, en profondeur des Zelda, mais le problème de Twilight c'est que c'est finalement le premier Zelda à sortir sur une machine. Euh, où Nintendo n'est plus dans la compétition euh, tec technologique. Oui. Et en fait, euh, Twilight se serait sorti sur euh, une un équivalent à la Xbox mmh. 360, ça aurait été un truc oui, de ouf. Vrai. Mais mmh. sauf que c'était sur la et En fait, ça ramait du, ça, ça, <laughs> ça traînait la patte, tu vois, à afficher Mais euh, quoi que ce mais soit. Mais je pense que ouais. justement, en fait, c est, c est, les Zelda et les Mario, c'est des bons exemples parce que justement, c'est il y a tellement, il y a tellement d'attentes autour mmh. que forcément. Ouais. Euh, tu peux que décevoir parce que euh, on connaît Nintendo là-dessus. Ils aiment bien, justement, euh, euh, comment dire, Prendre changer le les dessus, formules, etc., ouais. essayer de faire évoluer ouais. leur jeu. Et donc, ça, c'est pour ça aussi que bah en fait au fur et à mesure avec le temps les gens comprennent où voulait en, où voulait en venir euh, le, 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 le développeur à, à ce moment-là ouais. et euh, donc se met ouais. se met à apprécier un jeu ou pas tu vois et, et je pense ouais. que je pense que parfois les souvent les jeux qui sont qui sont victimes entre guillemets de bashing c'est aussi ouais. parce que on comprend pas le les gens comprennent pas leur euh, le, 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 le Comment dire, euh, l'intention le, le, Les intentions ouais, du in, développeur, intention. en fait. Ouais. Oui, ouais ouais Non, mais c'est là où justement Toilet Princess venait vraiment pour faire plaisir aux fans, en essayant de coller à ce que les fans oui. voulaient. Là où Wind Waker, il y avait une vraie intention euh, créative. Bon, bref. C'est une bonne, euh... bonne cuisine, je trouve. Ouais, bon. <laughs> bon C'était <'est... rire> intéressant, en tout cas, les gars. Merci. Euh, C'est euh, du coup la fin de ce 31e euh, podcast. Alors, comme on a dû couper le record, je sais pas, on, on dépasse les 3 heures là, je pense. Wow, euh, bon. passé les 3 ouais, ouais, Mais t'inquiète, ouais, Théo, il, <laughs> il va vouloir revenir sur ses parties. Il va t'envoyer des messages en disant ah, oui, non, mais ça, j'ai pas aimé en fait quand j'ai parlé de ça. C'était chiant. Vrai ouais. Il faut que je. Mais non, mais de toute façon, j'ai attendu. Bon. Bon. Il a attendu sa personne, Théo. Il pourra s'en sortir. Je le faisais quand on débutait. Il est trop critique sur lui-même. J'ai moins fait. Bon, bah, tu... C'est vrai que je galère et c'est vrai que je pratique pas tellement la langue française et pourtant je suis pas non plus super good, super bon en anglais non plus, oui. donc au final je ne parle plus aucune langue correctement. <laughs> mais c'est vrai qu'on euh, on, on voit la différence, euh, t'avais déjà ce petit gimmick avant de chercher tes mots et des fois de passer par l'anglais, euh... mais c'est vrai que maintenant c'est marrant parce que naturellement tu passes à l'anglais d'abord, tu vois ce que je veux dire Mais après c'est <laughs> normal, hein, tu vis dans un pays étranger, ouais, tu parles non, pas mais français... Je donc, euh, c'est totalement ouais, normal. Mais t'inquiète, hein, était... Était... moi j'ai trouvé tout, euh, tout très pertinent. C'était euh, une chouette mmh. émission. Euh, bon, du coup, elle fait quoi ouais. Elle fait trois heures, mais tranquille, euh, les gars. Mmh. Vous avez un podcast tous ouais. les trois mois. Donc, si jamais il fait trois heures, vous écoutez une heure par mois. Et du coup, ça fait un podcast <laughs> tranquille. Donc, voilà, je vous conseille de faire Je suis désolé, mais j'y pense en fait pendant qu'on fait la conclusion. Euh... Le sujet, en fait, il peut te faire réhabiliter en fait des jeux qui étaient, enfin, avaient un, un un succès vraiment très, euh, très minime. Je pense notamment à, bah, à ce jeu. Hein. Attends, ah merde, on ne <laughs> pas. In <laughs> memoriam. Ouais, ouais. Ouais. Exactement. Euh, In memoriam que je parlerai un jour hein, parce que ça fait un moment que je vais en parler sur euh, Merogesu, mais ah bon, oui. on en Là, je, je pense que c'est un petit teaser, Eric Viennot, hein, c'est ça, sortir là. Eric Viennot, hein, ah, bien okay. sûr, un grand, 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 euh, euh, un grand, grand développeur monsieur. de jeux vidéo bien français, un hein, grand monsieur. <laughs> hein. Mais bon, on en reparlera, je pense, euh, prochainement, hein, clairement, Allez. parce que ouais, là, le sujet s'y prête et ça peut être très, très okay. cool. Bon, yes, ben, bah, on va conclure I... les gars. Euh, yep. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, malheureusement, j'ai plus la caméra, donc je peux pas vous faire des coucous euh, pour dire au revoir. On se retrouve euh, bah, pff, honnêtement là. Le, le prochain pic euh, pour nous, je pense, ça va être le 3, non Je pense ouais, ouais, on a ouais. jamais. Il bah, y a Resident, euh, Evil, euh, ouais, y a Resident, Resident Evil, Evil, il arrive Resident quand Evil 8 Qui sort début mai aussi à ouais, ah, euh, début donc tout bientôt il ouais, y, y a de quoi faire, mais ouais du coup ah ouais, bah, dès qu'on ouais, qu on, on a des choses à raconter euh, on revient vers vous voilà <laughs> donc, yeah. on va faire comme ça <laughs> mais ouais je pense, de euh, toute façon on a, on a jamais loupé un seul E3 depuis que Merugizu existe, ça, le premier vrai. podcast de Merugizu c'était un podcast débrief E3 ah, oui donc euh, allez bah, ah, écoutez bah, oui. je pense qu'on se retrouvera du coup pour l'E3 euh, l'E3 2021 ouais, euh, merci à nouveau euh, Guillaume, Théo et Pazou euh, merci. Pour, euh, merci, merci à le podcast merci à vous Yes. Et euh, bah du coup, on se retrouve bientôt pour plus de Merugézu. Salut <laughs> Bisous Salut